foule. Ça va fourrer du boudin ce soir. Romano. Ah, il aime bien quand c'est bien monté. Hein. Cédric. Marie. Non, mais ça va ton anus, il se referme tranquillement. Samy. Ah ouais, merde. Karim. Salam. Gigi. Cette année, le PSG en gagne Ligue des Champions, c'est sûr, à 100%. C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck? Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et ça y est, c'est parti, c'est radio libre jusqu'à minuit. J'espère que vous allez bien. Bonjour, let's go pour nos amis américains qui nous écoutent. Et oui, bienvenue sur Skyrock. La plus grande radio libre de France que vous pouvez écouter dans le monde entier avec l'appli. Vous nous écoutez avec votre radio, vous êtes n'importe où. Ouais. On salue ceux qui sont en train de bosser même le week-end. Hein. Ouais, il y en a. Et puis, ceux qui sont tranquilles, toutes celles qui sont tranquilles, vous avez bien fait de venir nous voir ce soir, Radio Libre, 21h minuit, avec au programme, déjà toute l'équipe qui est là. Bonsoir tout le monde. Salut, bonsoir. Comment va la vie? La vie va bien. Ça va en fait. C'est sûr que tu vas bien, Romain. Ouais, tout va bien pour le moment. Mais nickel. Bon, Romain est là, Cédric, ça va aussi? Ouais, tranquille, pépère. Tout à l'heure, clash de la drague à retrouver. Ouais. Qui va gagner le clash de ce soir? Eh bien, réponse avant minuit, ça va draguer, ça va clasher. Préparez-vous, amis dragueurs, amis beaux gosses. Les filles, préparez-vous, car vous allez être séduites sans doute par les deux méthodes. On va en faire tomber de la gonzesse. Les deux méthodes du mec. De Cédric et Romano tout à l'heure. Ouais. Et puis, on verra qui va gagner le match de ce soir. Il y aura les doubles appels à retrouver avant 10h. Et oui, nos doubles appels pour bien démarrer le week-end. Yes. Pamela, quand même. Dans un instant, on va parler de vol. On aura une histoire de vol. De vol avec nous. Du vol, mais dans les airs ou voler C'est ça. Alors, on pourrait parler de vol jusqu'à l'avion. Il a perdu un moteur, il a perdu une aile. Si quelqu'un veut faire un test, on est au 8e étage, donc vous pouvez y aller. Donc on va parler de vol. On aura le premier de la soirée, Tarek. Et puis, on aura évidemment Pamela. On écoutera les pervers là dans un instant. Oui. On va se faire nos pervers, les pervers de la semaine. Bonsoir Pamela, comment ça va? Ça va. Tout le reste de l'équipe est là. C'est vraiment les restes. À côté de toi, il y a Guigui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Guigui. Ça va Pamela? Ça va bien. C'est un grand reste. Tu veux que je te touche le zizi? Ça fait tellement longtemps que ça fait tellement longtemps. Tu vas l'exciter. Ah Pamela, je peux pas refuser là, je te le dis. Et moi? Non, le tien pue le pipi. Ah non, il est trop propre, ma chérie. Regarde, il y a Karim aussi qui est là. Bonsoir les filles. Bonsoir, c'est caca. Et puis il y a Samy aussi. Salut Pamela. Bonsoir. Tu veux venir à Marseille ce week-end? C'est Marseille, bébé. Tu le cagoles. Bon, alors on a plein de choses à faire ce soir et on va retrouver là tout à l'heure une petite histoire, une histoire sympa. On aura Loco au téléphone. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est Loco qui va nous parler d'un truc qui risque de vous exciter. Est-ce que la personne la plus âgée avec laquelle vous êtes sorti, c'était qui? Par rapport à vous, vous nous dites, donc faut nous dire votre âge et nous dire l'âge que vous aviez et l'âge de la personne avec laquelle vous êtes sorti. La plus grosse différence d'âge que vous avez eu avec une personne avec laquelle vous êtes sorti. Jamais, je pense, hein. Mon âge, quoi. Enfin, à peu près, c'est à deux ans près. Marie, ton mec actuel s'appelle Gérard. C'est pas Gérard. C'est vrai qu'il s'appelle Gérard. Oui. Ouais, c'est ça. Gérard, il a 80 ans. Non, il a 2 ans de moins que moi, tu vois. Ah ouais? Ah bah dis donc, merde. Quel âge? C'est pas de bol, ça. Bah, c'est son prénom, c'est Gérard et Marie. Il est si jeune, il s'appelle Gérard. Mais il s'appelle pas Gérard, mais. Ouais, mais c'est dans le genre, quoi. C'est dans le genre de Gérard, quoi. Moi, je sais plus comment il s'appelle, ce type, mais c'est. Patrick. Vous avez pas mal à Patrick. C'est lui, là. Bonjour, mon Patrick. Sa radio. C'est pas un travesti. Non, je te rassure. Ta toche est bien écartée. Bah oui, j'ai une grosse chatte. C'est le festival, là. Histoire de MILF tout à l'heure, là. Le mec le plus âgé par rapport à toi, Marie, t'avais quel âge? Il avait quel âge? Je crois que quand j'avais 16 ans, il en avait 126. Non, mais je crois que c'est le plus âgé. Hein. Ah ouais, c'est beaucoup, quoi. Bah, c'est le père de mon fils. 10 ans, plus. 10 ans d'écart, ouais. Ouais. T'es jamais sorti avec un granny? Non, il me semble pas, non. Ah ouais. Samy, jamais, toi. Tiens, moi, ouais, ça doit être le même âge que moi. Peut-être 2 ans de plus, t'es mal. Ah, mais moi, je crois que j'ai jamais. Je suis toujours sorti avec des plus jeunes, absolument. Voilà, et bah, moi aussi. Ouais, mais. Plus jeune, je m'entends, tu vois. Ouais, peut-être si, de mon âge, tu vois. Maxi de mon âge, jamais au-dessus, quoi. Ouais, c'est clair. Plus vieux, 22 ans. Ouais, 22 ans d'écart, ouais. 22 ans depuis. Ah, c'est la cassos. Ouais, bah ouais. La cassos. Ah, donc t'es sorti avec. Ah, je suis pas sorti avec elle, on a baisé. Ah, bah si, c'était ta meuf, quoi. C'est une relation, quoi. C'était ta meuf, quoi. C'est la meuf qui dépucelait tous les mineurs du quartier. C'est ça. Cédric est passé le dernier, elle était pleine. Oh, il y va.
Il baignait dans le sperme de ses potes, Cédric. Bon, je te demande pas ton témoignage, Guigui. Ouais, bon, c'est pas intéressant. Mais comment les cas, moi? Moi, elle devait avoir peut-être 10 piges de plus que moi, gros. Mais t'avais quel âge? J'avais, je crois, 19 ans, 20 ans. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Restez bien là, parce qu'on en reparlera d'ici une petite heure. Bon, d'ici là, je vous ai dit, il y aura le double appel. On écoute nos pervers, là, dans un instant. Et puis, on va démarrer, tout de suite avec le premier de la soirée. On va parler de vol avec Tarek. Salut à toi Tarek. Bonjour la Skyrock, ça va? Bonjour la Skyrock. Salut Tarek. C'est pas grave, on te surnomme d'habitude. Ça arrive, ça arrive. Ouais, Tarek. La Skyrock est là, Tarek. T'as 27 ans et t'es à Valence, toi, Tarek, c'est ça? C'est ça. Bon, on va parler de vol. Alors, deux questions que je voulais vous poser pour prendre un petit peu la température ce soir. Est-ce que vous avez déjà volé un truc? Ah oui, bien sûr. Alors ça, on a déjà parlé de ce genre de sujet dans la radio libre. Et en général, moi, c'est, vos témoignages me font peur quand vous êtes jamais. Car moi, et je vous le dis pas parce que je vais me la jouer, hein, j'ai jamais rien volé de ma vie. Bravo. C'est ça quand on a des moyens. J'ai été fort. C'est ça. On brasse de l'oseille. C'est ça. Quand on pèse, on n'a pas besoin de voler. Non, mais même avant que j'avais pas de sous, je volais pas. J'ai toujours volé, moi, avec ou sans argent. Bon, tu vois, Romano. Tiens, moi, je suis comme toi, du coup. Moi, je l'ai au crash cru. Mais à voler le système capitaliste. Ah non, tu voles les gens, tu voles pas le système. Ouais, je vole les gens, ça va. Quand tu voles dans une grande surface, ça va, tu vas pas mettre la grande surface en faillite. Hein. Bah peut-être, Romano, peut-être. Bah arrête. Attends, un peu. Par contre, moi, je me fais comme ça. Avec certaines, les prix qu'elles appliquent, bah franchement. Ça devrait être payé, je préfère voler. Avec certaines les prix qu'elles aiment. Merci pour ce petit conseil économique. Et langue française également. Donc dans l'équipe, un petit tour de l'équipe déjà. Qui c'est qui a déjà volé? Vous répondez franchement. Hein. Moi j'ai déjà volé moi. Alors t'as déjà volé Cédric. Mais dans le ciel. Et c'est à vol. Vu ton poids, c'est éclaté au sol. Qu'est-ce t'as volé? Bah tout n'importe quoi, sur des conneries avec des potes. T'as volé du maquillage? Ouais, on a volé du maquillage, on a fait un tu faisais faire quoi? Tu faisais le travelo? Non, on les vendait au moitié prix, ça marchait bien. Donc tu volais des trucs que tu revendais au Bahut. Grave, ça s'appelle recel. C'est ça, ouais. Recel. Bien ouais, c'est ça. C'est puni par la loi. Bien sûr. Et sévèrement en plus. Mais le vol aussi, c'est puni par la loi tout court, hein, Guigui. Oui. Ouais, mais le recel, c'est pire. Moi, je volais des baguettes quand j'étais petit. Des baguettes de pain? Ouais, des baguettes de pain, plein de pain. Du pain. Mais comment tu fais? Parce que chez les boulangers, faut pas faire de grande surface. Non, même pas, non. Il y avait une usine, moi, de baguettes à côté de chez ma mère. On fabriquait du pain, ouais. Et ça s'appelait la sapap. On appelait ça comme ça. Et on y allait, on volait du pain. Ah putain, au Thaï, il y avait un truc qui s'appelait pareil. La sipa. C'était la sapap. C'était pareil, une usine de pain. Et ben, on volait du pain, gros, mais à foison, mais un truc de ouf. Mais tu bouffais même pas, en fait. C'était des sandwichs au pain. Ah, vous avez des sandwichs. Ah, j'adore. Il y a pas moi, j'ai fait des sandwichs au pain avec de la moutarde juste dedans, tu vois. Magnifique. Donc, du pain volé, Romano. Il a fait. Ouais, mais des bonbons, ouais. Du vin, de l'oseille à 10 foules. Ah, mais 200 balles. Qu'on parle. Mais si, mais 200 balles. J'ai volé déjà des parapluies. Tu vois, Tarek, t'as été volé, Tarek. Et ben, ah ouais. Je te dis, moi aussi, j'ai été volé. Je sais pas, j'y volais. Je suis avec toi, j'ai volé ensemble. J'ai volé tellement de trucs, je me souviens même pas de tout, quoi. On est ensemble, Tarek. J'ai volé des antennes de voitures. Ah, mais ça, c'est à l'ancienne. Ça, je l'ai fait, ça aussi. Ah bon? Une voiture de location, il me file une voiture, il n'y a pas d'antenne, j'ai pris l'antenne de la voiture d'à côté. Ah non, moi, non. C'est pas du mal, ça. Ouais, on m'avait volé la mienne, ben j'en avais volé une autre. Bah, c'est une Clio, je me souviens. Ouais, moi aussi, pareil. Non, mais toi, Diffoul, c'est pas du vol, parce que souvent, les agences de loc, elles mettent leur voiture souvent côte à côte, donc si t'as pas. C'est une autre de l'agence, ouais. Oui, c'est ça, c'est une autre voiture de l'agence, donc t'as volé personne. Ah non, mais pas d'autoradio dans une voiture, tu te dis ah ouf, quoi. Moi, vous savez que on m'a fait le coup à Skyrock. On me donne une voiture. On travaille dans une radio. Hein. Le mec oublie de me commander un autoradio. Oh, c'est con. Mais ça existe des voitures sans autoradio? Bah c'est la preuve. À Skyrock, oui. Parce que le mec me l'a trouvé. Ouais, mec, t'as dit mais pourquoi faire une radio? Non, mais ouais, bah il est con. Lui, on travaille à Skyrock. T'en as pas marre d'écouter? C'est pas mal. Non mais Clio, tu sais, à l'ancienne. Le genre, tu sais, en plus que je me rappelle la blanche. Ouais, c'est pas longtemps que j'avais mon permis. Tu vois, je ne sais pas trop les bagnoles. Et je vois un truc en plastique, je me dis ouais, il y a peut-être un truc où t'appuies et l'autoradio il est caché derrière. Ouais. Non, je mets les clés. Ah, j'ai ouvert. Non, il y avait le truc en plastique derrière, mais juste les câbles. Des fils, ouais, des câbles. Tu vois, t'avais les câbles, c'était pas mal. Et le mec était surpris que je me mende une hein, quand même. Il dit oh, tu crois que je t'en mets une? Bah, c'est mieux quand même. C'est sympa. Écoutez, à peu près ce où je travaille, tu vois, c'est sympa. Alors, on continue notre tour de table. Donc, Cédric, t'as volé, Karim, t'as volé, Romano, t'as bon, évidemment. Enfin, ouais, non, mais moi je te dis un peu évidemment. Des. Il le fait même en direct tous les matins dans le morning. Je me suis fait choper une fois, la honte de ma vie, j'avais volé du sel, s'il te plaît. J'ai du sel dans mon survêt. Pourquoi faire?
pour saler. Mais bon, pour les du sel quoi. Ça maintenant il comprend Cédric, il vole du sel. C'est vrai que moi je suis comme Samy, je mets qu'est-ce que du sel. Non mais moi je t'explique, je pense que Cédric il est non comme moi, non je dirais pas ça. Je suis pas pareil les gars. Comme moi non. Non mais il y a des trucs ça te fait chier de payer, tu vois. Bah oui. Par exemple le sel ça casse les couilles de payer. Les piles. T'as qu'à pas en manger connard. Les piles. T'as qu'à pas en manger. Non mais non j'en vole dans les restaurants. Ah, ouais. Des fois, je me suis déjà barré avec la salière, tu vois. Ouais, moi aussi, plein de fois. J'en ai une chez moi, quoi. Plein de fois. Même le foie. Putain, tu sais ce que j'ai volé dernièrement? Parce que souvent, mais tu continues de voler. Ouais, je perds mes petites cuillères. Ah. Et je sais pas pourquoi je perds mes putains de petites cuillères. Je sais pas, gros. Bah, tu les jettes avec des pots, les pots ouais, de yaourt. Ouais, je sais pas, tu sais, j'ai plein de petits, et j'en ai plus, en fait. Et ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je vais au café en bas de chez moi. Tu voles une petite cuillère? Je vole les petites cuillères à chaque fois. S'ils nous écoutent, tu fais quoi? Je lui ai pris 2-3 petites cuillères. Ouais, c'est ah ben moi franchement j'ai volé des couverts en tout genre. Les tasses hein, même les tasses. Je les prends. C'est hallucinant ces gens. Ah t'as jamais pris les tasses? Bon, resto de mon pote j'ai rien volé. Si j'ai une antenne, je vous ai dit une antenne. Bah c'est d'autres si j'ai participé à un vol. Je sais pas, j'ai dû partir, j'ai dû lui voler 5 tirepochons. Tu vois son pote. Non mais s'en fout, il les paye pas. C'est les marques de vin. C'est comme mes 200 euros. Ouais, je les paye pas. Je les paye pas. Bon, c'est comme mes 20 euros du full. Quoi? Tu me dois 20 balles. Mais non, je les ai donné la dernière fois. Non. Mais à chaque fois, il dit ça, je te les ai donné. Ouais, voilà. Demande à Romano, Romano, il me l'a déçu. Ah, moi aussi, je te les ai donné 200 balles. Ouais, ouais. Casser les bonbons la dernière fois. C'est ça. Guigui, t'as volé ou pas? Ah non, mais je suis quelqu'un d'honnête, moi. Jamais volé. Si, j'ai dû voler aussi, j'ai volé. Bah, dis-le. Pas des gâteaux le matin quand je laisse des gâteaux ici? Ah non, jamais, non. Espèce de mytho. Ils sont pas bons, tes gâteaux. Ils sont pas bons, tes gâteaux. Donc, c'est la preuve qu'il te les a volés, ça veut dire qu'il les a goûtés. À mon avis, c'est carriole avec les kilos qu'elle prend. Mais qu'est-ce que tu veux que je vole? Je peux même pas manger, frérot. Qu'est-ce que je vole? Non, mais sincèrement, quand j'étais plus petit, j'avais volé un petit porte-clé aimanté là en vacances. Voilà, c'est tout. Pour toi, t'as porte-clé aimanté. Donc en fait, il y en a deux qui sont honnêtes dans l'équipe. Zien, t'as déjà volé ou pas? Oui, j'ai déjà volé. Toi, t'as volé, toi. Zien, il a l'air tout sale. Mais t'as volé où dans le ciel? Les bonnes blagues, ça fait deux fois déjà. Je pensais à Romano la dernière fois parce que j'ai volé aux caisses automatiques. Aux caisses automatiques. T'as quoi? Mais moi, putain, les cons vers chez moi, ils les ont enlevés depuis. Laisse tomber, le truc ça sert de présentoir maintenant. Bah, tu sais, ça coûte beaucoup Skyrock dans les grandes surfaces donc. Non, mais en plus, je m'étais fait choper là. T'as entendu? Par une connasse là. Une connasse, elle fait son boulot. Non, c'était une connasse, elle. Elle avait une sale trogne déjà. Elle était toujours en train de regarder là derrière ton cul. Bah, c'est son boulot, elle surveille les voleurs comme vous. Ah, je pouvais pas la saquer, elle. Et elle est plus là. Elle volait quoi? Hein? Bah, c'était cette connasse là qui m'a fait. Elle volait quoi? Un cubit de vin. Ah ouais bah le truc qui est pas de truc qui a 15 balles. Un cubit, t'imagines. 15 balles. Tu sais les boîtes en carton avec le vin. Ma frère quand t'as payé? Hein? T'avais la haine quand t'as payé? Non, en fait, j'avais la haine. Déjà, j'ai eu la honte parce que en fait. C'est la honte, oui. Non, mais en plus, moi, comme un connard, je discutais avec. Je me suis là, c'était le 1er mai. Ouais. Je discutais avec. Avec le responsable du magasin. T'allais escroquer. Eh, le mec, tu viens de le voler, tu parles avec une arme. Non, mais parce qu'en fait, je suis passé aux caisses automatiques. et en plus, franchement, je m'en suis douté, cette connasse qu'elle est en train, qu'elle m'avait vu. Parce qu'elle s'occupait d'une caisse derrière, tu vois. Et j'ai vu qu'elle avait jeté un œil. Et moi, en fait, j'ai acheté 2-3 autres trucs, tu vois. Je sais pas, je dois l'avoir pour 3-4 euros, tu vois. Et en fait, je discute avec le mec, je parlais du muguet, je sais pas quoi, parce que le mec, je connaissais vite fait. Et là, j'entends, monsieur, tu sais, je me retourne pas, je dis rien. Elle fait, vous, monsieur, avec le bidon de vin. vous, monsieur, avec le bidon de vin. Elle fait, mais vous l'avez pas payé? Je fais, bah, si, je crois. Elle me fait, non. Et c'est vraiment connage jusqu'au bout. Elle a tiré la copie du ticket, tu sais, genre. Et elle a regardé. Non, regardez, il y a pas sur le ticket, le vin. Je dis, ah, c'est votre truc, ça a dû déconner. Bah, je lui dis, bien sûr. Non, mais là, toujours rester fier, garder de l'aplomb, tu vois, parce que si tu commences à dire, j'ai fait, ouais, ça, votre truc, il doit mal fonctionner. Vous inquiétez pas, bah, allez-y, faites la manip, je vais vous le payer. D'ailleurs, après, je suis plus retourné pendant un mois, à peu près. T'avais honte, non? Non, les carrioles, je lui disais, ouais, vas-y, toute seule. L'autre, elle va avoir l'œil sur moi, c'est la meuf, là. Non, moi, je m'étais fait cramer, mais encore plus bêtement, moi. C'est-à-dire que je passe devant le mec. C'était un épicier, je m'en souviens. J'avais mis le sel, donc, dans mon jogging. Je payais un truc, je sais plus, j'avais acheté une bouteille d'eau ou une connerie, et à chaque fois. Mis où dans ton jogging, dans ton slip? Non, en fait, j'avais mis en bas, c'est dans la chaussette. J'avais mis bon à bouffer, tiens, Non, mais dans la chaussette. C'est du sel à la pisse, c'est encore plus salé. Ah, c'était dans la chaussette. Et en fait, quand je passe avec, je paye ma bouteille d'eau, et quand je pour partir, je tape avec mon pied sans faire exprès dans le truc du sel.
putain. Les trucs qui tombent par terre, je fais putain. Ouais, mais pas de chance, Cédric. Et là, le mec, il me fait, eh, viens voir, toi. Il m'appelle comme ça. Je fais quoi? Il me fait, il y a un truc par terre qui vient de tomber de ton pantalon. Oh, c'est bizarre, dis donc. Et il m'a fait sauter, parce qu'il croit que j'avais d'autres trucs, il me fallait saute maintenant. Saute. Elle a un tremblement de terre dans le magasin, tous les rayons s'effondrent. La semaine dernière, j'ai volé chez Ikea, moi. Encore? Ah, champion. T'as volé quoi? Un meuble? Lequel Ikea? Lequel meuble? Je le dis, là, maintenant, je dévoile plus, parce que vous êtes des salopes, vous dites les villes et tout. C'est une grosse pute. T'as volé quoi? Non, mais j'ai volé un truc à Montigny-les-Cormeilles. Non, c'était pas à Paris. Pas du, je dirais pas où c'était. Ah, c'était en Bourgogne. Je dirais pas, elle vous fait enculer, je dirais pas. Non, parce que l'autre, là, déjà, Cédric, la salope, il avait dit que j'allais aller au Robert Lajeune-Villiers. Maintenant, je veux plus trop y aller parce que, déjà, il y avait. Repéré, maintenant. Non, déjà, il y a des auditeurs qui t'ont fait là-bas. Hey, Romano, tu sais, attends, je vais regarder où c'était Nika où t'as été en vacances. Hey, Romano, vole rien, hein. Mais enfin, ça se trouve, tu retournes, les mecs, ils vont te donner des trucs. Tiens, un petit cadeau. Moi, j'achète jamais du labello pour hydrater mes lèvres, je les vole toujours. Qu'est-ce que vous nous dites d'autres là? Moi j'ai déjà volé des bonbons, mais c'est quand j'étais petit, maintenant je me suis arrêté. Ouais. Des CD de rap dans les grandes surfaces, des figurines DBZ, des Action Man, des ampoules, des serviettes dans les hôtels, des gens joliveurs, c'est Max qui nous envoie le message. Faut faire gaffe parce que dans les hôtels maintenant il y a beaucoup d'hôtels en fait, ils vérifient la chambre avant que tu partes, s'il manque si tu vas te faire payer les peignoirs, les trucs comme ça maintenant. Il y a des caméras dans les couloirs qui font du chariot. Ouais. En fait, dans les hôtels où il faut voler, c'est dans les chariots des femmes de ménage. Ouais, mais faire gaffe aussi. Ça, des peignoirs, j'en ai récupéré quelques-uns. Des peignoirs. Tu sais que moi, j'ai un pote qui volait des assiettes, tu sais, dans les buffets à volonté. Et il mettait des assiettes, mais tu sais, des grandes assiettes, hein. Ouais. Dans le sac de sa meuf. Normal, le mec, je te jure, gros. L'autre, son sac, c'était une valise. J'ai halluciné, je me suis dit, t'es un ouf, toi. Moi, j'ai volé une paire de chaussettes à 1,99€. Les 5 paires. Salut, Kev. Attends, c'était pas cher, ça. T'en as pris un sur les. Bah oui, tu vois, qu'est-ce que ça te fait de payer 1,99€? Prendre le risque d'être, c'est des Kev du 13 qui laisse le message. Prendre le risque d'être chopé et de te taper la honte pour une paire de chaussettes à 1,99€. Et là, pour certains, c'est l'adrénaline, tu vois. L'adrénaline. Non, mais surtout, c'est le fait de ne pas payer. Ah, non, mais il y en a certains, c'est aussi l'adrénaline. Ah oui, mais après, c'est les malades. Le PQ qui nous dit, souvent dans les grandes surfaces, ils oublient de compter les packs d'eau qui sont derrière le caddie. Non, moi, c'est Ikea, c'était ça, tu vois. Ah, ils ont oublié le paquet. Ouais, c'était tout en bas du caddie. Quoi, Ikea Toulon? Je ne sais pas où j'y étais, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus où c'était. Ah, la vallée de Sibar. Ouais, pour un peu, c'était peut-être même pas Ikea, c'était peut-être Conforama. Ah, bah, c'est ça. Ou Alinéa, ou autre chose. Voilà, tu vois, tu décoches des bruits. Eh ben, voilà, ouais. Bon, tu vas nous dire, Tarek, qu'est-ce qu'on t'a volé? Parce que là, on parlait des trucs que vous avez volés. J'ai volé des chaussettes de chasse. Quand j'étais plus jeune, c'est Aurore. Aurore, je te vois bien avec des chaussettes de chasse, dis donc, tiens. C'était pour faire un cadeau. Je suis pas chasseuse, c'était du 43, je fais du 36, donc je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ah ouais, c'est ouf ça. Tu sais qu'il y a quelqu'un à la radio qui... Et sinon, j'oublie souvent les packs de coca dans les caddies. Les courses complètes, c'est-à-dire qu'il prend les sacs, il va au Monoprix à côté de la radio, il remplit son sac de courses au premier étage. C'est bien parce que Cédric, il donne toutes les adresses. Il balance, c'est bien. Il le fait plus, il le fait plus. Grosse poucave, ce Cédric. Ah, c'est vrai, t'entends depuis tout à l'heure, le mec, il dit tous les adresses. Ça, le fait plus. En fait, il faisait ses courses normales, il descendait avec un ou deux sacs de courses, mais on a craqué, tu vois. Il disait, ouais, je vais acheter des piles en bas. Donc, il descendait, passait les caisses, et quand il était en bas, il sortait normal. Ah, vous avez vraiment volé des trucs à la con. Des stylos à un pote en classe, magnifique. Et Abdelaziz, en parlant de stylo, j'ai volé un stylo à plume à Walt Disney. Waouh! Super. Et Samy, on nous dit, il est vraiment très honnête. S'il y a 7 nuggets dans sa boîte de 6, et bien il en rend un. Non, quand même pas, les... Mais bon, par contre, je suis allé boire des coups dans un bar. La meuf, elle avait oublié d'encaisser deux verres. Je suis allé lui dire pour les payer, tu vois. T'es sérieux, toi? Et le problème, c'est quand t'es à plusieurs et que du coup, tu partages la note. Non, mais je te connais un peu. Ah, je te jure, ouais. Le karma. Les mecs qui veulent être trop honnêtes. Non, je te promets. Je crois pas une seconde. Et je me suis fait traiter parce que vu que tu partages l'addition, les mecs ils marronnent parce que du coup ils se retrouvent à payer leur part. Moi, tu réagirais, tiens, Romano, si par exemple on va manger et je oublie une part et là, Samy Slay fait, hey, oh, vous avez oublié de compter une part et là t'es obligé de payer une partie de la part. Ah, mais je paye pas la part. Ah, tu payes pas ton. Ah, je m'embrouille. Je t'envoyais avec Samy. Ah, mais c'est ce qui s'est passé, gros. Ah, non, mais Eh, mon pote, j'ai ferme ta gueule au lieu de faire le suceur, tu m'as traité de suceur. Et en fait, moi, je suis en panique, gros. Tu sais, j'ai peur de me faire cramer derrière. De quoi? C'est lui qui veut me tiquer. Bon, qu'est-ce qu'on a pu voler à Tarek? Tiens, je vous dis, c'est un gros truc. Tarek, tu nous dis tout dans un instant. Ta maison. Romano propose la maison. C'est le boss. C'est un peu gros. Ce n'est pas ça. Bon, tu bouges pas, Tarek. C'est le karma. Tel est pris qu'il croyait prendre, nous dit Adil sur la piste Skyrock. Salut à toi, Adil. Bon, on va s'occuper
s'occuper de toi, Tarek, et ouais, on va s'occuper également des pervers de Pamela. On va les retrouver tout de suite, on va voir si on a du lourd à appeler ce soir, car Pamela faudra séduire avant minuit. Moi, j'étais en train de me caresser la chatte. Et voyons ce que tu as en face de toi. Ça ne m'étonne pas. C'est Cédric. J'ai passé au trou du cul direct. Le caca, c'est bon. C'est bien, Cédric. Bon, ça m'a vérifié mon doigt. Pamela et les pervers de ce soir, on les retrouve tout de suite. Ils ont laissé des messages sur le répondeur. Une voix sensuelle, un physique de rêve. Elle les fait tous craquer. C'est Pamela sur Skyrock. Voilà sur quoi vous risquez de tomber si vous avez dragué sur les applis de rencontre. Eh oui. Ouais, si vous laissez des petits messages avec un numéro de téléphone. Voici nos pervers de la semaine. C'est ceux qu'il faudra séduire tout à l'heure avant minuit. Vas-tu y arriver, Pamela? Bonsoir. Bonsoir. Je me remets le dentier. Écoutez bien. Alors, c'est parti. Qui c'est qui a? Bon, vous nous laissez votre avis, les filles, les gars, tout le monde, hein, ceux que vous voulez qu'on rappelle, ceux que vous trouvez super excitants. Yes. On va commencer par Fabrice, le premier de la soirée. Bonjour à toutes les femmes qui sont de la Dordogne, à qui la rasoir est bannie de sa trousse de toilette. Ah, voilà, je me présente, je suis Fabrice, 48 ans, je recherche une femme poilue, alors aussi bien la chatte que sous les bras, pour pouvoir lui bouffer la chatte et éventuellement lui faire l'amour par des trous. Ouais, ça, ouais. À condition d'y accéder. Énormément. Tu peux m'appeler au 07 77 07. On ira boire un verre ensemble, on fera connaissance. Pourquoi pas aller au cinéma? Je te bouffe la chatte au cinéma. Et on arrivera. Tiens, moi j'aimerais bien voir un Black Panther par exemple. Ah, c'est quoi lui? On va bouffer la chatte poilue. Alors, on va bouffer la chatte. Alors lui, c'est au cinéma. Mesdames de Dordogne. Marie. Non, moi, ça, bon. Moi déjà, j'aime pas les poils. T'as pas craqué? C'est pas possible. Ça donne pas envie de te laisser pousser les poils? Non, pas franchement, non. Pour rencontrer Fabrice. Non, mais c'est surtout pour Pam. Donc, est-ce que Pam, il t'est Ah, je suis très velu, moi. Je laisse pousser pour l'hiver là, qui arrive. Je suis en pousse continue. C'est très bien. Ça va partir au ciné. Donc, ça, c'est Fabrice. Le Dordogne. T'as des copines velues? Non, pas à ma connaissance. Vous êtes déjà tombé sur une fille très velue? Non. Les bras. Enfin, non, pas ma meuf. Mais j'ai déjà vu, tu sais, à la plage, des meufs sous les bras poilus, là. Ah ouais, c'est vrai, il y en a. C'est la nouvelle mode. Ça, j'ai déjà vu. C'est des skateuses, un peu. C'est un écolo, un peu écolo. Ouais, c'est ça, Ouais, Greta Thunberg, par exemple, très poilu sous les bras. Non, mais il y avait eu le délire, tu sais, Julia Roberts et tout, c'était un truc. Ouais, c'est vrai, il y a eu Madonna aussi. Ouais, Madonna, oui. Et quoi s'appelle l'autre aussi, là? Alicia Keys, elle a fait ça aussi. Il y a sa fille aussi, Madonna, la lourdesse. Lourde. Ouais. Il y avait. J'imagine sa fille, elle s'appelle Lourde. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, mais si, c'est pas. C'est un mouvement un peu. Ça s'appelle l'autre là. Bah, l'autre là, une française, une américaine. Une actrice américaine. Là. Ah, Julia Roberts, non? Voilà, Julia Roberts. C'est ce que je viens de dire. Ah, bah oui, il l'a dit. Bah, on t'écoute pas. Non, mais vas-y, ton micro, il est pas branché. Mais vous avez dit à eux, Julia Roberts. T'as dit Julia Roberts. Ah, bah ouais, t'as même dit à eux. Julia Roberts. On a pas écouté ce que tu disais. T'es ouf, les gars. Je croyais que tu parlais de Robert, le nouveau mec de Marie. Ah, oui, pardon. C'est Daniel. Bon, lui, c'était Fabrice qu'on a écouté là avec les poils. On en a un autre qui a laissé un message sur ton répondeur, Pamela. Oui, madame, bonsoir. Jean-Claude, pour un petit dialogue sympa, 01-45-35. Il est tout mignon, lui. De rien. C'est Jean-Claude. Il est mignon, c'est sympa. Jean-Claude. C'est Jean-Claude. Je trouve qu'il a un joli prénom. Ouais, c'est à la mode. Marie, elle adore les prénoms de vieux. C'est la tendance, là, actuelle. Allez, un autre. Bonjour, j'attends l'appel d'une cochonne pour me vider en l'écoutant jouer au téléphone. 06-20-67. Très bien, lui il veut ça. Lui il dirait se vider. Se vider en l'écoutant au téléphone. C'est très mignon. C'est très romantique. Et j'imagine qu'il a beaucoup de téléphones. J'imagine des milliers d'appels. Ouais, énormément ce soir. Il va en avoir peut-être un de Pamela tout à l'heure avant minuit. Direct. Il a une très belle voix d'ailleurs. Bonjour, j'attends l'appel d'une cochonne pour me vider en l'écoutant jouer au téléphone. 06-20-67. Beau gosse. C'est Loubar. Magnifique. Et là, voilà, Marie va craquer parce que nous avons Francis. Génial. Marie, c'est que pour toi, ça. C'est mon kem. Jean-Claude Francis. C'est mon kem. Francis, 50-50, je suis en passif. Cherchant plus un fantôme en vrai, très brutal. J'avale le sperme la pisse. Mon téléphone, 03. Massif. Je suis dans la merde. J'ai aucun tabou que limite. J'aime la brutalité contre mon cul. Ouh là là, la brutalité contre son cul. Ok, monsieur. J'ai aucune limite. Il aime le sperme et la pisse. C'est ce qu'il dit. C'est bien. Voilà, après, bon, ici, j'ai quand même besoin de préciser, je n'ai aucune limite. Oui, c'est vrai qu'il le précise. C'est normal. On avait bien compris qu'il était large au niveau de. Lui, il est open. Pas limité, lui.
Donc, c'est clair. Donc lui, c'est Francis. Allez, on en a un autre. Si vous venez d'arriver, on écoute les pervers. Hein, les pervers qu'on appellera tout à l'heure avant minuit. Alors, c'est Marc, lui. Marc est un bon naturiste, un très gros gicleur pour du sexe. Oui, mais il n'y a pas son numéro. Ah ouais, bah oui, un peu con, lui. Oui, il n'y a pas son numéro. C'est un très gros gicleur. Bah écoute, je suis content de l'apprendre. C'est ça l'argument qui peut marcher chez les filles, ça. Si vous avez déjà testé, les mecs, vous avez. C'est flatteur, Marie. Vous avez dragué sur Tinder. Ah, Marc, c'est un prénom un peu jeune. Mais dites-nous si très gros gicleur, ça peut vous faire venir des meufs quand vous êtes sur les réseaux. Marqué dans votre profil. Non, mais Marie, tu préfères que le mec il t'envoie bien la sauce qu'une larmichette de sperme qui coule le long du corps. Mais je m'en fous de ce qu'il envoie. Non, mais quand tu te fais gicler dessus, par exemple. Non, mais je me fais pas gicler dessus. Bah, ou gicler dans la bouche. Ouais, bah, justement, dans la bouche, tu préfères pas avoir. Bien que ça va bien loin, tu sais, que ça colle bien la luette. Non, ça va pas, non. Bon, voilà nos pervers, là. Enfin, quelques-uns des pervers. Pas bien, on en aura d'autres tout à l'heure d'ici minuit, puis on les appellera pour les séduire, bien sûr. Les pervers sont de retour. Dans un instant, on va revenir au vol de Tarek. Et oui, il s'est fait voler Tarek, on va tout découvrir. Oui. Et puis on aidera Costa et on trouvera nos doubles appels. C'est Radio Libre, 21h minuit tous les soirs sur Skyrock. Radio Libre, 21h minuit. What the fuck? Seulement sur Skyrock. Ouais, c'est la plus grande radio libre de France sur Skyrock. Il y a les doubles appels qui arrivent avant 10h. Et là, c'est Orelsan et Angèle. Attention, Orelsan et Angèle, évidemment, sur Skyrock. Radio Libre, 21h minuit. What the fuck? Seulement sur Skyrock. Et ouais, on est sur Skyrock tous les soirs, 21h minuit. Et on parle de plein de choses. On a parlé de voleurs. Moi, je suis particulièrement choqué par tous les messages que j'ai. Ah, bah, évidemment. Bienvenue, les voleurs. Et les témoignages que j'ai entendus depuis tout à l'heure. Mais ce qui me fait halluciner, c'est que je sois l'un des seuls à pas voler. C'est vrai. Un truc de dingue. C'est clair. Mais ouais, je comprends chelou, pas. Ouais. Mais vous sentez pas coupable, c'est quand même illégal. C'est illégal. Non, c'est illégal, Romano. Non, mais oui, c'est illégal, mais c'est illégal, non, je n'ai pas de remords, non. Pas de remords. Non, non, c'est absolument pas. Aucun regret, tu vois. Tranquille. Oh, bah, grave. Pas de regret, hein, qui vous choque. Bon, on pense spécialement. On va y revenir avec les messages que vous nous laissez là. Pour les voleurs, on aura les doubles appels à retrouver avant 10h du soir et le clash de la drague. Ah bah bien sûr, il y aura un clash. Ouais, bah ça va bien toi. Ah ouais, moyen là, d'un coup. De mieux en mieux. Tu m'as l'air en forme. Il y aura un clash. Déchirer le clash. Quoi qu'il arrive, il aura lieu. Il aura lieu. Écoute. Et puis on a eu une belle démonstration des pervers il y a un instant. Si vous venez juste d'arriver, vous avez loupé les pervers. Ah là, on a une belle brochette. Ah, tu m'étonnes. Mais on en aura d'autres là dans un instant. Et puis il y a Costa là qui a un petit truc à nous demander qu'on reprendra juste après Tarek. D'ailleurs, pour toi Tarek, des messages qui arrivent. Salut les voleurs, il y a Léo, t'as les prix qu'il croyait prendre. Ah. Lui Léo, il a un pote qui s'est fait choper parce que bon, il volait de la bœuf à des mecs et les mecs, ils ont voulu le taper. Et donc lui, il était obligé d'aller voir les keufs ou alors il se faisait défoncer la gueule. Eh ouais, ça faut faire ça c'est ouais source d'embrouille. Ouais. Si tu essaies de voler des trafiquants de drogue, ouais, faut faire gaffe, ça peut être dangereux. Moi ça pas que si tu voles une grande surface. Tu te retrouves agressé par la mafia, c'est pas super. Il faut rester honnête. Tiens, merci à Mika qui nous envoie un message. Samy et Diffoul, respect à vous de rester bien honnête. Bien sûr. Ça l'honnêteté reste, paye. Ça reste du vol. Eh ben oui, ah oui, non, mais on a pas dit le contraire. Hein. Ah bah non, on a pas dit le contraire, là. Bon, en tout cas, moi, je dis plus rien parce que Cédric, il balance toutes les adresses. Ouais, c'est clair. C'est la poucave de la soirée, mec. Voilà, alors je vais me balancer moi-même. J'ai volé du sel. Et du poivre. Prescription. T'as volé du poivre aussi, quoi. Non, le poivre, jamais, non. Non, pas dans les restaurants, ça suit. Ah bah, tu vois. Bah, vas-y, dis où. Dis, tant que tu as dit les noms. Non. Je dirai jamais. Voilà, Hippopotanus. J'adore. C'est mon resto préféré. Hippopotanus, j'adore. Ah, mais des fois, ils ont des beaux poivriers. Ah bah c'est super. Super. Et tout là. Je suis parti au magasin avec des bouteilles dans le sac. T'as les bouteilles, il y a un paquet de bouteilles qui sont parties. Hein. Ma mère ne s'est pas fait encaisser un t-shirt quand elle l'avait oublié dans son sac. Le lendemain, elle y retournait le payer. Elle est bien ta maman. Ouais. Van der Kurt. Mais mes potes, ils auraient traité, tu vois. Bravo moi, à ta maman. Ça dépend des fois. Moi, tu sais, l'autre jour, je suis allé à la pompe mettre de l'essence et j'ai oublié d'aller payer le mec en fait. Ouais. Ah bah après, c'est qui porte plein de gros. Non, je suis parti, mais tu sais quoi, 10 minutes après, je me suis rendu compte que j'avais les sous dans ma poche. Mm-hmm. Je suis retourné voir, je l'ai payé. Ah bah tu vois, tu commences à devenir honnête, Karim. Pourquoi? Parce que je savais qu'il y avait la caméra, qu'il y avait la plaque d'immatriculation. Faire péter direct. Ouais, donc maintenant les bouteilles d'alcool, faut faire gaffe parce qu'il y a plein de magasins qui mettent des antivols dessus. Il y a des antivols sur les bouteilles d'alcool. Ouais, bien sûr. Bah, parce qu'il y a trop de tirs. Mais c'est comme les lames de rasoir, tu sais, les trucs à la con. Ça, rarement. Les petits trucs, ouais. Ouais, tu les as en libre service maintenant. Dans une boîte en plastique. Ouais, comme les jeux vidéo. Bon, toi, Tarek, t'as été volé. Alors, explique-nous, parce qu'on t'a volé un gros truc. Vous allez nous dire comment vous réagissez, puis si on peut te filer un petit coup de main, Tarek. Bon, Tarek, qu'est-ce qu'on t'a volé, toi?
Du coup, on m'a volé ma voiture. Ah ouais, ça c'est relou. Ça c'est chiant, ça. Ah ouais, on t'a volé ta caisse. C'est un truc de biaisé, en fait, qui m'arrive, c'est un truc de fou. Bref, hier soir, en gros, je suis en déplacement la semaine, je repasse vite fait à mon dépôt, je récupère ma voiture. T'as vu, je fais 2-3 trucs et tout au dépôt, j'avais laissé ma voiture un peu comme ça, tu vois. Bref, je commande un truc à manger, je vais au resto récupérer ma bouffe. Et donc du coup je prends ma caisse, je vais au resto. Et bah tu sais, comme tout le monde, on a tout ça fait l'habitude de laisser soit les clés sur le contact, soit quelque part, tu vois, pas le moteur, tu dis ouais, jamais j'en ai fait pour ça. Bah tu vois, moi je le faisais tout le temps, tu vois. Et t'as vu, ma campagne à la base. Ah la campagne, ouais. Valence. Ouais, t'as vu. Et à côté de Valence. Ouais, mais c'est vrai qu'à la campagne, ça se fait vachement. Moi je vois mes parents, ils ferment jamais leur maison à clé, tu vois. Ah ouais? Merci de le dire. Non mais même aujourd'hui. Non mais pas le soir, la nuit, oui. La journée, quand ils sont là, tu sais, tu peux rentrer, quoi. On va dire que t'es un peu plus en confiance dans les campagnes. Ouais, non mais moi j'avais remarqué la différence. Voilà. C'est clair. Mais moi, tu sais, j'ai des potes, ils ont halluciné. Ils sont venus chez moi à Paris. Tu sais, j'ai une serrure ultra sécurisée avec je ne sais combien de points de sécurité. Non mais tu sais, mais t'es blindé toi aussi. Non mais t'as pas besoin de te protéger. Non mais écoute, moi tous les gens je connais qu'à Paris qui sont pas forcément blindés. Déjà, t'as des sociétés d'assurance qui t'obligent à avoir une serrure sécurité, sinon ils t'assurent pas. Toutes les assurances maintenant. Ah bah ouais. Et franchement, fais-toi cambrioler une fois, tu vas mettre le prix dans la serrure derrière. Ouais, non mais moi ça m'a bien fait chier de le faire, mais bon. Mais mes potes ils m'ont dit, mais c'est quoi cette serrure que t'as installée? Je fais, mais c'est obligé ici en fait, il y a le cambriolage et tout. D'ailleurs, j'ai des potes qui avaient une serrure de merde, ils avaient loué un appart, pas manqué, dans les 15 jours où ils sont arrivés, ils se sont fait cambrioler. Le cadeau. Ouais, les voleurs se perdent un peu, nous dit Rire sur l'appli Skyrock, salut Rire. 5%, non, je crois que c'est un quart de vol en moins dans les maisons. Ah ouais? Et pour les voitures aussi, t'as pas de chance, Tarek, hein. Toi, ils t'ont pas oublié, par contre, tu fais partie des 75% qui ont été volés. C'est pas pendant la période du Covid aussi, parce que les gens étaient chez eux. Du coup, il y a eu moins de cambriolages que l'année dernière. Peut-être, je sais pas, je lisais le message de Rire. Oui, et puis bon, ça c'est leur chiffre à eux, tu vois. Bon, Tarek, toi, ça t'a pas empêché d'être volé, mais t'avais quoi comme voiture? J'avais une Audi assez récente, que je vais acheter et tout, donc tu sais, ça me fait un peu chier. Donc voilà quoi, et en fait, l'histoire c'est qu'en fait, je vais récupérer ma bouffe, et je laisse ma voiture en fait, juste un peu après le snack, mais genre à 5 mètres, tu vois. Ouais. Et je laisse les clés dessus, le moteur qui tourne, tout allait bien, je lui ai même mis les sièges chauffants, donc tu sais, il est comme ça quand même. Ah, le mec était bien quand il est rentré, c'est vrai, il avait pas trop au cul, oui. T'as compris, il était bien, petit son et tout. Parce qu'il est rebranché, comme d'hab, tu connais, tu sais. Ah, tu l'as même mis la radio. Bah, il nous écoute, il était big up. Ouais, big up à lui. Et bref, et donc du coup, donc le temps sûr, ça dure une minute, parce que j'ai vu les caméras, etc. juste après. Et donc je fais mon achat, je te jure, donc je prends ma bouffe, je ressors. Et en fait, j'étais garé devant une espèce de porte de garage, et puis tu sais, je vois une voiture qui était garée à côté, et je vois ma voiture qui commence à bouger, tu sais. Et tu sais, il y a un petit quart de seconde, t'as un quart de latence où tu bloques, tu comprends pas trop. Tu dis, ouais, mais pourquoi elle bouge ma voiture, et puis après, tu le piges, ouais. Déjà, et après, je me suis dit, des fois, vas-y, c'est un gonze, je voulais rentrer là, j'ai dû le gêner, tu sais, mais je me suis dit, le mec, il a pris la confiance, et j'allais pour un peu m'embrouiller avec lui, tu vois. Et en fait, je vois le mec, il met une grande marche arrière, je vois, il y avait une Golf à côté, une Golf 7. En fait, ouais, le mec, il met une grande marche arrière, tu vois, sur un petit parc. Ça te fait rire, bâtard? C'est qui rigole, là? À ton avis, c'est Romano. Non, c'est vrai qu'il a balancé depuis le début, je le balance. J'étais en train de chercher un message que, alors, je sais pas. Il y a plein de messages de voleurs. Non, mais tout à l'heure, il y a un auditeur qui nous a laissé, c'est sa femme qui s'est fait taper sa voiture aujourd'hui. Mais j'en trouve pas le message. Ah ouais, si, je l'ai vu aussi, le message. Il nous a laissé au début d'émission, là. C'est El Ritano 33. Ah, voilà, c'est vrai. Et, il a dit, je suis en train de te chercher, t'as volé la voiture de ma femme, j'ai un fusil dans le coffre, fils de pute. Non mais bon, c'est vrai, ça fout la haine. Tu fais voler ta bagnole, bon. Ah, t'es dégoûté, oui. Mais tu fais voler. Surtout une voiture, une Audi. Mais l'Audi, y a pas un truc là, bordel, là, pour tracer la bagnole? Encore une fois, je te dis, j'ai la mentalité de la campagne, donc je fais pas gaffe à ça. Puis tu sais, la voiture, elle était, tu sais, c'est une belle voiture, mais c'était pas une voiture à 80 000 euros, tu vois. C'est ça, là, à l'heure actuelle, c'est une voiture d'occasion, ça vaut quoi aller 12 000, 13 000 euros, tu vois. Ah, quand même, oui, c'est une somme. C'est vrai qu'il y a pas le traceur là-dessus. Non, là-dessus, non. Non, c'est sur le nouveau modèle, t'as vu, faut avoir l'option. Puis c'est les options, etc. T'as compris, tu vois. Dans ma voiture, si tu savais, tu sais, je suis pas bordélique, mais tu sais, j'ai beaucoup de trucs à faire. Donc, tu sais, j'avais des papiers avec des fiches de salaire, un ordinateur portable dedans. Gros, des clés d'un dépôt, les clés de chez moi, enfin, tu sais, tout. Je connais, heureusement, j'avais mon téléphone et mes papiers avec moi, tu vois. Et en fait, le film de cul qui s'est passé, c'est-à-dire que le mec, je le vois faire une marche arrière, je vois la Golf, en fait, qui était à côté. Et le mec, en gros, il a vu que j'ai bloqué. Donc, tu sais, tant que je comprenne, je commence à taper une pointe à la voiture, le mec
sortait avec sa Golf, il se lâcha, il se barre direct, et genre sur le national et tout, il a manqué de cartonne, j'aurais espéré qu'il, c'est que ces bâtards, ils cartonnent en vrai. Et donc, du coup, moi, le mec dans ma caisse, dans l'Audi, en fait, le gars, j'ai eu le temps d'arriver à la voiture, je sais pas pourquoi, tellement con, j'avais encore mon sac de bouffe à la main, il est pas tombé, hein. Et du coup, je te jure, je l'ai gardé, sur le bordel, tellement. Et je suis arrivé, j'ai essayé d'ouvrir la porte de la voiture, et ces putains de voitures de merde, tu sais, elles se centralisent, dès que t'as bougé un peu, les portes se ferment, tu vois. Ouais. Et du coup, bah, le bonze, j'ai rien pu faire, gros, j'ai essayé d'ouvrir Ah ouais, le mec, il était dedans. Ah là, t'es dégoûté, ouais, t'essayes d'ouvrir ta propre voiture, c'est ton voleur qui est enfermé dedans, tu peux pas l'ouvrir. Franchement, le sentiment que ça fait, t'as vu, c'est un truc de fou, hein, c'est limite, même, je suis pas trop un peu heureux, mais c'est limite choquant, parce que tu vois un pélo, il a un bonnet, il a un cache-cou, et le mec, tu vois juste ses yeux, ça fait un peu peur, tu vois ce que je veux dire? Et bref, et donc du coup, le mec, j'ai l'impression d'être un peu dans un film, ça n'arrive que dans les films, ce genre de truc, mais non, ça peut t'arriver aussi à toi, ouais. Mais je te jure, hein, et au fin fond de la campagne, genre à 8h30, y a pas des caméras sur le parking? Donc du coup on va finir l'histoire, le mec il se barre. Ça sert à rien les caméras, tu sais, c'est le mec qui est caché. Ouais. Non mais c'est du fou depuis tout à l'heure, il est avec ses caméras. Mais tu sais que t'avoir des caméras même chez toi, c'est la première fois que je dis caméra. Non, c'est déjà dit au moins 3-4 fois. Depuis le début des vols. C'est vrai. Non, mais si, ouais, tu l'as dit plusieurs fois. Non mais les caméras, c'est un effet dissuasif. Mais t'auras la tête du mec, mais quel pourcentage de chances que t'as que tu t'as éventuellement des chances. Non mais t'as éventuellement, si tu vois la tête du mec, les flics des fois, si le mec est connu. Les caméras à quoi elles servent? Des fois la résolution elle est merdique, suffit que ça soit un peu sombre, il y a un coup de trop. Ouais, je suis Big Brother moi. On l'appelait Big Brother lui. Et du coup, il y avait le gars de la pied du snack, en fait, de la pizzeria, tu vois, et le mec il avait qu'on appelle ça, il avait des caméras, je crois. Et en gros on a regardé, etc. Il y avait une bonne qualité, sauf que moi, le truc fait feinter, j'ai eu trop de chance, tu vois. J'étais garé un peu plus loin que la pizzeria, donc du coup tu voyais vite fait l'action, mais tu voyais pas spécialement des détails. Même la plaque de la voiture, on n'a pas pu l'avoir, tu vois. Ah ouais, donc tu voyais absolument rien. Ouais. Voilà, et donc après, bon bref, toute une histoire, les flics qui sont venus, je les ai appelés, donc dans les 5 secondes qui ont suivi, j'ai appelé les flics. Et ils sont venus, etc. Ils m'ont auditionné, tout le bordel. Et donc voilà quoi. Donc du coup là je suis un peu en fait en galère. Et donc là j'ai plus de voiture, c'est la première des choses. Bah oui. Et la deuxième des choses, en fait, donc tu sais, j'étais bien assuré, etc. Mais par contre, il y a des exclusions de garantie sur des contrats d'assurance, qui je vous apprends rien. Et l'exclusion de garantie qui... Ah si, moi tu m'apprends un truc, c'est quoi une exclusion de garantie? Bah c'est à dire que par exemple quand tu laisses tes clés dessus, ils te remballent. Bah, ça faut pas dire, en fait c'est de la baise. En fait c'est bah ouais, mais tu le dis pas. T'as pas droit là, c'est ça, t'as pas trop le choix. En fait, quand tu fais la déclaration de vol, après tu dois renvoyer les papiers. Ah, moi j'invente une connerie, je suis plutôt honnête, mais moi j'invente une connerie, genre le mec m'a tapé dessus, il a voulu récupérer les clés, il a Non mais les assurances, ils connaissent toutes les combines. Il y a tellement de gens qui ont essayé de les baiser que tu sais, ils ont des experts et tout. C'est pas, tu vois, tu vas dire, on va taper dessus, ils vont te dire, bah monsieur, vous avez été voir un médecin, vous pouvez nous envoyer le rapport médical. Je veux voir un pote médecin. Je demande à vous là. Il y a un médecin qui m'écoute. Allez-y, faites pas. Là c'est un médecin légiste. Enfin, mais bien sûr, mais il y a trop de gens qui ont essayé de les baiser. Ouais. Et tu veux nous dire, tu vas pas te faire rembourser, t'arrêtes toi? Ah bah non. Ah bah en fait pendant ce temps, excuse-moi, pendant ça non, pas vraiment, parce que en fait justement moi c'est là où justement où je vous appelais. C'est le même principe, si par exemple si tu t'as ton portefeuille et t'as ton numéro de carte bleue sur la carte bleue, tu vois le code, ouais. Il y a des vieux qui font ça, tu sais, parce qu'ils perdent la boule. Non mais c'est triste, mais c'est sur la pense bête. Imagine, ils perdent la boule, ils perdent leur portefeuille, en plus ils se font arnaquer, on les rembourse pas. Non mais ils se font voler, et si il y a le code qui était dans le truc, et le voleur, ouais, c'est pas considéré comme du vol, donc en fait t'es con si tu dit oui, j'ai laissé mon code. C'est plus difficile à prouver, ça, tu vois, par exemple. Parce qu'ils vont voir qu'il y a des opérations de retrait avec le code. Ouais. Donc, toi, t'es pas remboursé de ta voiture alors? Bah, j'ai pas en fait, même pas la poisse, mais voilà, ça s'est passé hier, donc je suis encore tout frais, tu vois. Et en fait, justement, moi, je pense que je vais pas l'être parce qu'en gros, quand j'ai vu les flics, etc., moi, il m'a posé la question, le mec, il m'a dit, ouais, t'avais les clés dessus? Je lui dis, bah non. Il me dit, pro, les feux, ils étaient allumés et tout, je le balnave un peu. Et en fait, après, je lui dis, bah en vrai, les clés, ils me disent, sont les clés, je fais, sur le siège. Et je lui dis, j'ai enlevé le contact et tout, je les ai posés sur le siège, je suis juste calé sur le siège. Bref, en gros, il m'a fait comprendre que ça allait être baisé. J'ai essayé de négocier avec eux, hein. Franchement, ça, c'est vraiment des ordures, hein, les flics, en vrai, c'est vraiment des... Je vous aime pas. T'es pas tombé sur des keufs sympas, c'est vrai que c'est pas sympa. Hein. Non, c'était un jeune, le mec, il devait avoir mon âge, t'as vu, mais le mec, je lui explique, je lui dis, oh gros, écoute, je bosse, je suis pas un dealer de shit, je bosse, je casse le cul, tu te casses le cul dans la vie, tu prends pas de crédit. Quelque part, le keuf, il prend parti pour le voleur. En vrai, je trouve que c'est complètement hypocrite, c'est hypocrite. Et puis, tu sais, avec le lobby des assurances, etc., derrière, en gros, quand tu vois ces clauses-là, tu te dis, en fait, je suis une dinde parce que je paye, genre, tu vas payer 1000 balles d'assurance à l'année. Ouais, et en fait, t'as une négligence de ta part, en gros, tu vas dans le cul. Non, mais bon, de toute façon, c'est un peu le principe.
France, hein. C'est quand on a pas de choix, tu payes. Non, mais, je suis d'accord avec toi sur le principe. De toute façon, les assurances, le principe, c'est qu'ils te remboursent. Non, mais qu'ils te remboursent le moins possible. Ils cherchent tout par tous les moyens. Par exemple, tu te fais cambrioler, ta télé, tu l'as achetée il y a un an, ils vont te dire, ah bah, votre télé, vous l'avez payée, admettons, je dis n'importe quoi. 1000 euros, ils vont te dire, bah, la télé, elle a un an, elle vaut plus que 700, tu vois. Alors que la télé, en soi, si tu l'as acheté la même, elle coûtera 1000 balles. Oui, oui, mais... Qui est une décote, ça, je l'entends, tu vois, ça, qui est une décote et tout. Mais en fait, quand tu payes des cotisations, tu te fais chier à prendre des trucs, tu sais, en gros, à prendre des options, etc. Bah, voilà, ça arrive à tout le monde, ça, c'est un truc humain de laisser les clés. Je pense que ça arrive à tout le monde, peut-être pas à toute l'équipe, mais moi, ça m'arrive souvent. Et en fait, la douille, elle est là, c'est qu'en fait, bah, au final, je pense que c'est clair. C'est ça. Non, mais c'est vrai que ça peut arriver, ce que tu dis. Mais tu peux pas dire que, genre, le mec, c'est un pickpocket, t'as volé les clés dans ta poche quand t'allais à l'assemblée. Non, parce que les flics, en fait, ils ont vu la caméra. Ils ont vu les caméras avec moi en même temps. Ils ont tous vu en même temps les images de vidéosurveillance. Bah, tu vois, mes caméras, elles sont utiles, mais je pensais pas qu'elles serviraient à te faire baiser. Je me suis bien fait casser le cul. Et en fait, donc, du coup, en vrai, pour écourter le truc, c'est que, en gros, j'ai 2-3 connaissances, t'as vu, sur les assurances, etc., comme tout le monde. Mais le truc, c'est que j'aimerais bien savoir s'il y a des gens, là, qui nous écoutent éventuellement, qui seraient là-dedans, qui vendraient des contrats d'assurance. Mmh. Et, voir s'il y a des gens qui sont chauds à témoigner, qui t'apprennent mon numéro en privé, et voir si éventuellement il y a quelque chose à faire, un truc à contourner, un truc à modifier, enfin. Non, c'est bien, on va le faire, ça. Bah, j'ai envie de t'aider, honnêtement, voilà, je suis un peu. Ah, mais c'est vrai, ça fout la haine, voilà, c'est que là, en gros, je m'assois sur un billet à la douche. Ouais. Non, mais puis t'as plus de bagnole pour aller bosser et compagnie, c'est quand même relou, tu vois. En fait, c'est vrai. Ma boîte, ils ont été cool, ils m'ont monté, là, je rentre vendredi, ils me laissent un véhicule et tout, le temps de me retourner, ils m'ont dit, on te fait pas galérer, donc voilà, quoi. Bon, alors, on va te filer un coup de main. Donc, si vous bossez dans les assurances, répète ce que tu veux qu'on fasse, Tarek, pour. En fait, une personne qui sera en charge de. Trouver une arnaque. pas une arnaque. Non, mais carrément, on va dire un arrangement. Un arrangement, on va dire. Voilà, un arrangement à l'amiable. C'est ça. Un arrangement, c'est ça, un contournement. Ouais. Et voir si en fait je peux jouer sur le fait de ces clés-là, en fait, qui. Tu vois, moi, j'ai pas déjà pensé à un truc, en fait. Excusez-moi, les gars, j'entends de la musique en fond, c'est normal. Non, non, c'est normal, t'inquiète, c'est Lano, il a envie de. Je commence à mixer, je vais faire un DJ set. On dirait un vieux porno coréen. Bah, t'es gentil, c'est notre générique quand même. Vieux porno coréen. Là, après, un truc que tu peux faire, c'est faire le double de la clé. J'en ai déjà un double de la clé. Mais qu'est-ce que t'en fous du double? Bah, quand l'assurance, ils vont te demander les deux clés. En fait, ils vont me demander, tu sais, j'ai déjà reçu un questionnaire, en fait, j'ai un questionnaire, en fait, de mon assurance. Il y a une clé, enfin, il y a un truc qui demande combien j'ai de clés. Et si j'ai pas les deux clés, comment ça se fait que j'ai qu'une clé? Déjà, tu sais, la question est déjà posée telle quelle, en fait. Je sais que je vais être niqué là-dessus. Non, mais le problème, c'est que les keufs, ils font le double. Ouais, mais les assurances, ils vont bien demander le. T'as porté plainte, j'imagine, aux keufs. Tu poses une bonne question, bah en fait ils m'ont demandé si j'ai porté plainte, mais t'as vu, moi le keuf, il y a une audition, donc l'audition c'est ce qui s'est dit entre lui et moi, et j'ai récépissé de dépôt de plainte. Et le récépissé, c'est juste un récap qui dit que je suis bien venu déposer plainte à telle heure pour tel type de vol. Et donc c'est écrit que t'avais laissé les clés dans la voiture. Non, par contre sur le récépissé, c'est pas écrit, ça notifie juste que je suis bien venu déposer plainte à tel endroit, tel jour, telle heure. Sur le dépôt de plainte, oui, mais je me demande, du coup c'est pour ça, quelqu'un qui serait calé, c'est vraiment un peu technique, mais quelqu'un qui serait calé, il pourrait éventuellement me dire si l'assurance va me demander que le récépissé ou va me demander l'audition. Parce que l'audition, c'est ce qui s'est dit entre moi et le... Ah oui, ils vont demander la plainte. Non, mais tu sais que même, je pense qu'il y a des boîtes d'assurance, tellement ils vérifient, ils ont des mecs qui peuvent appeler le commissariat pour vérifier. Hein. Bon, dites-nous. Moi, je suis complètement parano, mais. Mais non, mais je pense que les boîtes d'assurance, ils sont au taquet. Hein. Bon, en tout cas, si vous bossez les assurances, on compte sur vous. Si vous avez des bonnes idées, peut-être que l'idée de Cédric, hein, en faisant le double des clés, pourquoi pas. Bah ouais. Mais bon, dites-nous si c'est. Cédric aurait une bonne idée. Ce serait quand même. Sous réserve. Ça serait quand même sympa. J'y mets quand même. Et miraculeux aussi. Mais bon, on va s'en occuper. Tu bouges pas, Tarek, on compte sur vous. Donc, appelez Skyrock pour laisser vos messages. Le 41759 si vous n'avez pas l'appli. Et vous envoyez vos messages aussi. Et puis le 01 53 40 30 20. Et on filera tes réseaux tout à l'heure, Tarek, pour si tu veux, hein, pour avoir des témoignages, des coups de main. Et si vous bossez à la police de, alors, je sais pas si c'est la police de Valence, mais en tout cas t'es dans la Drôme. Si vous avez des, je sais pas, vous pouvez nous arranger le petit truc pour quand même 12 000 euros, il se fait voler, il est victime et en plus il est double victime, Tarek. Donc si vous pouvez nous arranger, je m'adresse à la police sympa qui nous écoute. Ouais. Bah vous prenez contact directement à Skyrock. En plus j'aurai des dossiers à vous laisser. Pareil que Cédric fait des trafics. Pas du tout, non. J'ai déjà fait des trafics. Jamais de la vie. Oh, ouais. Avec sa gueule de traviole. En fait, faut comprendre le contraire de ce que tu réponds chaque fois. Ouais, c'est vrai, exactement. Non, c'est vrai. Est-ce que tu es déjà allé voir un travesti? Jamais. Voilà. Même réponse. Voilà. C'est bon. Pas la ça se vérifie. Voilà. Est-ce que tu sors avec Vladimira, une russe? Oui. Mais elle s'appelle pas Vladimira. Ça veut dire qu'il s'est fait larguer, ça. Non. Vas-y, si t'as répondu oui, ça veut dire non. En fait, dès que tu lui poses une question, faut. C'est l'inverse. Faut comprendre le contraire. Tu le sais.
Ah, t'as fait des trafics, dis donc, toi, tiens. Ouais, j'ai fait trafic de rouge à lèvres quand j'étais au collège. Trafic de rouge à lèvres. Je te jure. Ah, c'est de là que t'es venu ton addiction pour les travestis. Bah, tu sais que c'est un business, ça marchait bien, les meufs à kiffer, hein. Ouais, genre, t'as des potes aussi, voilà, c'était trop bon. Faut pas le faire, le business. En fait, on barbait des rouges à lèvres, on les vendait 50% du prix, ça marchait cartonnet. Bon. On vous tiendra au courant de la suite de l'histoire, vol de voiture, tout ça, on en reparlera, on aura peut-être la suite là d'ici minuit, on va parler de plein de choses d'ici tout à l'heure, avec une histoire de baise et de famille et tout, un truc horrible, vous allez voir. Ce sera tout à l'heure, juste après 10h. Et puis Costa qu'on va retrouver, et les doubles appels dans un instant, tiens. Les doubles appels ils arrivent juste après Costa. Costa qui arrive de Toulouse. Costa de Toulouse, comment ça va Costa? Ça va, ça va bien. Toi Costa, tu voulais nous demander un petit service, explique-nous un petit peu de quoi il s'agit. Eh bien, en gros, y a une la fille de pote à mes parents, que ouais. Je kiffe, et, ouais. Je la vois ce week-end parce que nos parents organisent un truc. Ah, c'est cool, ça. Et ouais. Et du coup, en fait, par message, il y a une semaine, je lui ai demandé de sortir avec moi, mais un peu de manière rude. Comme ça, si elle me disait, ouais, je veux pas, machin, je pouvais me rattraper en lui disant que c'était une blague. Alors, t'as demandé, comment t'as fait pour lui demander? Je lui ai juste demandé, est-ce que tu veux sortir avec moi, quoi. Ah ouais, donc c'est cash, oui, bah, c'est bien. Ouais, ouais, voilà. Et après, parce que à la base, on est hyper potes, on n'est pas, et du coup c'est un peu bonne ambiance entre nous. Du coup après je lui ai dit ouais j'ai perdu un gage et tout. Ah, parce qu'elle t'a dit non. Elle m'a dit je sais pas trop quoi te répondre là. Ah ouais, donc elle est gentille mais elle veut pas dire non, mais c'est a priori ce qu'elle pense. Enfin, moi c'est ce que j'aurais pensé en recevant le petit message. T'as pensé à quoi toi? Tu t'es dit putain merde j'ai loué, c'est foiré. Bah je me suis dit elle pense plus à une relation amicale. Ouais, c'est ça. Comment faire pour serrer une meuf que tu vas voir ce week-end, à qui t'as fait des avances, mais qui a priori refusé les avances? Comment faire pour la séduire? Les filles, là, on a besoin de vous. Hein. Qu'est-ce qu'il faut qu'on vous fasse? Bah justement, faut rien faire. Pas amener des cadeaux. Faut être sympa et rien faire, moi, Un petit cadeau sympa, non? Fais un dessin. Non, mais un petit cadeau. Tiens, ma chérie, vas-y, ouvre la boîte. Elle ouvre le petit paquet. Non, mais le problème, c'est que une boîte de capote. C'est gentil. C'est mignon. J'ai perdu mais c'est ce que tu cherches maintenant. Donc, même si t'arrives avec un cadeau, tu vois, ça va être relou, quoi. Ouais, mais elle m'a cru. Je pense qu'au contraire, faut rien faire. Quand je lui ai dit que c'était une blague, elle m'a cru vraiment. Enfin, ça se voyait. Mais t'as dit que c'était une blague parce qu'elle t'a dit non. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc c'est pas gagné pour ce week-end. Hein. Si vous avez réussi à séduire quelqu'un, vous pensiez que c'était mort, mais vous y êtes quand même arrivé. Pour donner de l'espoir à Costa, laissez-nous vos messages, appelez-nous, dites-nous, 41-759, un petit coup de fil au 01-53-40-30-20, votre appli Skyrock, vous nous envoyez vos messages. Par contre, je voulais juste vous dire que mes parents, ils vont bientôt monter se coucher, du coup, si je raccroche d'un coup, c'est normal, mais je reste à l'affût, je continue d'écouter. C'est bien, Costa. Bah, on va s'occuper de toi. Tiens, il y a Tortilla, on l'avait au téléphone, Tortilla. D'Ivry-sur-Seine, comment tu vas? Ah, bah, il revient dans un instant. Il a des conseils pour toi, Tortilla. On va le prendre dans un instant pour toi, Costa. Et on vous attend au 01-53-40-30-20, votre appli, tout ça, tous les messages, vous nous les envoyez, et vous nous racontez tout ça. Est-ce que vous avez déjà serré quelqu'un, vous disiez c'était mort et vous y êtes quand même arrivé? Bah Cédric espère toujours me serrer, mais bon c'est définitivement mort. Ah non non non. Mort et enterré même. Non mais moi souvent quand je sens que c'est mort, définitivement c'était mort en fait. Jamais réussi à... Ouais, souvent la première sensation c'est la bonne. Mais c'est ça. Non mais c'est bien, t'es au moins conscient de ton physique. Il y a Marine qui nous envoie un message qui dit Marine Le Pen. Je crois qu'elle ne nous écoute pas, Cédric. Non, je crois pas non plus. Et on s'en passe. Il y a Marine donc qui nous envoie un message du 14 et qui dit mon mec a mis 3 ans pour me séduire. 3 ans. Mais il y est arrivé. Il était motivé, lui. Hein. Eh ben oui, puisque c'est ton mec, Marine. Tu vois, Costa, il y a des messages qui vont te donner de l'espoir. Daouda, il a 34 ans. Il dit, moi, ma femme, ça fait 15 ans que je la connais. Et ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Donc, 15 moins 4, t'as mis 11 ans pour la séduire. On était très bons amis avant. Personne n'aurait cru qu'on serait mis ensemble. Et au final, on s'est mariés l'année dernière. On a une petite fille qui a bientôt 2 ans. Bravo. Donc, non, mais ça peut arriver quand t'as amis comme ça. Ça peut marcher, ouais. Vous avez des petits moments, je sais pas, quand vous êtes tous les deux, des petits moments intimes, je sais pas, elle te caresse les peaux, elle te caresse la cuisse. Elle est un peu tactile avec toi, Costa, ou pas? Non, pas trop. Des fois, on regarde des films côte à côte, mais il y a rien.
Ouais, il se passe rien. Non, et puis ça, ça veut rien dire. Hein. Moi, je suis pas encore vous raconter l'histoire de la meuf sur la plage, hein, qui me massait le dos l'après-midi, qui faisait bonder, ouais. Qui me grimpait. Chauffer. Ouais. Quoi, moi, j'avais l'impression qu'elle me chauffait. En fait, pas du tout. Hein. Elle m'a recalé un soir, sèchement. Elle m'a dit, mais tu crois quoi, en fait? Bah, je croyais que je pouvais te serrer. Je pouvais te baiser, moi. Et ouais, ouais. Bon, qu'est-ce que tu voulais demander aux auditeurs, aux auditrices de Sky, toi, Costa? Bah, si quelqu'un avait des conseils, ce que je devais faire ce week-end, si je devais tenter un truc. On fera un petit tour de l'équipe dans un instant, puis on ira mater quelles sont vos idées pour Costa. Préparez-vous. Et Costa, pour te détendre un peu avant de prendre cette grave décision, voici pour nous maintenant le double appel, les double appels sur Sky. Ouais, c'est ça, c'est qui toi? Que je sois couleur! Aucun des deux n'a appelé l'autre. Eh ben viens me le dire en face. Le double appel de Diffoul sur Skyrock. Allez, double appel sur Skyrock. Et oui, pour bien démarrer le week-end, nos familles ont la parole, vous le savez. Ah. Les double appels tous les soirs entre 21h et minuit. Le matin aussi dans le morning. Et là, on va retrouver. Alors, un premier tour direction les Ardennes. On va retrouver les Ardennais. Allez. Pour démarrer. Très bien. Et puis, on continuera notre tour de France. La plein de numéros que vous nous avez laissés. C'est donc parti. Double appel sur Skyrock. On y va. Allô. Ouais. Bien, allô. Bonjour. Vous êtes qui? Allô. Allô, qui m'a appelé? Vous êtes qui? Vous êtes qui? C'est pourquoi? Allô. Ta bonne femme, elle est là ou pas? Elle t'habite où, toi? Donne-moi ton nom un petit peu. Patrick. Eh ben, c'est Michel au téléphone. Je vais t'en faire un mois de boum, Patrick Michel. J'ai une bonne bite, là. Bah, tu parles d'une bonne bite. Non, mais gars, bonne bite, qu'est-ce que tu me parles, toi? Ah, puis la pisse. Je coule bien, surtout, alors. Hein. Ben, super, pauvre rigolo. D'où que tu sors, toi? T'as plus de sauce, mon gars? Oui, ah bah oui, mais c'est de la part de qui? C'est qui? Qui? C'est ta sœur. Ben, pauvre con, ouais. Oui, et c'est pourquoi, monsieur, il vous écoute, là? Non, mais n'importe quoi. Oh, j'appelle pas, vous hein, c'est vous qui appelez, hein, c'est quoi ce bordel-là? Ben, vas-y, enculé, toi. Donne-moi ton nom, un peu. Tête de mort toi-même, tu con. Ben, donne-moi ton nom. Je vais raccrocher. Ben, je te connais pas, moi. Tant mieux pour toi, hein. Ben, ramène ton cul, mon cul. Vous êtes bien cher. Ah, ouais. On est cher. Ah, ouais, t'as tombé sur moi directement, là. C'est bien, ça, ouais. C'est vachement bien, toi, ouais. Ben, pauvre rigolo, quoi. Rigolo. C'est vachement bien monté, alors, ça va. Mais ferme-nous ta gueule, connard. Ramène ta gueule, là. Mais ferme ta gueule, gros bouffon, va. Nique ta mère. Mais tu es toujours aussi chaude. Eh, je suis pas ta boniche, alors casse-toi et arrête d'emmerder les gens comme toi. Viens ici, là, tout de suite, je t'attends. Ouais, j'ai une bonne bite, surtout, hein. Bah, ferme-nous ta gueule, pauvre connard. Bon, t'as même pas de couille pour venir ici. Ramène ta gueule, là, tout de suite. Ramène ta gueule, d'abord. Bonsoir. Il arrive là. C'est-à-dire, vous arrivez dans... Oui, vous arrivez dans combien de temps? Ah, c'est l'hôtel. De quoi? Allô? Oui. Ah, c'est l'autre. Oui. Oui, oui. C'est quoi là? C'est qui? C'est quoi, Yac? Il y a qui là dans l'histoire? C'est Patrick. Mais oui, faire foutre. Viens. Oui. Allô? Tu m'entends là? Non, je vous entends pas. Mais si, bah, et si tu réponds? Merci beaucoup pour votre gentillesse. Au revoir et bonne soirée. T'es en train de te branler? Eh, bah, t'es reculé, bâtard! Et si t'amuses à téléphoner comme ça, t'auras encore un qui dérange une famille! T'as pas rempli mon gars, mon gars! Si tu continues à téléphoner comme ça, parce que moi j'ai des enfants! Ce garçon, je vais porter ça! Je vais aller à la famille! Vas-y, continue, mon gars! Hystérique! Du calme! Ouais, vas-y, allez, alors, ramène ta gueule, viens! Allez, viens, mon gars, t'as vite sauce, mon gars, t'as un bout de minute! Allez, viens, tu fais 3 km, tu viens à la maison. Et je te défonce ta gueule. Je vais te défoncer la gueule, mon gars. Tu es un bon gars. De Paris, on s'est le bonsoir. Ben, je vais t'en faire un bout, mon mec. J'ai toute ta loche. Entre deux cases d'elle, mon gars, tu vas voir. Je vais te faire croquer ta gueule. Oui, allô? Ouais, ouais, ouais. Allô? Je t'en viens. Allez, ramène ta gueule. Je t'attends, là. Non, n'importe quoi. Bien, salut, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'était mal. Allô, ouais, c'est le bonsoir. Mm-hmm. Ferme ta gueule, bâtard. Je parle pas au McDo, je parle de ta gueule. Ouais. Au revoir. Au revoir. Allô. Allô. Allez, vas-y, ramène-toi. C'est une famille. Allons-y. Ramène ta gueule. Ramène-toi.
Amène-toi là, mon clan, là, tout de suite. Si t'as des couilles, si t'as un soupçon d'avoir des couilles au cul, mon gars, ramène-toi là. Ouais. Et t'as été fini à la piste, c'est pas possible, toi. T'as un résidu de capote, t'as un résidu de branlette, je ne sais pas, moi. Tu ressembles à mon cul après 15 jours de chiotte, bâtard. Non, non. T'as pas remarqué le monde, là, cette heure-ci, là. À se branler les miches, là, à rien branler de ta journée, puis faire chier le monde le soir. C'est tout ce que tu sais faire. Absolument, oui. Oui, voilà, ouais, des cassos comme toi, quoi. Hein. Et alors? Et les pauvres cons qui travaillent, et puis c'est donc qui récolte le pognon, pauvre bâtard. Ça y est, c'est mais... Ouais. Je t'invite à boire un verre. Ah, c'est gentil. Sinon, je peux... Allô? Allô? Va te faire enculer. C'est gentil. Ah, on est quand même invité à prendre un verre. Eh ouais, une invitation quand même, hein. C'est nous les cassos. Pas mal, ouais. Ah, c'est ça. Ah, les doubles appels, nos familles dans les doubles appels sur Skyrock. Alors, on a le temps de se mettre un petit bonus. Allez, à Bobo, à Nunus. Alors, je l'ai choisi pour vous. Vous allez me dire si ça vous fait plaisir. Est-ce que vous vous rappelez de la meuf qui était bloquée sur le Allo? Ah oui, c'est magnifique. La meuf qui était bloquée sur le Allo. Eh bien, c'était son Patrick Allo et la meuf qui disait Allo non-stop. Je l'ai pour vous là tout de suite. Vous êtes prêts? Ah oui. Ouais. Elle est super. Bah, on va dire Allo alors. Alors Allo. Allo. Ça sonne. Allo. 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 C'est marrant. Oui, c'est comment déjà... Allo. Allo. Troisième essai. Allô? Allô? C'est bizarre, c'est bizarre, c'est allô? 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 Oui? Oui, bonjour? Allô? Allô? À tous les coups, ça marche. Allô, ma gueule? Allô? 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 Voilà, c'est bien. Ça peut faire une heure, elle est finie. Un dernier, allô? 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 Voilà. Allô? Allô? Allez, on tente le coup. Allô? Allô? Attendez, bougez pas. Allô, ma gueule? Ça marche pas avec celui-là. Ça marche pas avec celui-là. Allô? Allô? Mais c'est dingue. Ça marche avec Patrick. Mais pourquoi avec Cédric ça marche pas? Ah, monsieur, elle aime pas. Allô? Allô? C'est incroyable. C'est incroyable. En fait, elle aussi, c'est un mec qui t'envoie des sons. Attention. Allô? Allô? Marie, essaye un allô pour voir. Je pense. Allô? Allô? Ah, Marie, ça marche aussi. Oh putain, merde. Attends, je voudrais essayer aussi. Vas-y. Allô? Allô? J'essaie une variante. Allô, allô? Allô? Ah putain, ça marche pas la variante. Cédric, toi? Allô? Allô? Incroyable. Je crois qu'on a jamais eu autant d'allô. Ah oui, c'est incroyable. Tous les coups. Allô? Allô? Incroyable. Une variante à l'huile ou je sais pas. Non, même pas. Allô? Non, c'est toujours allô. Bon, voilà, une championne. Les doubles appels, vous les retrouvez tous les matins aussi dans le morning. Le morning, le retour lundi. Avec une grosse surprise, une grosse semaine de fou là qu'on va avoir dans le morning. Soyez là. Dès lundi matin. Ah, attention, une soirée de fou aussi. Qu'est-ce qui se passe d'ici quelques instants? On vient au vol de voiture de Tarek. Ouais. On va retrouver des réactions pour filer un petit coup de main. On va parler il y a un instant à Costa. Et puis, on aura une histoire de ouf. Parce que parfois, vous nous racontez des histoires de fous. Il se passe des trucs de ouf. Une histoire qui mélange la famille, la baise. Ah. Donc la famille, le sexe, les poteaux, tout ça. On va reparler avec vous et puis on aura le clash de la drague à retrouver. Eh ouais. Romano contre Cédric. Oui. Qui va gagner? On aura show. Déjà les méthodes et le clash, on le fera avant 11h du soir, c'est promis. Restez bien sur Skyrock, de toute façon on est là jusqu'à minuit. J'ai rêvé que j'étais président de la République. Romano. Je ne comprends pas ce que tu me dis. Cédric. Ah, je mets une tarte dans la gueule. Marie. Ah oui, mon pois chiche. Samy. Ouais, il y a des sauterelles partout chez moi. Karim. Big up à mes amis roumaines de Bruxelles. Gigi. Oh, mais t'imagines, ma mère, elle crame. C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck? Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Bon, on déchire tout tous les soirs. Merci d'être là. 21h minuit, c'est Radio Libre tout à l'heure. Bah, tiens, les méthodes du clash de la drague. Romano et Cédric, on vous attend. Ouais. Le clash, on le fait avant 11h. Promis. Ah. Juré, avant 11h du soir, votre clash de la drague, Pamela a retrouvé tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais, Romano, avec Guigui? Mais je vais mettre mes pieds sur Guigui. Je sais pas, il a déjà il va me faire bouffer ses pieds. Non, pas les bouffer, juste les poser sur toi. Pourquoi tu veux pas? Normal.
Je voudrais être repousse-pied. J'ai trouvé un répulsif, c'est généraux alcoolique. Je fais un petit coup, pchit, pchit, terminé. Ah, vas-y, ah, repousse-moi, j'ouvre la bouche. Ah. Non, mais ça va pas ou quoi? Bon, toute l'équipe est là, vous avez entendu. Ouais, Romano et Cédric pour le clash, ouais. Donc avant 11h, ouais. C'est promis. Pamela tout à l'heure et nos pervers. La belle. On a déjà écouté nos pervers, si vous les avez loupés en tout début de Radio Libre, là tout à l'heure, vers 21h. Ah, il y a du lourd. Il y a du lourd. Ah, il y a du cas, ouais. On se fera un petit rappel tout à l'heure avant minuit. Et puis, ah ouais, une histoire de ouf là. Vous nous racontez parfois des trucs de ouf. N'hésitez pas, si vous avez envie de nous parler d'un truc, nous on est prêts à tout écouter. Hein. Les témoignages dans un instant seront demandés par Loco. Loco à qui il est arrivé un truc de dingue. Vous allez voir une histoire qui mélange un petit peu tout le monde. La famille, le sexe. c'est un gros mix. Un gros cocktail qu'on va déguster avec Loco. Parfait. Mais avant Loco, allez, on va s'occuper de la voiture de Tarek. Alors Tarek s'est fait voler et il voudrait quelques petits conseils. Ah tiens, justement Tarek, bonne nouvelle. Ah. Il y a tuteur. Écoute Tarek, viens tuture. Voir. Vends Audi, trouver oh, devant ouais. Une pizzeria à Valence. 12 000 euros. Un morceau de bâtard, j'ai pas les mots. Ouais. par contre, moi j'ai eu plusieurs appels pour toi au standard. Et on va y revenir dans un instant. Vas-y, je te dis après. Il y a peut-être des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, ouais. Plus clair que si c'est des meufs. Non, t'inquiète. Plutôt des bonnes nouvelles pour toi, Tarek. On va voir si tu peux te faire rembourser. Parce que t'as laissé les clés dans la... J'explique pour ceux qui sont arrivés en retard. T'as laissé les clés dans la voiture. Et ça, l'assurance, il y a une clause à la compte, non? Si tu laisses les clés dans la voiture, ils te remboursent pas la voiture. Donc, ouais, c'est ça, ouais. Et donc, on essaye de faire en sorte que ça se passe bien. Passer à travers, quoi. Bah oui, hein, quand même. C'est pas une escroquerie. Il y en a qui disent que c'était une escroquerie à la Ah non, mais attends. Non, mais par contre, attention, il y avait des messages. Et si l'assurance se rend compte que t'as essayé de les baiser, ça va te coûter plus cher que la bagnole. Ah, fais gaffe. Ouais, bon, c'est le sécure. Non mais ouais c'est avec les assurances ouais quand ils voient que t'essayes de les baiser derrière tu prends cher. Bon faut un truc sécur et on salue tous ceux qui ont été volés aussi parce qu'il y a eu plein de messages. Moi j'ai volé une voiture hein, et quand j'avais si je devais rentrer la Smart. Non là une Mégane. Si t'avais une Smart dans un garage et tu t'es fait voler toutes les roues non c'est pas ça. Non, ça les sièges aussi même les ceintures. Et les ceintures. Non, je m'étais fait voler là. En fait il restait la carcasse finalement. Les ceintures, les sièges, le pommeau de vitesse, tout. Oh là je pouvais même plus me le mettre dans le cul. Oh. Le mec a pris des risques en le volant quand même. Mais grave. Non une J'avais une Mégane, il m'avait volé la Mégane le 31 décembre d'ailleurs. Ah, sympa. Eh ben, bonne année. C'était les vacances, j'avais pas utilisé la voiture pendant 2-3 jours. Mmh. Et quand je prends la voiture, je fais putain, je trouve plus ma voiture. Et je remonte toute la rue, je la redescends deux fois, je fais putain, mais elle est où ma caisse? Mais tu t'es pas dit c'est la fourrière? Au début, ouais, je me suis dit ça, tu vois. Donc j'appelle le commissaire, je fais ouais, excusez-moi, je crois que je me suis mal garé, ma voiture, est-ce qu'elle est à la fourrière? Ils me disent non, rien du tout. Oh, vous lui cassez les couilles, c'est le réveillon, on est en train de boire. Bon, on est bourré, là. Allez, c'est limite, c'était ça, quoi. Bonne année, hein. Donc, je vais faire la déclaration, et pareil. Et à l'assurance, et j'ai galéré, en plus. Et eux, ils te remboursent, mais laisse tomber, quoi. Ils te remboursent le prix de la cote actuelle de la voiture. Si à ce temps, tu l'as acheté 40 000, si ta voiture a vaut 7 000 euros actuellement, ils te remboursent 7 000. Ah, bah, ils sont pas chers. Il y a une décote, hein. Non, mais tu sais que moi, c'est arrivé, bon, c'était pas sur une bagnole, c'est pas sur du vol. Moi, j'ai une voisine qui s'est pris 8 dégâts des eaux en 2 ans, mais c'était pas de sa faute, hein. C'était le voisin du dessus, mais son assurance. Ah, mais il voulait la tèche de... Trois sinistres, il te dégage. Il voulait la tèche, mais tu sais, c'est pas ta faute, en plus. Ouais, mais t'as dit, comme Tarek, t'es victime, en fait. C'est un sinistre. T'es double victime, c'est la double peine, au final. Ouais, mais Tarek, attends, bon, c'est triste pour toi, mais, après, c'était marqué dans le contrat, tu vois. Après, t'es responsable, ouais. Ouais. Toujours fermé, même les maisons. Tiens, Guy Cory qui nous dit, moi, je ferme toujours ma maison à clé, maintenant, parce que une fois, c'est mieux, oui. La maison était ouverte, le plombier est venu, il savait que c'était ouvert, il est rentré, on était à poil. Ouais, donc c'est vrai que là, c'est gênant. Voilà, c'est un autre truc. Tu sais, les maisons, les apparts, c'est pareil. Si tu laisses les clés dans la boîte aux lettres, c'est comme pour les voitures, là, tu seras pas assuré. Ou sous le paillasson, les trucs à la con, dans le pot de fleurs à côté. Hein? Mais ça, si tu laisses les clés dans la boîte aux lettres, genre ton pote, il va passer, genre, demain pour venir le week-end ou quoi, il prend les clés dans la boîte aux lettres. Si tu inities, bon, bah, ça arrive jamais tous les jours. Ça arrive tous les jours. Moi, j'ai déjà fait, moi, ça. Non, mais même, tu sais, en province, c'est vachement. Ah oui, tu laisses les clés. Tu laisses ou dans le pot de fleurs à côté de la porte. Bah, si là, tu te fais cambrioler, t'es pas. On va parler de toi, Tarek. On va te filer un coup de main. Et je vois plein de voleurs qui se déchaînent depuis tout à l'heure dans les messages. Donc on va s'occuper également de vous, de voleurs et de volés. Et puis on va se préparer pour le clash de la drague. Ouais. Mais avant ça, tiens, est-ce que Costa il est encore avec nous? On était avec Costa. Alors je sais pas s'il est encore avec nous, Costa, qui a les parents qui pouvaient arriver à n'importe quel moment. T'es là, Costa? Je suis là, mais je dois parler tout doucement parce que il y a ma belle-mère qui dort juste à côté. D'accord. Ah, alors on va parler doucement. Il y a Yass qui est au téléphone en direct avec nous. Yass, un prénom que Romano adore parce que j'ai fait penser à Yass de billet. Bien sûr. T'as 20 ans, Yass, c'est ça? Ouais, allô. Allô. Ouais, non, quoi. Écoute, ça va bien et toi? Comment ça va? Tranquille, hein. Romano, Dispo, Marie et tout. Je connais pas trop le reste.
Ça, ça sert à rien. T'as dit l'essentiel. Bon, toute l'équipe est là, en tout cas, Yass, c'est toi aussi. Et alors, qu'est-ce que tu voulais dire à Costa? Donc Costa, il va chez des potes de chez parents, de ses parents, ce week-end. Il veut, tu veux gérer leur fille. T'as déjà envoyé un petit message à la fille qui t'a répondu. Bon, ouais, je sais pas quoi, trop quoi te répondre quand tu lui as demandé. J'aimerais sortir avec toi. Donc moi, déjà, j'ai appelé pour un tout autre témoignage, mais après. C'est pas pour ça que t'appelles. Non, il m'avait dit les gars qui galèrent pour gérer des meufs. Ah bah si bah c'est bah ça. Costa, il est un peu en galère pour gérer des meufs, Costa. Ah bah non, mais moi c'est juste moi j'ai galéré pour une gadji, j'ai galéré j'avais 15 ans à l'époque, j'étais au collège et j'ai galéré jusqu'à là ça aujourd'hui ça fait 3 semaines qu'on est en couple donc 5 ans j'ai galéré à la gérer. Ah ouais, quand même. Ah ouais, mais je me suis accroché hein. Mais parce qu'en fait je pense que j'étais motivé Ouais, mais c'était même pas pour ça en fait, c'était que j'avais le seum qu'elle m'avait dit non en fait. Je m'étais pris une tête et je me suis dit non, ça va pas se passer comme ça, tu vois ce que je veux dire. T'es persévérant toi, c'est bien. Et au jour d'aujourd'hui, tu vois, là je suis en couple avec elle, mais genre ça me fait rien, genre là je sens que c'est. Je me sentais mieux quand je devais la gérer, tu vois. Là maintenant que je l'ai, c'est. Oh, t'imagines, t'as galéré. L'excitation. Non, mais t'as galéré 5 ans pour serrer une meuf, t'arrives à la serrer, et là maintenant ça te fait plus rien. Ça n'amuse plus en fait. Ah ouais. C'est la séduction qui t'amusait. Exactement, des fois le soir je me disais, putain, j'ai trop envie de lui parler et tout, et maintenant que je lui parle tous les soirs, ça me casse les couilles. Genre, tu vois, ça me. Franchement, mon père de 5 ans. J'espère que t'es sorti quand même avec d'autres meufs pendant les 5 ans là. Ah non, mais oui, t'inquiète pas, c'était psychologique, je la voulais elle, et maintenant que je l'ai. Non mais en tout cas, pour toi Costa, t'as quel âge? T'as 14 ans, ça veut dire qu'à 19 ans tu vas peut-être arriver à sortir avec elle. Putain c'est bon. Non peut-être avant, hein. Des fois il est plus fort que moi. Hein, sûrement, après bon ça donne de l'espoir Costa, mais ou pas du tout. Ou pas du mais tout. Il est vraiment amoureux. Ah, oui. C'est juste par procuration qu'il veut se la faire, c'est ça qu'il doit se dire. T'es vraiment amoureux, c'est quoi Costa? Bah non, je suis en kiff mais pas hyper amoureux quoi. Ouais bah il vaut mieux. Voilà, dès que tu l'auras tu vas t'en battre les couilles quand. Ouais, toi c'était un peu comme un challenge quoi. Ouais voilà. Ouais, franchement. Non mais c'est ça. En fait c'était psychologique, tu t'en rends pas compte en vrai. Mais comme dirait Jacques Villeneuve, des fois le trajet est mieux que l'arrivée. C'est quoi ce truc de merde, Karim? Bah si, c'est vrai, le trajet, tu sais, t'es là, t'es excité une fois que t'es arrivé. C'est mieux que t'es arrivé, ouais. Ah oui, d'accord. Le mieux, c'est quand tu montes les escaliers, quoi. Ouais. Exactement. On la connaît. Alors là, celle-là, elle était pas mal. Hein. Je sais pas comment il s'appelle, lui, là, mais... C'est Karim, lui. C'est ça. Tu vois, il y a des génies en équipe. Il y a des talents. Ah bah attends, ils sont tous sur Skyrock. Vous aussi, on est tous sur Skyrock tous les soirs. Vous feriez quoi? Tu conseillerais quoi, toi, Marie, à Costa, là? Ah bah, moi, de rien faire, justement. Rien faire? Il va faire quoi, là? Parce qu'ils... Mais ils vont passer le week-end ensemble. Il lui a demandé, elle lui a foutu un vent. Justement, il faut... C'est là où peut-être elle va aller vers lui, tu vois, en se disant mais pourquoi il tente rien. Pas bête Marie, pas bête. Parce que faire un truc c'est pas bon, il s'est déjà grillé. Et puis oui, peut-être elle s'en bat les couilles. Ah Marie, tu fais monter le niveau de l'émission. Je vais donc demander immédiatement à Cédric quelle est son idée. Moi je fais rien. Ce que je veux dire que la meuf, elle a le niveau redescend à la cave. Je trouve elle est en train de se dire, la meuf elle est en train de se dire ouais, il va me casser la tête tout le week-end, il va essayer de me draguer, il va être lourd. Tandis que tu vas pas t'approcher d'elle, tu vas pas la trop la calculer, juste rigoler un peu avec elle. C'est là qu'elle va se poser des questions, tu vois. Ah, je dirais même plus, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Bravo, voilà. Bravo, Romano, Cédric et Marie, vous êtes d'accord, tous les trois. Je viens de tuer un moustique, comme ça, pam, pam. Je suis tombé. Ah, mais quel homme. Je suis rapide comme l'éclair. C'est impressionnant. On a un aventurier, c'est Indiana Jones. Non, je suis Mike Horn. Mike Horn, hier. Non, mais je déchire, je suis content, tu sais. Alors, c'est vrai, parce que quand t'as un moustique qui te fait chier, t'arrives jamais à le tuer. La bestiole, c'est vrai. Je sais pas comment elles font, mais alors mais là. Comme il est fort, c'est chiant. Bah. Quel suceur, celui-là. Samy, t'as pas donné l'idée de à la Marseillaise, là. Ça me fait chier, mais je vais suivre l'idée de Marie et de Cédric, ouais. Ah. Et de Romano. Pas trop en faire. Pas trop en faire. Et de Romano aussi, pardon. Karim, est-ce que tu as une idée, tu nous as dit déjà? Et Guigui? Bah, moi, je dirais, faut peut-être plus en faire, tu vois. Tenter. Bon, donc voilà, moi, je rejoins aussi Marie, Romano et. Ouais. Il faut pas, mais non. Non, mais la meuf, elle sait que tu veux la serrer. Donc, faut pas faire. Non, fais pas 3 tonnes, tu vois. Oui, je vais passer pour un lourdeau. C'est elle qui va venir, maintenant. Cédric témoigne. Non, mais c'est sur les lourdeaux. Je suis pas un lourdeau, moi. Non,
Non mais je pense qu'ils ont raison, Costa. Reste dans ton coin. Pas besoin de prendre cet air dégoûté quand tu dis ça, Difoul. Si si, mais bon. J'aime bien quand c'est moi qui trouve la solution, parce qu'en général c'est les meilleures solutions que j'arrive à trouver. Mais oui, mais je dois dire que sur ce coup vous êtes pas mal l'équipe là. Merci en tout cas Yas pour le coup. Attends, bouge pas Yas, parce qu'il y a Max qui voulait réagir. Hein, merci à vous. Hein. Mais est-ce que je peux déposer quelques petits dédicaces? Tu peux déposer tout ce que tu veux. Vas-y. Ah bah si c'était le cas. Moi je vais poser un cake. Moi je veux dédicacer. Dédicacer Mehdi, mon Med. Il se reconnaîtra. Marouane aussi, le S. Mon frère Abdel. Et voilà, on a les principaux, on les a dédicacés. Je peux déposer mon Instagram aussi, tu m'as dit tout ce que je veux. Ah, tu déposes exactement tout ce que tu veux. Vas-y. Ok, bah là, je veux que tous les auditeurs, ils aillent sur Instagram, la barre de recherche. Oui. Et ils tapent le Yas, L-E-Yas 38-1. Et voilà, c'est tout ce que je demande. C'est Yas le grenoblois, là. Le Yas 38-1. Et dans la barre de recherche, vous tapez le morning de Difoul si vous voulez suivre les émissions Le Morning et la Radio Libre aussi. Allez y faire un petit tour et vous verrez des photos de Medellin, notre nouvelle mascotte. Ouais, qui est partie, elle est partie ce soir. Bah ouais, elle est partie chez sa mère. Eh ouais. Voilà, mais elle reviendra très vite. Très vite voir, vous savez qu'elle me manque, moi, la chienne. Ah, pareil, ça fait chelou sans elle. Ah ouais, c'est Cédric est là quand même. Heureusement, en effet, oui. Merci Romano de nous remonter un petit peu le moral comme tu le peux. Bon, Yas, on t'embrasse. Il y a Max qui est en ligne, qui voulait réagir pour toi encore. T'as vu, il y a plein de messages, Costa. Et ça va dans le même sens, hein. Faut pas trop en faire. Regarde, il y a Prisca qui nous laisse un message. Val, également, qui nous dit, ouais, sois pas lourdeau. Tu verras, si tu l'ignores un petit peu, c'est elle qui va venir vers toi. Il est pas con, le Val. Et donc, Max, toi, t'as 26 ans et t'es du 44. Oui. Salut à toi, Max. Non, c'est 20 ans, pas 26, c'est une petite erreur, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu voulais lui dire, toi, Max? C'est pour dire que bah même si la voix ce week-end, faut quand même être patient. Parce que moi, pareil, quand j'étais dans mes années collège, il y a quelques années de ça, j'étais sur une meuf et pendant plusieurs mois, j'étais dessus. Et puis au moment de lui faire ma demande, j'étais quasiment sûr, par rapport à ce qu'on disait, c'était sûr qu'il allait me dire oui. Et en fait, j'ai eu les coronesses de lui demander devant tout le monde, en fait. Et devant tout le monde, je me suis fait un gros râteau. Ah non, mais ouais, j'allais dire devant tout le monde, jamais, tu crois, jamais. Ah, bah, te demander en plus, c'est chaud. C'était horrible, ouais. Ah bah oui. Et c'était au collège, ça se traquait après, non? Ah ouais, c'est clair. Bon, déjà que je me faisais traquer avant, j'étais pas hyper populaire, donc ça changeait pas énorme. D'accord. Et sauf que bah, j'y étais mal pendant un petit moment, mais j'ai pas lâché, on a continué à se parler, et l'année d'après, c'est elle qui est revenue vers moi. Ah. Et puis bah il y avait juste à dire oui, quoi, et puis je suis resté un an et demi avec elle. Bravo, beau gosse. Beau gosse, Max. Je vous l'ai dit, les filles, la soirée sera chaude ce soir et ça continue d'être chaud, hein. Ah, oh, comme dans mon slip. Ouais. Comme dans ta gueule. Chaud et humide, alors, et boueux également dans le slip. Non, Cédric. Boueux, non. Bon, Yas et Max, vous êtes en gros d'accord. Vous avez attendu, vous y êtes arrivé. Costa, faudra nous tenir au courant de ce qui va se passer ce week-end, Costa. Donc, tu fais en fait, comme si c'était rien passé, tu vois, t'es sympa ouais, avec en fait, quelqu'un d'avant. C'est que je lui ai demandé il y a assez longtemps, genre il y a 3 ou 4 semaines, ouais. Et elle pense vraiment que c'est une blague, c'est-à-dire que nous deux on est comme des cousins et on se connaît depuis hyper petit et tout. Quand je lui ai demandé, elle m'a dit est-ce que c'est une blague, et moi j'ai dit oui c'est une blague, sauf qu'elle a compris que non. Du coup elle a commencé à me dire non, et puis moi je lui ai dit non mais c'est une blague, hein, et tout, j'ai perdu un défi et tout. Et là elle m'a dit tu verras bien, si vous avez passé 2 jours ensemble. C'est ça. Bon bah si vous passez 2 jours ensemble en 2 jours, 2 jours c'est long, il peut se passer plein de trucs. Ouais. Donc si elle est vraiment intéressée par toi, je pense que elle te fera des petits signes, tu sentiras, tu verras quelques petits signes. Et là, tu pourras te dire. De toute façon, les il femmes, attaquer. Faut y aller au feeling. I got a feeling, exactement. Non, mais là, carrément, tu l'arranges jalouse. Des fois, I got pas du tout, mais I got pas du tout. Ou alors, tu l'arranges jalouse, tu sais, genre, en lui faisant croire que tu reçois des messages d'une autre nana, ouais, tu vois. Ouais, genre, putain, il y a une meuf qui arrête pas de me faire chier, regarde. Ouais, hein. Tu vois. C'est pas bête, ça peut marcher, ça aussi. Oui, c'est pas bête, ça. Tu peux faire ça. Qu'est-ce qu'on a eu? C'est génial, Costa, je pense. T'as vu, c'est fou. On a déchiré pour toi. On est bon. Ouais, mais ça, moi, je le ferai pas, tu vois. Parce que la meuf, elle va se dire, ouais, le mec, vas-y, il est sur plusieurs meufs. Non, non, ouais, non.
j'avoue. Non, tu fais justement pas. Non, tu fais juste, tu dis putain, l'autre, elle me fait chier, il y a une meuf de ma classe ou je sais pas d'où. Ouais, elle arrête pas de m'envoyer des messages, j'en veux pas. Regarde, c'est la casse-couille. Voilà, et t'en fais pas trop. Non, mais après, ça dépend des meufs. Moi, je fais ça à Carriole, elle va me dire, bah t'as qu'à aller avec elle. Mais Carriole est une meuf un petit peu franche, un petit peu cash par rapport à des meufs. Oui, non, mais il y a des meufs, elles vont mal le prendre. Moi, je te dis, je le ferai pas. De toute façon, Costa, elle est un stade. Il a un stade, Il a un stade où il peut tenter ça, tu vois, parce que manifestement c'est mort. Oui. Après c'est une amie, donc faut pas gâcher l'amitié non plus. Bon, vous nous dites les filles, si vous avez des conseils à donner, allez-y. Message d'encouragement de Marie comme ça, là t'es servi. Ouais, bon. De toute façon, c'est Là comme ça, oui c'est sûr. Bon les gars, mon pote, vous avez déchiré. Merci Max, merci Yass, on vous embrasse tous les deux, on vous envoie le t-shirt Skyrock à la maison. Et Costa, tu nous donnes des nouvelles, on attend des nouvelles avec impatience. Je vous rappelle lundi, ça va? Ah bah lundi, ok. Lundi soir, on prend rendez-vous, on sera là lundi soir en direct. Bisous Max, hein, merci du coup de fil et de salut tout le 4-4. Tout le 44 pour nous. Salut les gars, ciao. Et là, alors attention, des histoires de ouf dans la radio libre et on va retrouver avant les méthodes pour le clash de la drague de ce soir. Ouais. On va retrouver Loco qui est avec nous. Loco de Strasbourg, vous pouvez nous appeler pour tout ce que vous voulez, vous le savez, tous les soirs de 21h à minuit. Loco de Strasbourg, salut à toi Loco. Et coucou. Bonsoir. Salut Loco, bonsoir. Salut Strasbourg. Bonsoir. Bienvenue Loco, t'as 30 ans Loco, c'est ça? Voilà, c'est ça, et c'est la première fois que je passe la radio. Eh ben tu fais bien de passer la première fois sur Skyrock, ça va être bon Loco. Et tu veux nous raconter une histoire un petit peu... Ah ouais, chelou, hein. Ouais, une histoire un petit peu chelou, c'est une histoire de cul, hein, en gros, c'est ça? Ouais, voilà, ouais, de cul et d'amour, on va dire. Ah, de cul et d'amour en même temps? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, Loco? Dis-nous tout. Alors, voilà, moi, j'explique mon histoire. Là, j'ai 30 ans, et en fait, pendant 3 ans, et c'est une véritable histoire, hein, pendant 3 ans, en fait, je suis sorti avec la mère de mon ancien meilleur pote. Ah. Ouais. Non, je comprends pourquoi ton histoire est un peu particulière. D'où l'ancien meilleur pote. Là, mettez-vous tous à la place de Loco. Ah, pensez à un de vos meilleurs à votre meilleur pote et à sa mère. Voilà. Et dites-vous, vous sortez avec la mère de votre meilleur pote. Voilà. Ah, c'est horrible. Moi, j'y ai pensé quand il m'a raconté le truc. Je me suis dit, putain, le meilleur pote de mon fils. Oh, ignoble. Bon, bref, vas-y, raconte. Mais il a une grosse queue. Comme, donc, non, je veux pas savoir. Horrible. Je réfléchis. Non, mais c'est chelou, hein, franchement. Vous avez une histoire avec la mère d'un pote. Et de ton meilleur pote. Comment ça s'est passé, Loco? Ben en fait, déjà sa mère, elle est vachement, on va dire, elle est vachement jeune. Mmh. Genre elle est vachement proche de ses amis et tout ça. Elle a quel âge la mère? Toi t'as 30 et elle a quel âge? Elle a 19 ans de plus que moi. Ah ouais, donc elle a 49, ouais ça va. Mmh. Enfin ça va, c'est pas, ouais. Elle a pas 80 ans quoi. Oui. Bah, et à l'époque, en fait, on se parlait sur MSN à l'époque. Oui. Et en fait, une fois un soir, j'avais un peu trop bu et en fait, j'ai commencé à la draguer. Et après, elle m'a dit, ouais, mais toi aussi, tu me plais, mais il y a des barrières. Après, je lui dis, ouais, mais on devrait sauter ces barrières, quoi. Ah, c'est toi qui l'a provoqué, en fait. Bah ouais, mais j'avais un petit coup dans le nez, mais en même temps, j'étais quand même attiré par elle, en fait. Ouais. Un petit coup dans le nez, tu voulais mettre un petit coup dans le cul. Ouais. On va dire que l'alcool t'a désinhibé, quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça, ouais. Et donc, ouais, mais en fait, après la première année, c'était vraiment juste un plan cul, quoi. Mais elle avait en plus un mari à ce moment-là. Ah, donc le père de ton pote. C'est ça. Non, même pas. Le père encore père. Du... Ouais, voilà, ouais. Le beau-père de ton pote, d'accord. Mais ton pote, tu le voyais régulièrement pendant que t'avais la relation avec la mère ou pas? Ben ouais, parce qu'en fait, quand je la baisais, je la baisais à la maison pendant que lui dormait, en fait. Oh, non, c'est un film de cul. Ah, t'as pris le risque de faire l'amour avec de faire l'amour avec la maman de ton pote pendant que ton pote, il était à la maison. Putain, la daronne, elle s'en bat les couilles. Ah, mais t'arrives en scratch quand il était dans sa chambre. Ouais. Non, mais elle était la, un peu... La première année, c'était comme ça. Ah ouais, mais elle était un peu, comment dire... Elle a ravagé un peu, hein. Mais elle était... Ouverte. Ah, bien open, voilà, ouverte. Elle aimait la bite. Là, c'est horrible. Ouais, c'est ça, ouais. Mais la première fois, là, parce que la première fois, ça doit être quand même assez bizarre. Après, bon, tu dois t'habituer, mais même si c'est bizarre, enfin bon, la première fois, comment c'était? C'est-à-dire que la première fois, vous avez le jour où vous avez passé le cap. Bah déjà la première fois qu'on m'avait taillé une pipe, c'était assez bizarre parce que c'était au salon, tout le monde dormait parce que genre en fait elle a trois enfants et en fait elle était en train de me tailler une pipe et j'étais dos à la porte et genre il y a le plus petit qui avait peut-être 6-7 ans qui débarque dans le salon. Oh non. Oh, qu'est-ce que tu fais maman avec le zizi? Je te comprends pas maman. Qu'est-ce que tu dis maman? Je couchais. Ah, c'est horrible. Mais sinon, la première fois qu'on est passé à l'acte, c'était quand même bizarre. Ah bah déjà la pipe, c'est bien. Déjà la pipe dans le salon, en plus, vous avez pas peur. Ouais, c'était un peu quand même la situation qui était, surprenante. Ouais, alors. Incongrue. On va
Ouais, vas-y, continue, loco, et puis après, je vous poserai une question. La première fois qu'on l'a fait, en fait, déjà, dans ma tête, je me sentais, mais vraiment, le roi du monde, hein, parce que voilà, se taper la mère de son pote. Ah, t'étais content, toi? Ah, mais grave, hein. Oh, ah, putain, ouais, t'es excité, ouais. Ah, toi, ça te dit que c'est vrai, Cédric? Bah non, c'est oh, dégueulasse. C'est un truc de bâtard. Vous êtes des dégueulasses. Ah, c'est ignoble. Non, de le faire, c'est un truc de bâtard par rapport à ton pote, tu vois, mais pendant l'acte, tu dois t'exciter, tu vois. Ah même ah, pas moi, non, moi pas du tout moi. Mais moi déjà la mère d'un pote ça m'écœure. Bah, elle est trop jeune, elle est pas trop jeune. Ah non, quoi, je suis trop jeune pour. Ah moi, ouais, quoi. Mais non mais tu sais ça m'écœure en fait, ouais, c'est pas. Ah moi il y avait la mère d'un pote, comme elle était archi bonne gros. Mais moi je suis sûr qu'il y a plein de mecs, tu sais, genre si la daronne elle est archi bonne, ça peut être un fantasme. La mère d'un pote, ah jamais de la vie. Après oui, il a raison, c'est vrai que je suis sûr qu'il y en a qui ont que ça excite peut-être. Bah, hein. Bah, oui. Moi ça m'est déjà arrivé que j'ai couché avec le grand-père d'un pote. Non, j'ai jamais. Non mais tu j'ai jamais par le meilleur pote. Il a cané quand on baisait. Ouais, en soirée, meilleur pote de mon fils qui me draguait, tu vois, bourré quoi. Au bout d'un moment, je lui ai dit, vas-y, tu vas te détendre. Mais ton fils, ça l'a pas rendu dingue. Ah, et ça l'a rendu dingue. Comment vous réagiriez, tiens? Bah, allez, tu vas te détendre, je vais te sucer, puis après, tu me laisses tranquille. Non, mais le mec, il était tellement foncé, je lui ai dit, maintenant, tu vas te détendre, et Théo, il a vu ça. Guillaume, tes meilleurs potes, qui draguent ta mère devant toi. Oh là, j'appelle tous les autres poteaux, là, je peux te dire. Ça part en couille. Ah ouais, ça part en couille, là. Un pote, il fait ça devant moi. C'est chou. Ah, mais normal. Mais non, arrête frérot, putain, même pas les blazes. Franchement moi ça me ouais. Non mais moi je comprends ta position parce que moi quand j'étais au lycée, j'avais un ami, bon c'était pas un très bon poteau mais bon c'était quand même un ami. Et sa mère était bonne. Et sa mère était ouais, elle était très jolie vraiment. Et bon, j'étais pas le seul à être un peu en kiff sur elle. Tu bandais quand tu la voyais? Non, je bandais pas non, je si bon, bah, souvent, tu as trouvé tout le temps. Non, mais j'arrivais à me tenir quand même. Mais ah bah tiens-toi là au moment présent, tiens-toi bien. Tiens-toi vraiment bien. Parfois, quand on allait chez lui et qu'on la voyait, bon, bah, des fois, on se jetait un petit coup d'œil, on se disait, putain, c'est vrai que sa mère, elle est magnifique. Bon, après, je pense qu'il y en a un ou deux qui, s'ils avaient pu, ils seraient allés. Ah ouais? Mais moi, je l'aurais pas fait parce que bon, c'est vraiment un truc d'enculé, quand même. Loco, t'es pas le seul, là. Ah, alors, voilà. Après, t'es tombé sur une femme, on va dire, en restant correct, très ouverte. Parce que, tu vois, autant que, bon, qu'il y ait une histoire entre toi et elle, ok, après qu'elle te pompe dans le salon alors que ses enfants, ils dorment dans la pièce d'à côté, que tu la sautes alors que ton meilleur pote, il est dans la pièce d'à côté et que son mari, il est aussi, elle est un peu touchée, la dame. La meuf, elle prend quand même des sacrés risques, quoi, tu vois. Bon, on va reparler tout de suite, loco, parce qu'on a plein de choses à dire, plein de questions à vous poser là-dessus. Déjà, vous pouvez réagir. Si ça vous est déjà arrivé d'être en kiff sur la mère d'un de vos potes, ou les filles, d'être en kiff sur le père d'une de vos potes, vous pouvez nous dire, vous nous raconter. On en reparle dans un instant sur Skyrock. Yes. Oui. Ça va être chaud ce soir. Est-ce que vous êtes chaud pour le clash? Fais les méthodes. Ouais, on est chaud. Bouge pas le coup, hein. Les méthodes du clash, Cédric, Romano. Alors, qui a déjà sa méthode? Moi, j'ai ma méthode déjà. Tu as déjà ta méthode. Vas-y, régale. C'est quoi ta méthode? Ben moi, je fais une récolte de moules. Récolte de moules. Ah, ouais. Je fais une culture de moules et ce soir, je vais faire la récolte de moules. Ouais, c'est l'heure de la récolte de la moule. La moule, ça récolte des moules. Très c'est bien. Ça, ouais. Et Romano, qu'est-ce que tu fais pour répondre à la récolte de moules? Eh bien, moi, je me suis acheté un parfum pour sexe. Un parfum pour sexe. Je me suis donc parfumé le zboob. Oui. Et j'aimerais aller faire sortir ça aux familles, bon, plus à la femme ou à l'homme d'ailleurs. Okay. Pour savoir un peu ce qu'ils en pensent et puis bon après on pourra elle pourra consommer ou il pourra consommer mon sexe tout parfumé quoi. Très bien. On a les deux méthodes. Ben... On y revient dans un instant. Je vote Romano. Ouais, et on aura des voleurs à deux balles aussi à retrouver là d'ici quelques instants. Vous bougez pas, c'est Radio Libre sur Skyrock. Radio Libre, 21h minuit. What the fuck? Seulement sur Skyrock. Et attention, ça va clasher dans un instant. Romano Cédric, votre clash de la drague. Et puis plein de choses à faire ce soir. Donc il y a le clash qui arrive. Et on reviendra à l'histoire de ouf là que nous a raconté il y a un instant Loco. Loco qui est sorti pendant 3 ans avec la mère de son meilleur pote. Bon, qui n'est plus évidemment. Oui, ça forcément. Tout a commencé, fais attention à Marie après une soirée un peu arrosée. Ça arrive. Ton père, il veut pas me ken. Non, arrête tes conneries. Et Guiguiz. Ah bah ouais, bah ça écoute. Et t'as ton frère, père, il peut pas. Malheureusement, il n'est pas dispo, la Marie, là. Bon, ça va être compliqué. On aura des témoignages, d'ailleurs, tout à l'heure. Restez bien là, parce que les témoignages arrivent. Je crois qu'il y a Ahmed qui arrive, qu'on va prendre au téléphone, là, d'ici minuit, dans une petite demi-heure, parce qu'il faut qu'on fasse le clash de la drague. Et il faut aussi qu'on ait des réactions sur les voleurs. Alors, vous avez volé, vous avez été volé. Merci pour les messages que vous nous envoyez, là, depuis tout à l'heure sur Skyrock. Et puis, on rend service,
l'histoire du vol de l'audit de Tarek. Ah, là, ouais. À Tarek. Ah, tiens, on a un voleur à deux balles là, qu'on va prendre là maintenant au téléphone avec nous. Bonjour Bilal, excuse-moi d'ailleurs Bilal là, pour le voleur à deux balles. Ça va Bilal? Ouais, allô? Salut Bilal. Avant de revenir à la voiture, à l'Audi de Tarek. Ah, qui s'est fait voler. Il a été volé, on cherche à ce qu'il se fasse rembourser par l'assurance, Tarek. Ouais, parce qu'en fait, il avait laissé les clés dessus. Aïe, aïe, aïe. Alors, on va voir ce qu'il a à dire à la solution. C'est le problème. Il y a aussi Nadir avec nous. T'es là, Nadir? Nadir du 9-3. Bienvenue à toi. Salut Nadir. Merci, salut tout le monde. Salut Nadir, bienvenue sur Sky. Et donc, mon voleur à deux balles, juste avant, parce que vous avez laissé plein de messages, vous avez volé des trucs. Les filles, vous voulez du maquillage. Il y a énormément de messages sur des filles qui du maquillage. Énormément, ouais. Ça coûte cher, hein. Bah, c'est cher, ça coûte cher. Mais moi, j'en ai, j'en mets beaucoup, alors. Ça coûte cher. Jérôme. Salut Jérôme, qui a volé du maquillage. Mais c'est pas la seule. Il y a plein de meufs qui ont volé du maquillage. Je voyais les messages que vous avez laissés depuis tout à l'heure. Je crois que c'est des trucs les plus volés en grande surface. Ah, bah, je confirme. Bah, chez Dino, on les revendait au bas. Oui, alors les soirées travaillées. Non, c'est un disait, on peut pas aller au bois de Boulogne, il faisait ça. C'est marrant parce que dans les messages, c'est surtout des filles qui nous ont envoyé ça. On est là, qui volait du maquillage. Regardez Nathalie aussi, qui volait du maquillage avec des copines jusqu'au jour où on s'est fait choper, on s'est fait déglinguer par la famille. Bah, tu m'étonnes. Bah, moi, j'allais tapiner au bois de Boubou. Bah, voilà, tu volais du maquillage, on comprend pourquoi, Cédric. Ah, il y a du boulot, ouais. Ah oui. Ah oui. Il fait de la quantité, ouais. À limite, moi, je serais allé dans un magasin où ils vendent de la peinture. Ouais. Chez Peinturman, tu vois. Ouh, le roi Merlin. Bilal, donc toi t'as volé, attention, accrochez-vous. Qu'est-ce qu'il a volé, Bilal? C'est un grand, grand, grand délinquant. Non, je suis pas un délinquant de fou, mais j'ai volé. En fait, quand j'avais, je crois, 14 ans, je volais des cires à Monoprix. Des cires. Pour les cheveux. Ouais. Du gel, quoi. Tu voulais du gel. Ouais, toi. Voilà. Ah ouais, je savais même pas ce que c'était. T'as mangé plus de cheveux. Ah ouais, Romain Louis, c'est un truc qu'on met sous les cheveux, tout ça, là. La cire que j'achetais, elle coûtait grave cher. Parce que j'avais pas d'argent et tout. C'était que ma mère, elle me donnait de l'argent et tout. Et en gros, c'est les cires L'Oréal, là, qui coûtaient 6€, là, le pot de cire. Ouais, c'est pas donné, hein. Quand même. Et en gros, la technique que j'avais, c'était que j'allais à Monoprix à Aulnay, à la gare d'Aulnay, il y avait un Monoprix. Mmh. En fait, je prenais mon pot de cire et je prenais toujours un fruit avec une banane ou une pomme ou n'importe quoi. Oh, j'adore les bananes. Et en fait, le pot de cire, je le mettais dans mon frôle. Ouais, classique. Et en gros, classique, normal. Et en gros, la banane, je me la mettais dans le cul. Et voilà. Comme ça, elle est bien cachée et personne vient la chercher. Là, c'est classique pour Romano, ça. Romano, t'es toujours dans l'esprit. Et genre, en gros, je passais juste à la caisse, je faisais genre, je voulais acheter le fruit, et en gros, je passais, ça sonnait pas, c'est tout. Et j'ai fait ça au moins une dizaine de fois. Mais à un moment donné, tu t'es fait choper. Tu t'es jamais fait choper? Je me suis jamais fait choper. Bravo. Quand je vous disais voleur à deux balles, Mais bah, c'est un petit truc, mais au moins ça donne à tout le monde l'opportunité de le faire, s'il y a quelqu'un qui veut non, le faire. Non, non, on le conseille à personne, ça je vous le dis, on conseille à personne. Après vous allez nous appeler, avec vos conseils à la con Skyrock, je me suis fait choper, je suis wanted à Monoprix là maintenant. Là. Non, la tête de ma mère, c'est grave, un coup de génie de faire ça. Un coup de génie, imaginez Bilal. Eh ben merci Bilal de ton témoignage. Donc vous voyez les filles, vous êtes pas les seuls. Je fais juste une dédicace à voler des produits. Je fais juste une dédicace à mon cousin à Defalca. Je lui fais une grosse dédicace à Bilal aussi, mon cousin, et à Amélie Bouclet. Eh bien salut à Bilal, salut au cousin et puis merci du témoignage. Et donc là on a Nadir au téléphone avec nous. Ah le petit sauveur. Je t'envoie ton t-shirt Skyrock en plus Bilal, pas besoin de le voler, il est pour toi. T'envoies ça à la maison. Salut Bilal, raccroche pas. Bilal, mais reste avec nous, c'est gratuit, t'inquiète pas. J'ai cru qu'on lui a volé son téléphone. Ouais, c'est bon, je suis là. J'étais occupé à écrire un message. T'inquiète. Nadir, toi t'arrives peut-être avec la solution. Pour sauver la voiture. Pour la voiture. Alors, j'ai peut-être la solution, mais sauf qu'il va falloir qu'il refasse une déclaration à la police. Ouais. On croit qu'il avait bien les deux clés sur lui. Alors, mais si... Alors, tiens, je te passe Tarek parce que c'est quand même lui le principal concerné. Tarek, est-ce que ça te semble faisable, facile, tout ça? En fait, le truc, ouais, c'est que j'ai éventuellement une piste. En fait, il y a un gars que je connais de là où je bosse, il connaît bien un des responsables des gendarmes, en fait. Donc, en gros, ce mec-là, là, j'ai un peu d'espoir, je t'avoue qu'il y a rien qui est fait. Je dois le voir, je dois l'appeler demain, en fait, ou vendredi, et voir s'il peut toucher deux mots, en fait, au... S'il nous écoute, sois sympa, le keuf, là. Faut être cool. Ouais. Après, j'ai pas trop envie de trop qu'on tricarde, j'ai pas non plus envie d'admettons qu'ils écoutent et tout. Mais c'est surtout, en fait, que voir si on peut éventuellement juste modifier la déposition sur une lettre, sur un mot, en fait. Parce que si tu fais ça, c'est bon, non?
Bah en gros, si je fais ça, moi je vais essayer de faire le, moi je vais faire le teubé et moi je vais faire le teubé, je vais dire qu'en gros j'avais 1000 écrits dans ma poche et en fait, eh ben voilà, vu que je suis en souvent jogging, eh ben sans jogging c'est pas totalement faux que tu perds souvent des trucs quand t'as les poches un peu, tu sais, c'est vrai, ouais, un peu large et tout. Ça tombe des poches. Ouais, mec, tu peux dire que le mec voulait te caresser les couilles, il a mis la main dans la poche. Ouais, non mais là, et à ce moment-là, il a vu les clés et il s'est dit tiens, plutôt que de lui caresser les couilles, je vais lui voler sa voiture. Non mais ne les prends pas trop pour des cons non plus, tu vois. Il est pas mal le scénario, non? Il est bien, non? Ouais, non, parce que ça peut passer. Non mais reste sur le fait que ça tombe de la poche, ouais. Excuse-moi. Non voilà, en vrai j'ai que ça, en fait je me suis fait. Non, parce qu'en réalité, faut que t'aies vraiment tes deux clés avec toi. Parce que l'assurance va te demander tes clés. Mais tiens, t'as le droit d'avoir qu'une seule clé, non? Si tu l'as perdue avant, t'as noté. Non, parce qu'en fait, ils considèrent que, en fait, du moment où la clé était dessus, par exemple, dans mon cas, ils considèrent qu'en fait, t'as laissé la porte ouverte au voleur. Non, mais d'accord, mais si la clé, t'en avais qu'une, je sais pas, t'as ta clé, tu l'as perdue, ton ex s'est séparé avec, peu importe. C'est ça, c'est la faute de ton ex. Non, mais. Si, parce que c'est un véhicule, en fait, y a pas de preuve, j'ai pas acheté neuf en concession, donc du coup, y a pas de preuve qu'on m'ait remis deux clés, en fait. Et tu vois, sur le truc de l'expert. C'est pour ça, j'aimerais avoir des gens qui sont un peu techniques là-dessus. Alors est-ce que t'as un réseau, est-ce que t'as des, je sais pas, t'as un Snap, t'as un Insta, t'as quelque chose pour oui. On sait jamais le voleur ici, tu vois, prends la bagnole. Bah tu vois, on t'offre un t-shirt qui ouvre la clé. Non, à la limite garde la vague, à la limite garde la vague, ramène-moi juste les clés, t'inquiète. Voilà, ramène les clés, je me fais rembourser, je me casse pas la tête, mais voilà, ramène juste les clés. Pose-les-moi là où tu l'as pété et vas-y, fais un double et si tu manques, repose dans la boîte. On va donner une vidéo, j'ai une vidéo qui traîne, si vous voulez, je vous l'envoie sur WhatsApp. Bon, que vous voyez le truc. Vas-y. Mais tu donneras un WhatsApp et je te l'enverrai. Donne ton Insta ou donne ton Vas-y, donnez mon Snap. Si vous pouvez aider Tarek, donc notez bien l'Insta ou le Snap de Tarek, vous lui laissez vos messages, vous lui dites, et on prendra des nouvelles. Les gens, je vais mettre mon Snap, là, les forceurs qui viennent, qui vont t'ajouter juste pour t'ajouter, ça sert à rien, franchement, j'ai pas de temps à perdre. C'est pour un service pour la voiture. Ouais. Franchement, c'est sérieux. Donc du coup, c'est W-E-D, non, excuse-moi, putain, non, W-E-3. Ouais. D07. Ça fait weed, à peu près, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est de quand j'étais plus jeune. Hein. Voilà, weed 07. C'est weed, en fait. La police, n'hésitez pas à aller y faire un tour également dessus. Si vous avez des conseils à donner. Non, je te le dis, là, y a rien à voir. Je sais. Je sais pas quoi. C'est ouf, toi. Je fais pas cramer pour rien, tu sais. J'ai rien à voir avec tout ça. Non, mais en tout cas, si vous avez des conseils à donner. Il y a Spring. Allez-y. Ce qu'il dit, c'est pas con. Qu'est-ce qu'il dit, Spring? Si la voiture, on ne sait jamais, avait été retrouvée, et qu'en fait les flics constatent qu'il n'y a aucune effraction sur la serrure à l'intérieur ou à l'extérieur, etc. Là ils vont te contacter, et tu vas te faire baisser parce qu'ils Non, les flics, ça va l'assurance. Ça marche parce que c'est les flics. Maintenant les mecs ils arrivent à ouvrir les voitures genre avec. C'est le message de Spring. Non, maintenant il y a des techniques pour voir les voitures avec des télécommandes, des trucs, c'est genre électronique. Ok. Ouais, ouais. Merci en tout cas pour le coup de fil. Merci du conseil, Nadir. De rien. Merci. On peut l'aider avec grand plaisir. Moi je me suis fait rembourser ma voiture comme ça, donc. Donc ça marche très bien. Donc le coup des clés, c'est pas mal, Tarek. Tarek, tiens-nous au courant et donc envoyez vos messages à Tarek si vous pouvez l'aider, vous bossez les assurances, vous avez déjà vécu le genre de truc. Si vous avez un conseil à donner, n'hésitez pas. Oui. Moi je veux pas, après tu peux pas juste W-E-3-D-0-7. La copie de la clé, c'était le conseil de Cédric. On sait jamais, ça peut marcher. Merci pour le conseil. Non, mais si vous avez des soucis, vous le savez, on est là tous les soirs. On peut parler tout ce que vous voulez, puis on peut essayer de trouver des solutions. Des solutions pour draguer ce week-end. Si vous avez envie de profiter de ce week-end pour draguer, pour serrer, qui va draguer ce week-end? Moi. Qui va draguer? Mais t'es chaud, t'es déter. Et Vladimira, elle est où? Elle est loin, gros. Tu veux dire qu'elle est occupée ce week-end? Non, elle est pas occupée. Elle va travailler un peu. Elle va faire rentrer un petit peu d'argent. Non, mais l'amour à distance, t'as vu ça? Ça marche jamais vraiment. Hein, ça c'est sûr. Ah, hein. C'est clair. Ça paye moins. Ça paye moins. Oui. Bon, si vous avez besoin de draguer ce week-end, il y en a d'autres qui vont draguer ce week-end. Non. J'espère que Guigui va aller draguer un petit peu parce que on verra. Je suis pas sûr que ça prenne, mais bon, écoute, on verra. T'as pas essayé. Prends-en de la graine, Guigui. C'est l'heure du clash, là, tout de suite. Le clash de la drague sur Skyrock. Allez, c'est parti. On connaît les deux méthodes. Romano, petit, à crâne d'œuf, Cédric. Quatre mentons, un ventre surdéveloppé et un cerveau sous-développé. Face à face, les deux plus grands séducteurs de la planète. C'est le clash de la drague sur Skyrock. Alors, méthode du parfum pour sexe, pour Romano. Ouais, c'est ça, je me suis mis... le parfum s'appelle Zboobie. C'est mignon. Zboobie...
avec Jean-Louis Gueg. Émilie qui disait, vous m'étonnez, ça existe pour de vrai, ça? Oui. Ouais, ouais. Il y a des parfums pour sexe et, pas et pour minette aussi. Bien sûr. Je vais vous en mettre sur la minette, les filles. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc, voilà pour toi, Émilie, tu as la réponse à ta question. Je m'en mets parce que j'ai des très fortes odeurs. Non, non, vous savez pourquoi? C'est parce que j'ai des grosses odeurs, parce que j'ai une grosse chatte. Ah, bah, au moins. Eh ouais. Non, mais je crois qu'il y a des lingettes intimes parfumées un peu. Ah, bah, bien sûr. Si je ne m'abuse. Oui. Ouais, et Cédric, il y a Colonel Charlie qui nous envoie une photo de Bugs Bunny et toi à côté, mais vous êtes en fait, t'es un Bugs Bunny gonflé. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a t'es un Bugs Bunny, mais qui a grossi. Et quoi de c'est vrai. Vous avez le même sourire tous les deux. Joli ton montage, joli ta petite photo, Colo. Alors, Cédric, on rappelle ta méthode et on appelle tout de suite la première famille. Moi, je suis dans l'élevage. Putain, je vais galérer. Ah, élevage ah, ouais, de moules. Tu vas galérer. T'étais du fou. Mais je vais faire ma récolte. Voilà. Pas mal. Bon, Mathieu, Romano, je compte sur vous, mes amours. Cette semaine, comme la semaine dernière, on lui pète son fion. Ça va. Ouais, Nicolas? Ouais, c'est qui? Comment tu vas? C'est Michel, un voisin. Michel, un voisin? Ouais, non, ouais. C'est pas de Michel. Bah, si, c'est Michel, l'éleveur de moules. Et je t'appelais ce soir, là, parce que je voulais faire ma petite récolte, là. Je voulais récolter la moule de ta femme. Ouais. Je peux venir à la. Je peux venir à la maison? Ouais, ta mère aussi. Bah, écoute, là, elle est couchée, là, mais demain, elle pourra venir si tu veux. Ce soir, je vais m'occuper de ta femme. Ouais, soir, tu vas t'occuper de ma femme. Ouais, ouais, je vais faire ma petite récolte et après, je vais lui bouffer la moule, tu vois. Ouais, bah, viens. Ouais, bah, j'arrive, ouais. J'arrive là tout de suite. Il y a pas de souci, vas-y, viens. Bah, dans 5 minutes, je suis là, je lui bouffe la moule et après, je la prends en levrette. Ouais, bah, bien sûr. C'est génial. Ah, bah, tout de suite, mon petit Nicolas. Ouais, ouais, bien sûr. Bisous, mon chéri. Ouais, voilà, tout ça dans ton slip, toi. Ouais, t'inquiète, ouais. Si tu veux, tu pourras même découvrir ce qu'il y a dans mon slip, tiens. Ouais, t'as vu, encore un inventaire qui se gratte la nuit. Hein. Ça, c'est cadeau pour toi, ça, mon c'est gars. C'est gâteau. Ouais, ok, ouais. À tout de suite, mon chéri. C'est gâteau. Et voilà. Oh là, ça, c'est gâteau. Oh là 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 là. Bien joué, et bim. Le bon et bam. Boule et bim, bam, boum. Et voilà. Il y a tellement personne qui suit avec. C'est la tristesse. C'est allé un peu vite dans le bim, bam. Avec le c'est gâteau à la fin. Moi, je suis un rapide, tu vois. Tu n'arrives pas à parler. Ouais, on sait que. On sait que t'es rapide. Et à serrage. C'est que t'es un sacré tocard au lit. On présente les précoces. Bon, pour l'instant, ça démarre bien, le clash. Bon, bah non. Ah, tu fais comme ça là avec ton haleine dégueu là. Ouais, et puis à moi entre vous deux aussi. Ouais. Imagine moi Romano. Oui, c'est vrai. C'est mon pauvre. Alors deuxième coup de fil, donc c'est le premier tour de Romano. Allez, Manuel. On a fait un serrage. C'est Manuel. Bien joué Cédric. Merci Monsieur l'arbitre. Eh oui, le bouffeur de chat en action. Eh ouais. Bouffeur de moule. Ah, de moule, pardon. S'il te plaît. Oui, allô. Oui, bonsoir. C'est la femme de Manuel. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Il est là, Manuel. Oui. Je pourrais lui parler. De la part de qui? C'est de la part de Jean-Louis Sgueg, un voisin. Jean-Louis Gueg? Sgueg. Jean-Louis Gueg. Oui, okay. C'est pour... C'est pour une petite surprise, je vais lui raconter un truc marrant. Il dort pas? Non, pas du tout. Bon, oui. Parfait. Allô, Manuel? Oui. Ouais, comment tu vas? Je vois pas qui vous êtes. Bah écoute, moi c'est Jean-Louis là pareil. Et je voulais passer vous voir là tout de suite là maintenant là. Parce qu'en fait, tu sais, je me suis. Allô. Oui, putain de merde. Il est parti. C'est génial. Charles Villeneuve, réclamation, la ligne de la famille n'était pas très bonne. Est-ce que tu veux rappeler pour voir sur des lignes? Ah vas-y, non, pas la deuxième tour. Déjà, elle m'a bien cassé les roubignoles, à mettre 3 heures à me passer son mari là. Cédric, tête de carte du José. C'est José pour Cédric. Ouais. Allez mon petit José. Mais elle te la raconte pas trop gros. Hein, t'as pas encore. Non mais là depuis tout à l'heure. Allô. Allô, allô José. Allô. Ouais José, ça va? Tu vas bien? C'est Michel, ton voisin. Allô. Oui. Ouais mon petit José. Tu étais au courant que je suis dans l'élevage de moules en ce moment? Oui. Ouais. Et ce soir je voulais faire ma petite récolte chez toi là. Je voulais récolter la moule de ta femme. D'accord. Je peux venir tout de suite? Oui. Bon bah génial, j'arrive dans 5 minutes, j'espère qu'elle est bien fraîche. Ok. Et puis je vais lui bouffer la moule. D'accord. À la coquine. À tout de suite mon chéri. Petit. Bisous. Et bim. Et bam. Et boum. Et bim bam boum la famille. Non mais fais-en un peu plus. Et deux, avec quelqu'un de chaud, fallait. Ouais, tu vois, rentre un peu dedans. Gros, il y a deux serrages. Il a demandé bouffer le sgeg aussi. Ouais, essaye d'être un peu marron quoi. Non mais ce soir. Mais sérieux, mais tu sais le mec qui fait double serrage pour ses deux. Essaye de faire un serrage. Mais ou ta gueule, mais j'en fais à longueur de mois, qu'est-ce que tu me parles. Bah là, t'as fait quoi ce soir? Bah pour le moment, je me mets à ton niveau, c'est-à-dire nul. Bah non, c'est pas mon niveau, gros. Ah si, mais je suis à ton niveau habituel, nul.
Alors on y va pour ton deuxième tour, Romano. Il y a qu'un tour qui est passé, attention. Enfin, non, non, mais moi, tu sais, je m'inquiète pas plus que ça. Puis il y a pas encore eu les votes. Hein. Seuls les votes comptent. Évidemment. Ça c'est bien dit, mon bon monsieur. C'est bien. Il a dit qu'il était nul ce soir, donc. On va chez Olivier. Olivier. C'est ça. Ouais. Et arrête de gémir comme ça, tu dégoûtes. Avec, si je te jure, avec, t'as l'impression qu'il. Allô, allô, allô. Bonjour. Ah. Vous êtes sur la messagerie du. On était sur la messagerie d'Olivier. Et on va chez Xavier maintenant. C'est Xavier. Ah putain, j'ai envie de dire, en plus. C'est pas le moment. Ça faisait longtemps. Je vais me retenir un peu. Ah, toi. Oui. C'est gentil, ouais. Alors, Xavier. Notre deuxième. On remarquerait qu'au niveau du casting, je suis quand même beaucoup moins gâté que mon adversaire. Allô, Christophe. Je dis ça, je dis rien. Allô, Christophe. Allô, Christophe. Non, c'est pas Christophe. Ça fait la deuxième fois que vous m'appelez, monsieur. Bah oui, bah écoute, j'ai bien du courage avec ta voix désagréable. Il est là, Christophe. Bah pourquoi? Qu'est-ce c'est qui déjà bah, l'appareil? C'est Jean-Louis. C'est qui à l'appareil? C'est qui à l'appareil? Comment? C'est Jean-Louis Gueg. Ouais, d'accord. Ouais, tu peux pas avec cœur. Tu peux me passer Christophe, s'il te plaît, ouais, ma gueule. Ouais, ta faute. Ouais. Ah, Dieu, vas-y. Elle va se faire foutre. Non, elle était un peu rap battue. Ah, c'est une loubarde. Mais Romano, comment tu veux la serrer pour Non mais tiens, l'autre t'es là. Bon, vas-y, je prends mon rappel, tiens. Ah, tu prends ton rappel. Ouais, le rappel sur Christophe. Soit j'y vais décontracter du gland. Ça s'entend. Un peu de l'anus aussi. Ah. Complètement. Si je me décontracte trop, je me chie dessus par contre. Allô? Allô? Oui. Ouais, tu me le passes s'il te plaît? Tu vas faire ça pendant toute la nuit? Bah attends que je parlerai pas à Christophe, je rappelle. Eh ben non, va te faire foutre. Bah attends, je peux passer te voir sinon là. Pardon? Je me suis fait parfumer le zob et je voulais te faire sortir ça, ma belle. Et c'est quoi? Ben moi, j'ai des amis haut placés. Ouais, il faut savoir le numéro. Alors méfie-toi. Bah, je peux passer ouais, tout de suite. Méfie-toi, ouais. Je peux passer tout de suite à la barre. On va pas rigoler longtemps, mon petit coco, tu vas voir. Parce que tu me renifles le zob et après, on fait l'amour. Mais quel beau putain, mon dieu. Allô? Elle est partie, elle est partie. Allô? J'ai des amis haut placés, monsieur. Ouais, putain. Tu prends ton rappel? Tu vois, ouais. Ah, tu as déjà pris. J'ai appris. Ah, puis la meuf, elle a des amis haut placés. Ouais, tu vas voir, mon coco. Ah, des amis haut placés. Sur le troisième étage. Eh ouais, monsieur. C'est comme ça. Cédric, on prend un troisième tour. C'est Bruno. Allez, vas-y. Allez, tu nous fais le triplé. Ah, ça serait le top, ça. Ça fait une éternité que c'est pas arrivé. Peut-être jamais. C'est possible. C'est déjà arrivé. Allô, allô, Bruno. Parle. Bonsoir, mon petit Bruno. Ça va? Tu vas bien? Et sois drôle. Ta gueule, putain. Allô. Bruno. Bruno, tu m'entends? Oui, qui c'est? Ouais, c'est Michel, un de tes voisins. Dis-moi, je t'appelais parce que moi, je suis dans l'élevage de moules. Et ce soir, je voulais passer par chez toi pour récolter la moule de ta femme. Ouais, d'accord. Je peux venir pas tout de suite? Soucis. Ouais, pas de soucis, ouais. Ah, parce que je suis chaud ce soir, j'ai envie de bouffer de la moule bien fraîche, quoi. Et bon. D'accord, ok. Et puis, si je peux te bouffer l'oignon avec en même temps, ça serait sympa. Bah, attends. Une moule aux oignons. Pas de soucis, pas du de goût comme mec. Ta gueule. Bon, bah, j'arrive tout de suite, d'accord? Mal parler, ouais, ok. C'est pas trop loin, espèce de patringue. Non, je suis là dans 5 minutes, mon chéri. Je t'ai reconnu. Bah, viens, puis je t'enculerai aussi. Ah, bah, génial, on va faire ça. Incroyable. Ça, c'est un bête de programme. Je bouffe la moule de ta femme, je te bouffe l'oignon, tu m'encules. Voilà. À tout de suite. Si tu veux. Allez, j'arrive. Bisous, mon chéri. Ok, tu viens. Je me prépare, j'arrive. Vas-y, prépare-toi bien, Macaille. Ah, tout de suite. Macaille. Et voilà. Oh, et bim. Et bam. Et boum. Et bim, bam, boum. Et tu remets. Et ne revient pas. Macaille. Oh là là, mais c'est dingue. Non, mais c'est vrai que c'est quand même rare qu'il fasse 3. Non, mais alors là, vraiment, je suis sur le cul. Heureusement que je suis assis pendant la radio libre. Non, mais là, c'est une performance assez extraordinaire. Didi ne revient pas. Ah, je peux te dire que ce soir, c'est gros score de prévu. Oh là là, mais tu es en forme, comme nous dit le revenant. Tu es en forme ce soir. Ah, mais grave. Bravo, Cédric. Une sacrée caille, nous dit Hondo. Mais oui. Sacrée chatte, surtout. Attention, c'est pas fini. On renvoie une famille à Romano. Une loubarde, peut-être, comme il y a un instant. Christine. Pourquoi j'ai que des meufs, moi? Pas sûr. Peut-être c'est un mec qui va décrocher. Calme-toi, gros. Ah, non, mais. Espèce de miso. C'est mal. Mais complètement, mais c'est mal organisé, votre truc, monsieur. Et là, on est en bande d'organisés, man. Ouais, on est en bande d'organisés, putain, la gueule de la bande organisée, quoi. Il couille. Alors, Christine. Putain, c'est une meuf, faut qu'elle comprenne. Christine, non, arrête. Je suis détend, là. Jean-Michel. Détends-toi, Kim. Allô, Jean-Michel. Oui, c'est qui? C'est Jean-Louis à l'appareil. Jean-Louis Sgeg, comment vas-tu? Jean-Louis, comment? Sgeg. Non, je connais pas. Bah écoute, c'est l'occasion de faire connaissance. Ta femme est là ce soir?
Elle est là. Oh putain, mais oh, non, mais c'est pas vrai, c'est ça, elle était là, quoi. Ouais, mais elle était là, ouais. Elle était là, mais elle est partie, là. Bon, bah écoutez, voilà, merci. Tu fais. On fait peut-être un tour de la mort. J'allais proposer. Oh bah tant qu'on y est, toi t'es d'accord. Moi, ouais, ouais, y a pas de problème. Non, attends, même Cédric, hey, Cédric, on a fait 3 serrages à la suite, ce n'est jamais arrivé. En tout cas, imagine, non, en fait 4 pour Cédric, hein, parce que oui, c'est vrai, voilà, pour Cédric. Ça m'est déjà arrivé 3 serrages, ça va. Ah non, c'était jamais arrivé. Ça m'est déjà arrivé. 3 serrages à la suite. Mais t'es vraiment une salope. Non, mais c'était jamais arrivé. Non, mais il est dans la mythomanie la plus complète. Ah ouais, non, mais c'est vraiment une série. Je mets en valeur ton clash de ce soir, Cédric. Bah ouais. C'est un plus. Je peux plus rien dire. Il y a Skyroot qui dit putain, pour la première fois, je vais voter Cédric. Bah vas-y. Ah non, mais rien ne t'oblige à le faire. Hein. Je suis à un moment donné, seuls les votes comptent. Hein, bah, on attends, peut voter aussi par amitié, par amour. C'est incroyable, les gars, du poteau du 95, il n'en revient pas. Tu vois, mais Samy, par exemple, avec Marseille qui est dans la défaite, il continue de soutenir Marseille. Hein. Exactement, je ne lâche pas l'affaire. Et voilà. Donc, ceux de la team Romano et celles de la team Romano, elles sont nombreuses. Quel rapport Quel rapport? Laisse tomber, je comprends rien. Retourne à l'école, je comprendrai un truc. Ouais, c'est ça, ouais. On fait le tour de la mort. Ok, je t'en prie. Allez, le tour de la mort. À toi, oui, s'il te plaît, oui. On n'a pas vraiment, oui. Le tour de la mort, c'est parti. Pour Cédric. Donc, tour de la mort, je l'explique pour ceux qui ne connaîtraient pas. On appelle. Allô, Bernard? Allô. Une fois. Ah, bâtard, voilà. Il a coupé. Ah, voilà. Ah, ben non, mais c'est fini, hein. J'étais en train d'expliquer le tour de la mort. Donc, on appelle une fois sa réponse. Mais il n'y a pas de allô. Non, mais il n'y a pas de allô, Marie. Ça répond. Marie, ça décroche, quoi. Voilà. Non, non plus. Non plus. Non, ça, c'est le clash normal. Je fais bien expliquer. Alors, je vous réexplique le tour de la mort pour les mal comprenants et les mal comprenantes. Ce qui est hallucinant, c'est que Marie, elle est là à chaque clash, quoi. Comme quoi. Elle va retourner à l'école, elle aussi. Non, mais vas-y, tiens, vas-y, refais un truc. Le tour de la mort, un appel chacun, ça répond. Ça répond, vous faites votre truc. Ça répond pas, on passe à l'autre. Allez, vas-y. Bon, on fait. Fait pour Cédric pour arriver à 4 fois quand même, ce serait pas mal pour ce. Oui, non, bah, ça va peut-être aller, non. Ça va bien, le cirque. Il en peut plus. Le cirque a assez duré. Putain, ouais, bonsoir. Ah, je savais que ça allait me faire. Oui, il se passe. Oui, je voulais parler à Jean-Pierre, il est là, s'il vous plaît. Pourquoi? Bah, je voulais faire la récolte. Jean-Pierre? Ouais, Jean-Pierre. Merci. Vas-y, il arrive, hein. Ouais, j'attends, ouais. Oh putain, qu'est-ce qu'il faut avec l'antenne. C'est pour toi. J'arrive, hein, là, j'arrive. C'est pas, il te connaît, je sais pas. Allez, hein. Allez. Viens. Allô. Ouais, Jean-Pierre, ça va? Ouais, c'est qui? Ouais, c'est Michel, un de tes voisins. Dis-moi, je t'appelle, là, parce que je fais dans l'élevage de moules. Et ce soir, je vais venir à la maison pour récolter la moule de ta femme. Que je me raconte, là. Bah, je vais à la maison, je lui mange la moule, et puis voilà, quoi. Ouais, allez. Et puis, si elle veut, je lui fais l'amour derrière, tiens. Allez. C'est possible? Allez. Ah, j'arrive, mon petit Jean-Pierre. Là, c'est ça. Voilà. Je te ferai un petit câlin si tu vas, toi aussi. Pas la peine. Allez. Bien sûr. Bon. Je veux t'en aller. Allez, au revoir. Bon, bah, bisous quand même. Ouais, t'es tu peux plus derrière. Il va se faire engueuler, lui. Bon, bah, voilà, ça marche pas tous les coups. Ouais, bah, 3 sur 4, c'est pas mal. Ça ne marche pas, donc pas tous les coups. Ouais, toi, ça marche pas que tous les coups, c'est vrai. Ça ne marche pas tous les coups parce que j'ai eu un mauvais casting et on m'a déstabilisé avec cette histoire des 200 balles. Mais c'est Romano pour ne plus être déstabilisé. Ah, merde. Tu me les rends. Non, mais voilà. Et après, ça ira beaucoup mieux. Bon, de toute façon. Tu te sentiras libre comme l'air. Ouais, libre comme l'air. Surtout soulagé de 200 balles, ouais. Et voilà. Donc, plus de stress. Plus de stress avec les 200 balles, t'es tranquille. Ah, mais je peux pas, j'ai des frais énormes. Des frais de quoi? Des frais de vie. Des frais de vie. Des frais de vie. Moi aussi, j'ai des frais de vie. T'as vu le prix de l'essence? Oui, bah, moi aussi, je roule avec mon véhicule. Ça, c'est la tendance, ça. Ouais, ça. T'as vu? La baguette, elle augmente. 1 euro, oui. Ah ouais. 1 euro. Sur la boîte vocale, 03-61. Bon, moi, de toute façon, je me suis fait enculer jusqu'au bout, quoi. Fin du tour de la mort. La mort, clash de la mort. Clash de la mort. Alors, vous allez pouvoir voter maintenant pour Romano ou pour Cédric. Pour Cédric. Ou pour Romano, on fait les déclarations. C'est parti. Déclaration, on va commencer par toi, Romano. Moi, ça va être assez court, mes amours. Pourquoi? Quoi vous dire à part que je vous aime? Non, ça c'est ma phrase, ça. Ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est ça. Bah, je le dis à chaque fois, gros, quoi. Ouais, je sers pas. Ouais, d'accord. Voilà. Alors, bon, continue. Bien, oui, on était sur la déclaration. On en entend, mais je crois qu'à un moment donné, il faudrait que tu réécoutes les clashs depuis le départ. Bah, ouais. C'est sûr, ouais, non, je t'assure, il faudrait que tu réécoutes les clashs. Alors, la déclaration. Eh bien, ce soir, mes amours, je compte sur vous pour m'offrir un score pas trop minable. Je sais, ce soir, je vous ai énormément déçu. Mais tous ensemble, nous pouvons quand même sauver la baraque. Sauvons ce qui est à sauver. Votez Romano, R-O-M-A-N-O. On peut quand même le faire.
peut-être gagner même, on ne sait jamais. Un miracle, c'est tellement beau les miracles de la vie. Votez Romano. Voilà, pour la déclaration de Romano, je lance les votes dans un instant, attendez un peu. Cédric. Je crois que ce soir, Romano, il les est votes ont démarré là, déjà sur les messages. J'aimerais qu'on compte ceux que je vais avoir parce que sinon, il n'y en a peut-être pas beaucoup. Alors les votes sont déjà partis, alors on y va, donc les votes sont partis. Bon, ce soir, votez pas Romano, il est KO. Moi, trois serrages, la famille, franchement, c'était exceptionnel. Pour ça, votez pour moi, c'est EDRIC, je vous aime très très fort. Merci la team. Putain, on peut faire un gros score ce soir. Ça sera grâce à vous. Je vous aime. Alors, on y va. Top vote, allez-y. Allez, votez Romano, mes amours. 5 minutes pour voter au 41759 avec l'appli Skyrock, le skyrock.fm et même sur Twitter, hashtag Radio Libre de Difool. Rien n'est joué, vous le savez. Bravo, allez, Cédric, votez Romano, là. Des aides du 68. On salue Iceberg qui vote pour Cédric. Lou qui vote pour Cédric. Mais, regarde, Tino qui vote pour Romano. Il y a quand même des petits votes pas moi. Mais, ouais. Par support, là. C'est toujours moi à prendre. Bonjour à Romano Joker. Enfin bon, ça vote, hein. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Ah, j'aimerais juste qu'on limite la casse, mes amours. Qu'on se fasse pas trop déglinguer. Ça va être dur, mais limitons les dégâts. Est-ce que Cédric pourra arrêter de gémir? Ah oui, il faut que t'arrêtes de gémir. Il y a Angela qui nous laisse un message. Pas de galère. Sans doute tu l'excites trop. Non mais l'autre, il a dû. C'est quand tu fais. Il a dû jouer dans son ben là. Non, même pas, non. La turine. Allez. C'est si je gagne ça que je jouis. Les résultats du clash. Oh, vous entendez, il faut pas qu'ils jouissent. Allez, votez, il vous reste 3 minutes pour faire péter les votes là. Allez-y. Profitez. Allez, votez Romano. Non, bah non, votez Cédric. Voilà, vous choisissez ça. Bon, résultat du clash dans un instant, dans un instant témoignage. Ah oui, chaud, si vous venez d'arriver, on a eu Loco là tout à l'heure au téléphone. Loco, il est sorti pendant 3 ans avec la mère de son meilleur pote. Imaginez-vous votre meilleur pote qui sort avec votre mère. Ah bah putain. J'espère qu'il a une grosse queue. Ah non, Attends, eh bien, il y a des témoignages qui arrivent. On va y revenir. Et puis, un sujet qui va te surexciter, Cédric. On a décidé de te faire plaisir ce soir. Et oui, vous restez bien là pour tout découvrir. Restez bien sur Skyrock. C'est Radio Libre, 21h, minuit tous les soirs. Un jour, Cédric dormait chez moi et à un moment, je l'ai retrouvé avec sa main dans mon caleçon. Romano. Moi, je pense que je me taperais un singe. Cédric. Tu es complètement débile, toi. Marie. Eh ben, c'est charmant. Samy. Ouais, ça roule, écoute, Diffuel. Karim. C'est pour toi. Gigi. Non, moi, je bronze pas, en fait, moi, je deviens rouge. C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck? Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Eh ouais, y a que sur Skyrock, ça se passe tous les soirs. 21h minuit, c'est la plus grande radio libre de France. Et oui, Cédric, t'es tout excité. Mais grave. D'abord, t'attends les résultats du clash et puis tu sais qu'il y a quelqu'un qui arrive spécialement pour toi dans un instant. J'attends, ouais, la surprise. Et oui, on va s'occuper de tout ça. Je crois qu'on aura Amaury tout à l'heure avec nous. Ah. Et puis on aura Pamela pour draguer les pervers ce soir. On va les retrouver là d'ici minuit. Pamela arrivera-t-elle à séduire? Eh bien la réponse avant minuit. Et avant ça, on a un dossier à gérer. Et oui, le problème de Loco. Vous dites ce que vous en pensez à ceux qui étaient à l'écoute tout à l'heure qui nous dit il a trop de chance Loco, il se tape une MILF. Oui. Alors c'est pas n'importe quelle MILF. Hein. Faut voir le délire. Pour résumer, pour vous qui venez d'arriver là. Loco, un soir, il y a un truc qui s'est passé entre la mère de ton meilleur pote, mais vraiment ton meilleur pote, et puis toi. Bon, ça s'est passé, vous êtes aguichés l'un l'autre, tout ça. Et au bout d'un moment, elle t'a sucé. Après, vous avez eu une relation tous les deux. Eh bien, on va se mettre, vous tous et vous toutes qui nous écoutez, l'équipe aussi, on va se mettre dans la position de Loco maintenant. Oh là, je peux me mettre en levrette en position. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, plutôt, on va se mettre dans la position du meilleur ami de Loco. Vous découvrez, tiens, vous nous dites ce que vous en pensez, vous découvrez que votre meilleur ami, il baisse votre mère. Ah, j'ai une histoire. Il a une histoire d'amour. Parce que c'est un peu. Tu as dit que c'était de l'amour aussi, Loco. Il n'y a pas que du cul. Oui, hein. Il y a de l'amour aussi. Mais vous êtes encore ensemble donc? Non, on n'est plus ensemble. Ah, ça a duré combien de temps alors, vous voulez savoir? Bah, ça a duré 3 ans. Bon, dont 2 ans, c'était vraiment du sérieux. Bon, maintenant je suis avec son père. Et son fils. T'imagines? Et son fils, il l'a su ou pas? Ton meilleur ami? Bah oui, il l'a su parce qu'après j'habite même 2 ans. Avec eux? J'habite avec lui. Oui, voilà, avec eux. Ah, c'est cool de pouvoir habiter avec son meilleur ami et ta meuf. Ah, c'est pas cool. Bah, si t'as ton meilleur ami à dispo. C'est horrible. Tu veux taper une partie de plaie, tu vas voir ton meilleur ami, tu veux baiser un coup, tu vas voir ta meuf. Bon, la meuf. Et ce soir, genre, il vous voyait aller vous coucher. Avec le sous-entendu, bon bah soit il va encore ken ma mère quoi. Ah c'est horrible. Bah, bon, on faisait pas de sous-entendu, mais bon, je pense. Non mais bon, lui il devait forcément en faire. Moi j'ai un pote, il vient à la maison, c'est un pote, je sais pas, admettons Cédric, il sort avec ma mère. Voilà, c'est le ça. Soir, que je vous me demander. Le soir ils me disent bonne nuit. Ils vont voilà, se coucher. Bonne nuit, on va dormir tous les deux. Ouais, bah, moi j'imagine direct qu'ils vont ken, tu vois. Et c'est bah oui.
Et non, ça te gênerait? Ah mais bien sûr. Ah mais moi je te le dis, c'est impossible. Ah, c'est non mais moi j'aurais pas supporté. Ah non, c'est pas impossible, Guy. Ah, non mais c'est impossible pour moi à envisager. Imagine. Impossible aussi. De toute façon, mes parents sont encore ensemble, donc déjà la question se pose pas. Oui, mais même, elle avait un beau-père, elle sortait avec un autre mec. Mais si jamais ça devait arriver, là, mais je sais pas. Elle s'est séparée de son beau-père, enfin de son beau-père, de son mec, donc du beau-père de ton pote pour toi, loco. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ah, incroyable. Non, mais tu vois, pour faire preuve de tolérance. Ah, oh, bah, tiens. Et d'ouverture. Oui, allons-y. Eh ben, tu vois, à la limite, qu'un pote sorte avec ma mère. Ah. Déjà, non, mais à la limite, déjà, franchement, il faudrait que je prenne des médicaments. pour éventuellement pouvoir le supporter. Non, mais que le mec, il vienne vivre chez moi et que le soir, il nique ma mère. Ou nique ta mère. Non, mais ouais. Ah, mais c'est ça. Ouais. Non, mais on bouffe ensemble et genre, ouais, bon, nous, on va se coucher. Allez, à demain. Ouais, non, mais ça, là, ça, par contre, tu vois, même des médicaments très, très forts. C'est pendant la nuit, tu l'entends crier. Non, mais ouais, j'imagine. Non, mais là, moi, ma mère, je m'embrouillais avec elle. Je dis, mais t'es tout. Non, mais déjà, t'es la première étape. Non, mais je te dis, ma mère, je l'entends chez Mia en train de faire le film. Ah, moi je lui dis, mais t'es une pute. Ah, parce que, ouais. Putain, je me mets à ta place, à la place du mec là. Oh, c'est horrible, putain, mon Dieu. Il y a Madison qui nous envoie un message à Madison, 29 ans, qui nous dit: est-ce que tu as officialisé en couple avec, le couple avec la mère? Oui, loco, tu as officialisé. Oui. Ouais, et pourquoi ça s'est arrêté d'ailleurs? C'est elle qui t'a quitté? Ah, bah attends, je suis avec son père, je vous ai dit. Oh. Oui. Non, je couche avec son petit frère. Non, la fin c'était compliqué, j'avais trouvé des trucs, en fait elle parlait avec une autre nana, elle était devenue presque, on va dire, lesbienne et... Ah ouais, ok. Et ouais, à la fin, ouais, c'était plus la même chose, ouais. Et ton pote est resté ton pote? Pas vraiment, non. Bon, en même temps, ça se comprend, là. Étonnant, je sais pas. Moi, j'ai un pote qui veut sortir avec ma mère, déjà, juste qu'il veuille sortir avec ma mère, qu'il le dise. Ah ouais, t'as déjà. Au moment où il le dit, c'est terminé, ça y est. Non, mais là, bon, là, on met tout. En plus, là, c'est plus que vouloir. C'est-à-dire qu'il tape. Ouais, donc là, c'était bien fait, ouais. Tape bien au fond, c'est ta mère. Oh non. Oh, c'est glauque. Oh, c'est horrible. Non, mais moi, j'imagine. Mais toi, ça te gênait pas, tu sais. Mais il pétait pas des câbles, ton pote. C'est genre... Ouais, franchement, non. Non. Non, mais quand vous viviez... T'avais quel âge à l'époque, loco? Bah, c'était de mes 17 ans, mes 20 ans, quoi. Ah ouais, putain. Non, mais ton pote... Et elle avait 19 ans de plus que toi. Je le dis pour Jay, voilà, qui vient d'arriver, qui nous dit, mais elle avait quel âge, la mère? 19 ans de plus que toi, donc 17, elle avait 36. Bon. Non, mais moi, ce qui me fait halluciner, mais c'est que ton pote, à aucun moment, il pétait des câbles quand... genre, vous étiez à table, par exemple, tous les trois, quoi. Il n'a pas retourné la table. Non, même pas. Mais même quand il a appris, j'étais étonné de sa réaction, en fait. Quand il a appris, après, il m'a tout de suite dit, ouais, faut qu'on discute et tout. Moi, je me suis dit, il va me péter la gueule et tout, hein, franchement. Bah oui. Vraiment gentil. Ou alors, non, mais il respectait sa mère. Il faut pas se mêler des histoires de cul de sa mère. Non, mais ou alors, il savait comment sa mère était, tu vois, ce qui est un peu le flou au cul, quoi. Ah ouais, donc je pense. Elle était chaude, c'était bien au lit avec elle. Bah franchement, c'était ma meilleure expérience, c'était la meilleure. Putain, j'espère que ton pote il écoute pas. Il est content. Mais t'as pas dépucelé quand même. T'es un peu con aussi, mais écoute. Non, elle m'a pas dépucelé, mais elle m'a appris tous les trucs de cul, quoi. Elle avait de l'expérience. Ouais. Tu l'enculais par exemple? Non, mais bon, t'as pas. Moi, je le sors par les cheveux de la chambre de ma mère, message de Diboule 69. Il y a énormément de messages de vous qui auriez eu beaucoup de mal à tolérer, en fait. Non, mais moi, vivre au-dessus de même toi, ça c'est impossible. Mais tu vois, en avance, au début, tu voulais pas qu'un de tes potes sorte avec ta mère. Je disais, maintenant, t'es d'accord, mais à condition qu'il ne vive pas sous le même toit. Non, mais d'accord, d'accord. Je pense que face à la réalité, je serais peut-être moins d'accord. Mais je te dis, à la limite, s'il faut choisir. Je défonce mon pote, il y a genre de tolérance. Messages. Ah ouais, mais moi, le mec dans la maison, je le sors de la maison. Ah, mais je m'embrouille avec ma mère, hein. Je dis, mais ça, je fais des cinglés ou quoi? Je vais te faire. Il y a Léo, il coupe la bite à son pote. Quick. Ah ouais, bah là. Il y a plus de bite, le pote. Et plus rien. Ouais. Et, mais pourtant, ça se passait bien. Pourtant, tout s'est passé bien pendant les 2 ans où j'habitais. Non, mais tu vois, même, j'ai même envie de te dire là, pour quitte à être un peu vieux jeu maintenant après avoir été complètement ouvert, c'est que tu vois, la mère elle a même pas de respect par rapport à son fils, tu vois. Qu'est-ce que tu vas, non, mais toi tu peux avoir envie de te faire niquer, l'amour, non, mais fais-toi défoncer le cul par des jeunes tant que tu veux, ouais. Mais évite de parler à un pote de ton fils, tu vois. Voilà, je vais suivre ton conseil, Romano. Je vais me faire défoncer le cul par des jeunes tant que je veux. Non, mais vas-y, non mais voilà, tu vois, à la limite, elle a envie de se taper des jeunes, pas de souci. Mais qu'est-ce que tu vas taper dans le meilleur pote de ton fils? Tiens, Marie, j'ai une question là. Ouais. Je suis très intrigué. Imagine là, tu rencontres un mec, un petit jeune par exemple. Ouais. Donc tu le trouves très bien, très charmant, très mignon, ça discute, tout va bien. Donc pas toi, Guigui. Pas moi, par exemple, voilà. Tu prends l'opposé, si tu veux. Et plus tard, tu apprends que c'est un très bon pote de ton fils.
Non mais l'horreur, non mais je la prendrai avant de toute façon. Dans le sens inverse, Marie. Proche de mon fils. T'as une super amie et. Et elle se tape mon fils. Non. Ou un pote de mon fils. Non, elle se tape ton père. Ah non. Père. Ah oui, c'est ça. Oui Marie, c'est ça le sujet. Ah ouais, non, je deviens dingue. Ah non, j'aimerais pas. J'ai bois encore plus. Je bois encore merde. Plus. C'est chiant pour nous, ça. Mais Marie... j'ai plein de copines qui trouvent mon père très séduisant. Ah bah alors justement, et imagine, ça, tu les retrouves en train de faire une partouze en lit, toutes. Ah non, horrible, putain. Ah, mais je m'embrouille, mais moi, je pars... Tout avec ton arme. Et même, je tape, hein, tu sais, je suis pas dans la violence. Il y a eu plein de messages de violence que j'ai vu, que j'ai pas tout lu, mais... Je suis pas dans la violence, mais là, de respect, là. Non, mais il y en a qui craqueraient, Non mais là il y a de quoi péter un câble. Ah c'est dégueulasse. Alors on va prendre. Tu voulais quoi comme réaction loco? C'est juste pour nous raconter ta petite story? Ou t'as envie de retourner avec elle? Donc... Ouais, y a... bah, en fait d'un côté ouais c'est vrai que j'aimerais quand même retourner avec elle. On en a déjà discuté, mais elle m'a dit que le problème c'est qu'elle aurait peur de la réaction de son fils quoi. Non mais attends, maintenant Ah mais l'autre elle s'achète une conscience. Ouais. La meuf tu sais elle s'est fait piner pendant 3 ans alors que il y a de l'amour aussi. Là. Non mais d'accord mais là c'est facile son truc. Facile. Ouais bah, Jo j'ai peur pour mon fils parce que tu m'as déglingué pendant 3 ans tu vivais à la maison mais alors là si on se posait la question après. Et vous êtes parti en vacances, vous avez fait des trucs de couple, en vacances avec la famille, tout ça? Oui, voilà, oui, c'est ça, ouais, en plus, ouais. Et le fils, il était là? Mais pour les gens, ils disaient quoi? Parce que, forcément, avec le fils, ils avaient le même âge, ils disaient, c'est qui le mec de madame? Ah ouais, c'est chaud. Mais les gens, ils étaient choqués. Ouais, ça les choquait. Mais moi, j'ai une question, Quelle heure est-il? Non, mais tes parents, ils savent. Commence à minuit? Oui, c'est ça, ouais. Là. Ils savent que t'as eu une relation avec la mère de ton meilleur pote. Ils sont au courant ou pas, tes parents? Bah, bien sûr, oui, bah, venez manger à la maison et tout. Les repas de famille et tout. Ouais, tant mieux que ça se passe comme ça. T'es amoureux, elle est amoureuse, vous avez vécu votre petite histoire. Non, mais ça, à la limite, l'histoire, c'est plus vis-à-vis du fils, tu vois. Ah oui. Ouais, après, que t'aies une histoire avec une femme plus âgée, bon, t'es pas le premier. Ah oui, ça pas de galère, c'est pas le premier ni le dernier. Ouais, c'est juste la vie avec le fils, les vacances et tout. Pour lui, le mec, dis donc, il a un sacré self-control. Il a un sacré mental. Ah, Nénuphar qui nous envoie un message et qui nous dit « Nous, il y a un gars du Bahut qui est sorti avec une prof qui avait le double de son âge. » Oui, après, il n'y a pas d'histoire de fils. Bon, ça. Après, c'est une prof, c'est pas ta mère. Il y a Ahmed qui voulait réagir. Tiens, on va le prendre. Vous pouvez réagir à n'importe quel moment. Hein, vous savez, 01 53 40 30 20. Vous nous appelez, c'est Radio Libre, c'est en direct. Et c'est Ahmed, donc de Marseille, qui est au téléphone avec nous. Salut Ahmed. Ouais, Marseille. Ouais, salut la team. Ouais, Ahmed. Salut à toi. Coucou. Ça va Marseillais, mais aller Paris, hein. C'est bizarre d'entendre aller Paris avec l'accent de Marseille. Ah, ça fait plaisir à me dire. T'es pas un paumé, toi? Oh, redis-moi paumé, va te faire enculer, moi. Ah, tu veux pas le redire? T'as vexé Samy, dis donc. Non, même pas, tiens. Si t'es vexé, ça. Non, mais t'as le droit d'avoir du goût, même si t'as le droit d'avoir tous les goûts que tu veux. On peut être parisien, supporter le OM et être. Et supporter PSG, hein. Voilà, mon gars, très bon. C'est vrai. Tiens, bon, mon gars. Raconte-nous un peu ton histoire. D'où tu sors? Tu es né à Marseille? Ta famille est à Marseille? Ou tu es arrivé à Marseille? Je suis pas originaire de Marseille. Ah, c'est ça. C'est ça. Je suis pas originaire de Marseille. J'ai habité très longtemps. Et, j'ai eu, moi, une histoire avec une femme beaucoup plus âgée. Change de sujet. Vas-y, raconte. Mais c'est l'inverse. Bon, c'est l'inverse de Loco. C'est le fils de cette nana. C'est devenu un de mes meilleurs amis par la suite. Donc toi, t'es sorti d'abord avec la meuf qui était un peu plus âgée que toi. Elle avait quel âge par rapport à toi? C'est ça. Donc moi, j'en avais 29 ans et elle en avait 49. D'accord. Et là, t'as 32. Donc vous aviez 28 ans d'écart. Non, moi j'ai 39 maintenant, donc c'était il y a 10 ans. D'accord. C'était il y a 10 ans, donc... Et donc t'as rencontré la meuf, c'est devenu ta meuf officielle? Ouais, non, c'était pas officiel, c'était comme ça... Un petit coup? Un petit coup de temps en temps, voilà, ça a duré pendant un an, et puis elle m'a présenté son fils, on avait des points communs, etc. Et puis voilà, par affinité, ben, c'est devenu un des meilleurs amis, mais au bout d'un moment, la relation, elle était un peu bizarre, parce que quand tu traînes avec un de tes potes et que tu baisses sa mère, mais que lui ne le sait pas... Ah, il le savait pas? Non, c'était... Oulala, ah, il était pas au courant. Déjà, mieux, quand tu dis ça, que tu baisses sa mère, c'est... Non, mais c'est peut-être mieux qu'il le sache pas. Oui, parce que c'était pas une relation d'amour, c'était vraiment c'est ça. Et comme disait Loco, quand tu sors avec une fille plus âgée que toi, enfin une fille ou un mec d'ailleurs, qui a 20 ans de plus que toi, c'est une de tes meilleures expériences parce que forcément, bah, elle a beaucoup plus d'expérience que toi. Hein, attends, si elle t'a fait des trucs que t'avais jamais fait avant. Des trucs, ouais, voilà. Donc t'as découvert quoi au niveau cul avec elle?
elle faisait tout. Enfin, j'étais choqué parce que je la connaissais déjà depuis un moment, mais je pensais que c'était, j'allais dire une meuf lambda, quoi, alors qu'elle m'a fait des trucs, mais j'étais choqué. Par exemple, le truc qui t'a le plus surpris ou le truc qu'elle t'a fait découvrir qui t'a le plus choqué, comme tu dis? Bref, elle a avalé, elle m'a chauffé, c'était Elle était goulue. Ouais, ouais, elle en redemandait tout le temps. Elle était, une chaudasse, quoi. Elle était vraiment. Quand tu vois les gens, tu sais, dans le boulot, donc tu connais les gens dans la vie, tu sais pas comment ils sont en dehors quand tu les découvres. Des fois, ça fait un choc. Bon, dans le bon sens, hein. Le pote, il était toujours. Donc t'es plus avec la meuf, mais t'es toujours avec le pote. Ouais, c'est ça, on est toujours en contact, c'est un de mes meilleurs amis, je suis toujours en contact avec elle aussi, enfin on prend des nouvelles, etc. Et lui, il a jamais appris, il l'a su un jour? Ah non, j'ai jamais dit à personne, lui il le sait pas, je me suis jamais confié à personne. Il y a Canou qui le dit, waouh, c'est cool. Excuse Skyrock. Excuse Sky, voilà, c'est ça. Non mais c'est vrai que sur la radio, on peut se dire des trucs. Non mais franchement, moi je trouve que t'as eu la meilleure attitude, pourquoi le dire? Tiens, tu vas pas arriver devant ton pote, tu diras, excuse-moi, mais je dis que ta mère. Ah ouais, je la baisse bien. Non, mais tu vois. C'est non, mais ça servait à rien en plus, à part foutre la merde. C'est vrai. Et puis je pense que ça, le connaissant, lui, c'est un vrai Marseillais, voilà, avec le sang chaud. Tant mieux qu'il soit pas au courant. En bagarre ou voire plus, tu vois. Après, c'est un de mes meilleurs amis maintenant, donc je regrette pas l'amitié qu'on a, tu vois. Ah, toi, c'était à l'envers. Ouais. Non, mais c'est bien, ça t'a permis de découvrir un ami, c'est bien. Ouais. Et en plus, de découvrir. Notamment les buccales qui... C'est buccal. Ah, t'as découvert sa mère en profondeur. Ah, super. Ah oui, dans tous les sens, hein, c'est sûr. Ton pote, il est devenu ton pote après, tu vois. Là, pour Loco, c'est quand même chelou. Oui, Loco, oui, c'est dans le sens inverse, comme tu disais. Ouais. Il y a Earl qui nous dit, moi j'ai un cousin de 19 ans, il s'est tapé la mère de sa copine, ils sont toujours ensemble, ils ont eu un enfant. Donc, une belle histoire d'amour aussi. Un autre message, les dents de Romano, qui a 32 ans et qui nous dit, moi j'avais un plan cul de 50 piges, un matin je chausse ses ailes à 5h du matin pour tirer un coup, et je tombe nez à nez avec son fils de 18 ans. Putain. Gros malaise. Ah bah oui, m'étonne. Ah oui, là c'est sûr. Bah, c'est plus quoi dire là. Ah, non, c'est gros clair. Malaise. Bon ben, bah, de belles histoires d'amour, c'est bien, on est ouvert. Et ça fait plaisir. Ouais, bah il faut. Ah, ça, ouais. Voilà. On est ouvert pour les autres quoi en fait. Oui, c'est ça. D'accord. Eh ben merci Ahmed en tout cas pour la petite histoire, la petite, la petite réaction pour Loco. Bon ben Loco, aujourd'hui t'as retrouvé une meuf, t'es célib, t'es comment toi? Bah en ce moment non, j'ai pas vraiment de copie, juste des petits plans de gauche à droite quoi. Et si elle revient te voir et qu'elle te dit allez on baise un coup ensemble, tu le fais ou pas? Ah oh bah direct hein. Je fonce dedans. Ah ouais. Direct hein. C'est ta première. Fonce dedans. Ah direct. Bon bah le message est passé. La classe. Si la maman nous écoute, elle écoute. Merci Loco du témoignage en tout cas. Merci du coup de fil. Merci à vous. Hein. Ahmed, on t'embrasse aussi. Et on vous envoie un bisou à tous les deux. Et on vous envoie le t-shirt Skyrock à la maison à Marseille pour toi Ahmed. Ahmed 2. Ahmed oui. Et pour toi à Strasbourg, Loco. Salut tous les deux. Voilà, c'est ça, ouais. Merci beaucoup. Merci. Salut poteau. Ciao. Ciao. Et dans un instant, on va parler, je sais que ça va vous exciter, ça. Allez. Il y en a d'ailleurs un qui va être très très excité. On va parler de sexe dans la radio. Ah, c'est bien ça. Toi, t'aimes bien parler de sexe. Bah, ouais, écoute, plutôt que parler de trucs badeux, le sexe, ça met de bonne humeur. T'auras envie de quoi, là, maintenant, comme ça, tout de suite? Ouais, petite levrette, là. T'as moi-même petite levrette. Ouais, mais pas ici. Petite levrette avec claquement sur les fesses ou pas? Ouais, éventuellement. Avec petite fessée. Moi, j'aime bien serrer le cul, tu vois. Tu serres le cul, le tien? Non, mais non, le cul de la meuf, quoi. Ouais. Donc, une petite levrette pour toi, ça serait. Ouais, bien. Ouais, bon petit tamponnage, là, avant de dormir. On dormir. Non mais bon, je vais pas me coucher là. Mais Marine, petite envie de sexe ce soir ou pas? T'aimerais pas te faire tamponner en leuleu là? Non, moi j'ai bien fait l'amour l'année dernière. Je suis calmée. Non mais là, d'accord, mais là, Marine, Marine est blasée, elle peut plus là. T'as pas envie de te faire piner là? Non, là, ça va. Là, tu vois, je suis un peu. J'ai donné cette nuit, quoi. Là, les organes, ils sont retroussés. Explosés. Ouais. Elle est encore plus grosse que d'habitude. Ah ouais, quand même. Vous voyez, elle est béante, comme une bouche d'égout. Ouais, donc là, j'ai pas trop envie de cul. Ouais, on va faire gaffe de pas être aspiré dedans, quand même. Non, bien sûr, un gouffre. Je vais me tenir à la table. Non, mais fais qu'il est con. Bien sûr, au moins ça.
Alors, je vous avais dit qu'on allait parler de sexe. Cédric, tu as envie de faire quoi, toi? Tiens, parce que je tu ferais quoi, là, Cédric? Ouais, une petite levrette, tu vois, une petite levrette. Bah, avec Romano, les deux. Ça tombe bien, Romano, il veut prendre quelqu'un en levrette, on va te, bah, je vais te, le prendre on va en levrette. Connecter, non, mais, y a pas moyen, là, je pas, finalement, laisse tomber. Ça va pas le faire. Finalement. Tiens, admettons, vous terminez, le monde a explosé, vous êtes les deux survivants, vous êtes tous les deux. Il y a plus d'animaux, parce que je sais ce que va me dire Romano, il va me dire, je me tape un gorille. Mais ouais, quoi, t'es pas un gorille, parce qu'un gorille, j'aurais peur qu'il me patate, tu vois. Ah ouais, tu un petit énorme. Singe. Non, il y a plus d'animaux, il y a plus rien, il y a plus de tronc d'arbre. Il y a plus de tronc d'arbre, il y a rien, il y a que vous. Il y a que vous sur la terre. Ah, je me fous en l'air, moi. Est-ce que non, vous êtes tous les deux, vous n'avez pas le droit de vous foutre en l'air. Non, mais t'as rien pour te foutre en l'air. Bon, en plus t'as rien. Est-ce qu'à un moment vous faites un truc tous les deux ensemble? Bah non. Mais posez-vous la question, tiens, il reste deux. Alors vous êtes hétéro, il reste deux mecs sur terre. Ou il reste, vous êtes hétéro, il reste deux filles sur terre. C'est pas être hétéro, c'est virus. Ça devient un gore, tu vois. Autant avec un mec normalement constitué, bon, on peut imaginer des choses, mais. Et tu, tu craques ou pas? Ah ouais, je craque, je pense que je. Tu te fais sucer, par exemple, le mec il te dit, je peux te sucer, tu te fais sucer. Ah, par Cédric, non, je. Ah non, franchement, le seul truc que je pourrais faire, c'est. L'enculé. Ouais. Mais là, mais tu m'encules pas, comme rien. Non, mais sérieux, c'est sûr que. On est seul, ou alors, je sais pas, ou alors je pense au suicide en me. T'as pas le droit. Ouais, mais je m'en fous, je me tape la tête contre un arbre. Il n'y a plus de mur. Il n'y a pas de mur, en fait. Il n'y a aucun désert. Le monde a été détruit, vous êtes juste seul. Je me tape la gueule sur le sol. T'imagines le dingue? Je mets des coups de boule au sol. Laissez-moi mourir, je vais mourir. Mais tu ferais pas. Non, mais admettons, 4-5 ans, ça ferait pas un truc ensemble. Non. 4-5 ans avec Cédric. Ah, je me branle, gros, je m'en balais. Toi, tu ferais quoi, toi? Ah, je me branle. Non, mais vas-y. Bras pour te branler. Non, mais. Ah, je me branle avec les pieds. T'as plus de bras aussi. Ah, mais ta fin du monde, elle est chelou. C'est la fin de monde horrible. Non, mais pourquoi pas, faut imaginer. T'as un homme tronc, quoi. Non, mais vas-y, mais je t'encule. Moi, je t'encule. Ah, tu fais rien du tout, t'as un fou, toi. Non, mais je te dis, bon, Cédric, à mon âge, Cédric, 4-5 ans. Y a pas de prostituée, pas de maison close. Non, plus rien, Non, mais Cédric, faut faire des efforts, donc je t'encule. Non. Non, mais t'imagines pas l'effort que ça me fait faire. Bah, quoi que tu me dirais que sa petite bite, ça me fera même pas mal. Ah, bah voilà, très bien. Bon, Vas-y, Rochette. Ouais. Mais je suis plus là, moi. Non, mais vas-y, Cédric est ok, je l'encule. Ouais, bien sûr. Allez, hop, ça c'est. Mais je te déglingue derrière. Guigui, t'es dans ce cas de figure, il reste plus que deux hommes sur Terre, et y a rien. Alors attends, qui avec moi? Ah, Cédric, tu vois. Non, prends Romano comme ça. Sammy, tiens, un Marseillais. Ah, Guigui. Ah, Marseillais? Non, on joue au ballon. Non, en fait, il y a que du sable. Je joue au ballon avec du. Allez, pour le délire, ken le Marseillais, bah, bien sûr. Pour le délire, quoi. Non, mais tu penses que tu craquerais? Mais en fait, Samy ou quelqu'un d'autre, il y aurait deux hommes sur Terre, toi et un autre. Est-ce que tu pourrais faire un truc avec lui? Au bout de 4-5 ans, je pense que je craque pas. Mais si tu restes qui comme dit, ça. Si je te suce, par exemple. Mais bah, comme je t'ai dit, au bout de 4-5 ans, je pense que c'est un peu tôt. Mais peut-être qu'au bout de 7-10-15 ans, quand t'as vraiment rien eu du tout. En plus, c'est comme tu dis, Diffoul, t'as les mains coupées, donc. Oui, t'as plus de mains, oui. C'est un peu spécial, mais si on s'imagine vraiment le truc. Avec tes moignons. Ouais, je sais pas. Non, mais tu n'as plus de moignons, tu n'as plus de bras. Non, mais tu sais, t'es manchot. On va dire que t'es manchot. On va dire que c'est pas du tout le même cas, mais il disait qu'à Koh-Lanta, tu sais, en fait, tellement. Parce que là, t'es. Mais c'est ça, je pense ici, à ça. Ouais. Ici, il n'y a plus rien. Tu sais, il faut bien que tu essaies de te nourrir, sinon tu meurs. Donc tu penses pas au cul. Donc après. Mais la bouffe, elle est fournie. Bah, yo, Ah ouais, bon, elle est chelou, t'as fait une raison. Là, il y a les cargaisons qui étaient livrées là, mais. Tu sais, t'as un buffet à la volonté. Ouais, en plus, toi. Ouais, c'est les cargaisons qui. Ouais, il y a des livraisons régulièrement. Ouais, mais il a dit, t'as plus de bras, donc je peux même pas manger. Enfin, je galère. Bon, petite question. Tiens, je vais la poser à Maury, qu'on va retrouver dans un instant. Tu veux nous expliquer pourquoi tu nous appelles. Amaury, bienvenue à toi. T'as 22 ans et t'es à Lille. Salut, Amaury. Ouais, Amaury. Salut. Comment ça va? Salut. Vous m'entendez bien? Ben, oui, ça va bien. Ouais, ça va, je sais plus ce que c'est raconter mon histoire, mais Ah bah tu vas tout nous raconter. Mais une petite question, tu es sur une île déserte, t'es hétéro ou t'es bi, t'es homo, t'es quoi toi, Boris? Bah dis-toi, franchement j'en sais rien. Attends, je peux pas te poser la question, parce que toi tu vas me répondre oui, hein, si t'es avec un homme sur une île déserte, ouais, au moment pas, tu feras ouais. des trucs, si tu sais pas. Bon, donc je te pose pas la question, mais vous pouvez nous dire, allez-y. On va en reparler dans un instant, mais avant ça, attention, Romano, regarde. Ah, putain. J'ai les résultats du clash, j'adore que ça perd d'aller. Non, mais bon, de toute façon, je m'attends à me prendre une branlée, après. Énormément de suspense pour les résultats du clash. Ah, oh, putain. Ah ouais? Ziad, viens voir. Ah là 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 là. Je suis très étonné par les résultats du clash de la drague de ce soir. Moi, si je veux juste pas, c'est me prendre genre un 80-20 ou un truc comme ça, tu vois. C'est les vrais résultats d'aujourd'hui, Ziad. C'est bien les vrais résultats d'aujourd'hui. Oui. Putain. Tu t'es pas trompé de jour. T'as bien compté.
Reste là, toi. Eh, Cédric nous a fait un cash exceptionnel ce soir. Oui, bon, exceptionnel. Attends, grave. Trois coups de fil, trois serrages. Bon, il y a eu le coup de fil de la mort où ça a foiré, mais sinon, sur quatre coups de fil, trois serrages, Cédric, bravo. Le bouffeur de moules. Il est là, il est à ma droite. Ah ouais, je bouffais de la moule, moi. Voilà. Et donc, de l'autre côté, il y a Romano. Et en tout cas, il est sexy, il donne envie. Ouais, grave. Et alors, bah moi, j'ai pas fait grand chose avec mon parfum de tub. Oui. Les résultats du clash sont très serrés ce soir. Attends, pardon, aussi. Non, je t'offrirai pas 1500 euros. Non, mais c'est vrai. Il y a de la thune, c'est bon, quoi. Non, mais ta gueule, putain, mais attends, qu'est-ce qu'il fait, ce Non, mais excusez-moi, c'est l'émotion, l'autre qui fait trois serrages. Il tremble, il appuie sur n'importe quel bouton. C'est clair, mais tu sais, en plus, j'appuie sur le même connard. Mais qu'il y a de la thune. Alors, les résultats du clash de la drague de ce soir. Je peux les filmer tellement c'est exceptionnel. Attends, t'en mal pas parce que je sais pas pourquoi, je suis pas certain là. Vas-y, dis fou l'annonce. Alors, je vais même montrer. Résultats du clash de la drague. Résultats du clash de la drague. Vérifié par Diane plusieurs fois alors. Vérifié, compté, recompté, recompté. Je suis assez surpris. Bon, attends, assez surpris, c'est-à-dire parce que j'aime pas trop ta gueule de con là. Je vais te le dire. C'est ma gueule normale. Je te le dis en toute amitié, j'aime pas trop la tronche que tu fais actuellement. Marie, t'es en train de filmer, mais t'as pas lancé la vidéo. Non, mais moi aussi, ça a bugué, ça, merde. Je suis complètement pété, mais oui, je filme. Vas-y, annonce les résultats du full. Les résultats du clash de la drague. Ouais. C'est les présidentielles. Ouais, je suis pas sur ta vidéo, droit à l'image. Never est hallucinant, parce que Never, tu as les résultats du clash de la drague, et t'es pas dans le studio, a priori. Salut Never. Never, 21 ans, qui nous dit, je suis sûr qu'il va y avoir 55-45. Mais pour qui? 55-45. Arrête, c'est incroyable déjà. Pour Romano ou pour Cédric? Ouais, je fais 45. Franchement, ça va. 45 pour Cédric. Franchement, ça va, je suis content. Ah, ça et va. Et voilà, je gagne. Bon, je m'en fous, je gagne quand même. Putain, Et moi, je m'attendais à 80-20. Je dis ça, mais je sais très bien qu'au fond de lui, Cédric, il est dégoûté. Vas-y, je coupe la vidéo, nique sa mère. C'est très bien, le mec qui pensait faire genre 65. Putain, 60. Ouais, mais comment est-ce possible, Cédric? Bah attends, t'as vu, il y avait plein de votes, je comprends pas. Ah ouais, mais il y avait aussi plein de votes. Bah, Métienne, c'est pas compté. La team de Romano était mobilisée ce soir. Merci, Diane. Merci, ma team. Franchement, je vous ai déçu ce soir. Ce soir, on a limité la casse tous ensemble. Eh bien, je ne vous décevrai plus, mes amours. Je vous aime. Métienne. Allez, sors d'ici. Bouge ta race, va. Non, je pensais faire un gros score. Bon, en tout cas, je remercie ma team, ça me fait super plaisir. C'est quand même léger comme score, l'amigo. Ouais, mais c'est pas grave, c'est une victoire quand même. Non, mais c'est quand même. Juste, le fait d'avoir une victoire, ma team, ça me fait plaisir d'avoir. C'est tellement rare. Je vous embrasse très très fort, putain. C'est quand même pas brillant, là, Bigo. Oui, mais c'est quand même une victoire. Je te dis quand même bravo, Guignolo. Ouais, ben merci. L'amigo Guignolo. Tu termines bien la semaine, Cédric. Mais grave, ça fait plaisir. Tu vas garder ton titre jusqu'à la fin du week-end. Ah, je vous kiffe. Et oui, c'est le clasheur de la soirée. Dans un instant, on aura. Bah tiens, on prendra des nouvelles d'Amaury. Alors, Amaury, et la question que je vous ai posée il y a un instant, vous êtes sur une île déserte, tout ça, etc. Ouais. On va y revenir. Mais également Pamela, avant minuit, justement, beaucoup d'excitation. Cédric, c'est ta soirée ce soir, quand même. Hein. Voilà. Ah ouais, vraiment, une soirée pour toi. Restez bien sur Skyrock. Pamela, les pervers arrivent-elles à se serrer avant la fin de la Radio Libre? Ah oui. Eh bien, on reste tous ensemble. Tous ensemble, comme tous les soirs, 21h minuit, c'est Radio Libre sur Skyrock. Radio Libre, 21h minuit. What the fuck? Seulement sur Skyrock. Vous entendez comme c'est sensuel, ça. Romano. Ouais, non, on va te branler dans ta cave. Cédric. Salut les filles. Marie. Ouais, super idée, quoi. Samy. Tiens, voilà ma bite. Karim. T'es mal haineux. Gigi. Si, si, en vrai, moi, je peux me battre. Sauf si le gars est trop musclé. C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck? Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Eh oui, arrive, t'es la série avant minuit, Pamela arrive. Les pervers aussi, on les a écoutés bientôt ce vendredi. On se fera un petit rappel quand même des pervers qu'on a découvert. Ouais, mais il y a du lourd. Qu'on a découvert sur le répondant de Pamela dans un instant. Mais là, on va prendre Amaury. Amaury avec nous. Et Amaury, toi, t'as 22 ans et t'es à Lille, toi, Amaury, c'est ça? Ouais, c'est ça, nickel. Ouais, et tu veux nous parler d'un date Tinder, toi? Ouais, c'est ça. Un date Tinder qui se passe pas comme prévu. Ah. Vous avez eu des surprises, vous aussi? Vous pouvez nous dire, j'aime bien, moi, quand vous nous racontez un petit peu. Parce qu'en vrai, ce qui est marrant dans les rencontres virtuelles, c'est peut-être pour ça que j'aime pas trop ça, c'est que tu peux avoir des surprises. Alors, parfois, ça peut être des bonnes surprises ou être des mauvaises surprises. Ça dépend. Toi, tu vas nous expliquer, Amaury. Tu restes avec nous, tu bouges pas? Ouais, je suis là. Et est-ce que tu es beau gosse? Il y a Sophia qui nous laisse un message qui est à Lille aussi et qui trouve ta voix charmante, Amaury, dis donc. Ah!
Bah ouais, mais je sais pas si j'aime les hommes ou j'aime les femmes. En fait, c'est ça que je veux expliquer. Ah. Bah je sais pas, enfin, une petite rencontre avec Sophia, tu t'imagines la pauvre Sophia. Bah non, bah, je suis désolé Sophia, mais bon, maintenant qu'on est ensemble, je te dis, je préfère les hommes. C'est marrant de pas savoir si on aime les hommes ou les femmes, parce que quand tu te branles, tu penses à quoi? Bah, en vrai, Ouais, en vrai, on se dit tout, hein, tu peux y aller. Ouais, quand tu te branles, qu'est-ce qui t'excite? Tu vois, ou tu penses à quoi, ou tu regardes quoi? Tu regardes quel style de film? Des films avec des hommes, des films avec des hommes et des femmes, enfin, des films hétéros, bah, des films homo? Les films avec deux hommes et une femme. D'accord, ouais, donc c'est, oui. Ah oui, c'est le bordel. Donc là, là, il y a deux. Quand tu te branles, mais tu sais que t'as pas de support, quoi, vidéo ou un truc, tu penses à quoi? Plus à une relation avec une meuf ou avec un mec? Ben, avec ce qui m'est passé, plus un mec maintenant. Plus un mec. D'accord. Alors, tu vas nous raconter ce qui s'est passé de rencontre Tinder. Imaginez-vous, les gars, faites une petite rencontre Tinder et ça se passe pas vraiment, vraiment comme prévu. Ah, les surprises des réseaux. Les filles aussi, vous pouvez nous dire. Ah, ça marche dans les deux sens. Hein. On en reparle tout de suite, juste après les pervers de Pamela. Ah, tiens, on les a découverts tout à l'heure. Justement. Ils sont là, nos pervers, ce soir. Ah oui. Une voix sensuelle. Ouais. Un physique de rêve. Oui, ça durcit, oui. Elle les fait tous craquer. Ouais, ça monte là, ouais. C'est Pamela sur Skyrock. Oh. Pamela, on a découvert les pervers tout à l'heure, un petit peu plus tôt dans la soirée. On va les retrouver et il faudra les séduire en direct tout à l'heure. Avec plaisir. Régal. Enfin non, tout à l'heure, dans pas longtemps d'ailleurs. Hein. Ouais. Les pervers de Pamela, on a découvert des bons numéros, magnifiques. Hein, il y avait Fabrice. Ah, il y a Fabrice. Allez, Fabrice, salut Fabrice. Bonjour à toutes les femmes qui sont de la Dordogne, à qui la rasoir est bannie de sa trousse de toilette. Voilà, je me présente, je suis Fabrice, 48 ans, je recherche une femme poilue, alors aussi bien la chatte que sous les bras, pour pouvoir lui bouffer la chatte et éventuellement lui faire l'amour par tous les trous. Ça m'excite énormément. Tu peux m'appeler au 07 77 07. On ira boire un verre ensemble, on fera connaissance. Pourquoi pas aller au cinéma? Je te bouffe la chatte au cinéma. Ah, voilà. Et on avisera. Eh ben voilà, c'est super. Donc vous ressemblez à Chewbacca, les filles. Eh ben n'hésitez pas. Ils ont envie. Ah, ça tombe bien, je suis en pleine pousse. Oh, pleine pousse. Ah, pleine pousse pour l'hiver. C'est magnifique. T'es en buisson. Bon, ouais. On verra si on arrive à le joindre tout à l'heure. Fabrice donc fera partie des pervers qu'on essaiera d'appeler ce soir. Ah. On est en train de draguer sur les réseaux en plus. Rêver. On va peut-être trouver des pervers magnifiques sur les réseaux et recevoir quelques petites photos magnifique. Ah, toujours. Toujours. C'est-à-dire que les mecs, on voit plus leur bite sur les réseaux. Ah, ouais, clairement. Que leur visage. J'ai la gueule des bites. Ouais, c'est vrai. Ah, bah, les bites, on l'a vu dans tout le. Ah, tous les styles. T'as de tout. Hein. Ah, elle est bien dégueu. On se rend compte qu'il y a autant de différences de bites que de visage. De gueule. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, j'ai gardé toutes les photos. C'est bien, Cédric. Ah, c'est cool. Voilà, je les ai toutes mises chez moi. Tu vas pouvoir. T'inquiète. J'ai tout en stock. Non, t'inquiète pas, c'est bien sûr. Vous savez que je les ai mis dans ma chambre. Ah, bah, ouais, voilà. Ça doit être joli. Puis j'ai fait un classeur aussi. Ah, ouais, c'est grave. Ouais. C'est mignon, tiens. Bon, on avait qui encore de Francis aussi. Particulièrement séduisant. Francis. Ah, bon, Francis. Francis, 50-50, toujours passif. Cherchant plus un fortement ombré, très brutal. J'avais le superbe lapis. Mon téléphone 03. Passif. Je suis dans la barbe. J'aime la brutalité contre mon cul. Voilà, la brutalité contre son cul. Ouais. Quand on mange cul, Ah pardon, excuse-moi, j'ai compris contre mon cul. Donc, en gros, on est à peu près à la même chose. Ouais, c'est ça. Bon, le mec, en fait, il sert de chiotte, quoi. C'est ça. Du riz noir. Oui. Et de spermoire. Ouais, c'est bien. Et du coup, il est pratique. C'est un spectacle. Du riz noir et spermoire. Bon, il y en a un qu'on n'avait pas écouté là tout à l'heure, c'est qui? Ah, c'est lui. Vas-y. Bonsoir, bien monté, très excité, j'attends une cochonne par l'amour au téléphone 06 25 69. C'est Cédric. Oh, Cédric. Oh là, voilà. Tu veux le récupérer au téléphone? Oh, j'ai envie d'être une cochonne. Pas du tout, non. Et Bernard aussi, elle en finit avec Bernard. Ah, Bernard. Ah, c'est mon mec. Ah, putain. Mon mec Bernard. Ça s'appelle Bernard. Marie est sur les prisons jeunes en ce moment. Bernard. Bonjour, c'est Bernard. J'adore porter des collantes. Vous pouvez me contacter au 07 57. Est-ce que quelqu'un veut le contacter? C'est Cédric. Non, je te jure, ça va aller. Décidément, bah, allez, je te le laisse, Cédric, je suis d'une heure très chaude. Ouais. Bon, Pamela arrive avec les pervers là dans un instant. Ouais. Les pervers de Pamela, va-t-elle réussir à séduire avant la fin de la radio libre? Ne bougez pas. Et là, ne bougez pas, t'as pas bougé d'ailleurs, c'est Amaury. Donc Amaury au téléphone avec nous. Ouais. Donc toi, Amaury, t'as 22 ans, c'est ça? Ouais, c'est sûr. Alors, parle bien dans ton téléphone quand t'entends bien, Amaury. Ok, tu m'entends bien là? Nickel, tu bouges c'est plus. C'est mieux. Alors tu bouges plus. Si, okay. tu vas pouvoir nous raconter qu'est-ce qui t'est arrivé. Donc un date Tinder un peu spécial.
Ouais, un peu spécial. Même le fait d'en parler, genre, ça me fait du bien, mais ça me fait bizarre aussi. C'est souvent on dit que quand on a un problème, il vaut mieux en parler, alors avoir quelqu'un à qui en parler. Ça fait du bien, ouais, parce que ça te libère d'un poids. Ouais, ça te libère d'un poids, et aussi, enfin, le fait d'en parler, ouais, ça fait du bien, quoi. Bon, alors vas-y, fais-toi du bien. Du coup, absolument. Du coup, en fait, je m'étais inscrit sur Tinder et tout, et j'avais rencontré une fille. Et la fille, du coup, en fait, ben, je la match et tout, etc. Voilà, je vois ses photos et tout, je vois elle me plaît et tout. Donc, pour répondre à la question que tu te posais tout à l'heure, si tu préfères les garçons ou les filles, quand tu vas sur Tinder, c'est plus pour draguer des filles. Ouais, déjà. Ah, ouais. En vrai, ouais. Bon, mais alors, t'as matché, ouais, avec cette... Donc, avec quand je vais te raconter mon histoire, tu vas comprendre. Ouais. Du coup, ben voilà, je commence à la matcher et tout, etc. On se parle, etc. Voilà, quel âge elle a, etc. Voilà. Et au début, ouais, tout classique voilà. Genre ce qu'elle fait dans la vie, etc. Enfin bref. Et en fait, à chaque fois, je lui demandais, ben, pour qu'on se voit en dehors, etc. À chaque fois, elle me refusait, elle me recalait à chaque fois. Donc, bon, à un moment, j'étais, bon, voilà. T'as mis combien de temps à la série? Bah, j'ai mis un mois quand même. Et ah ouais, au bout du deuxième mois, quand même. Et au bout du deuxième mois, on a commencé à se voir. Ok. Donc c'était un peu long. Donc j'ai quand même tenu l'affaire, etc. Et vous voulez faire genre, je suis pas une fille facile. Parfois les filles, vous faites ça là. Bah ouais, pas un homme facile, quoi. Ouais. Et moi, ça m'a tiré, quoi, et ça me donnait envie de rester. Donc c'est ça qui a fait que, bah voilà, je suis resté jusqu'au bout. Et donc et au bout de deux mois, elle m'envoie un message du jour au lendemain comme ça, elle m'a dit bah viens, on se voit ce soir. Du coup, bah moi content. Là, tu devais être content. Ouais. Comment là j'étais bien. Ah, tu m'étonnes. Tu bandes. Ah ouais, là tu te dis. Tu bandes. Deux mois, c'est bon. Deux mois que t'attends. Ouais, j'étais à fond, quoi. J'étais à fond. Du coup, bah première fois je la vois et tout, etc. Du coup, je vais la chercher et tout, je vais la chercher chez elle. Du coup, je vais la chercher en bas de chez elle et tout. Et au moment où je la vois, c'est vraiment, pour moi, c'est une femme. Enfin, il n'y avait rien à voir avec ce que j'ai vu. Elle est encore plus belle que ça, c'est rare, ça. Parce que si elle est encore plus belle que sur les photos. Ouais, c'est ça. Parce qu'en général, tu prends la plus belle photo que tu as de toi. Ouais. Non, mais c'est vrai. Puis des fois, tu rajoutes quelques filtres. C'est très mettant. Tu rajoutes deux, trois filtres comme ça. Au moins, ouais. Et ouais, donc ça, c'est plutôt bien, donc. Putain, moi je pensais que l'histoire elle s'était mal passée, dis donc. Là pour l'instant c'est une histoire de rêve. Regarde Guigui, bande. Non, pour l'instant tout va bien. Bon après, attends. Pour l'instant tout va bien. Donc voilà. Du coup, on va au restaurant, etc. Nickel et tout, bon feeling et tout. Du coup j'étais bien et tout, nickel et tout. Je voyais que la soirée elle se passait super bien et tout, nickel. Et on rentre vers 23h30 et tout. Et on est dans la voiture, elle commence à me chauffer et tout. Et en fait elle commence à me toucher la jambe et tout. Donc du coup bah moi je suis bien et tout. Tu vois, je commence à bander et tout, etc. Voilà, normal, quoi. Ouais. Et du coup, à un moment, on est en bas de chez elle. Elle me dit, ben, reste pas dans ta voiture, monte. Ah putain, elle t'invite à la maison, en plus. Ouais, du coup, là, je débloque. Tu vois, je débloque. Et donc, ouais, on monte et tout. Là, je dis, ça y est, ma soirée, elle est refait, tout, nickel. J'ai réussi à la serrer, c'est bon. Et je me dis, vas-y, pourquoi pas continuer. Ouais, c'est vrai que là, ça sent quand même très, très bon. Quand la meuf est dit moment, en, ouais. En gros, on prend la dernière. Ah, ça sent bon. Ça sent bon là. C'est bizarre, ça pue la défaite. Ça pue la merde. Ça pue la défaite à un jeu. Non, mais bon, c'était le fameux dernier verre, comme on dit, quoi. Tellement long. Bah oui, ça, il est long. Ouais, c'est vrai que là, pour l'instant, tout se passe bien. Alors, tu montes. Elle avait un petit appart et tout, nickel, propre, soigné et tout. Je voyais, je faisais attention à tout, etc. Je fais putain quand même, ouais. Et on va dans la chambre et tout. On s'allonge et tout, on se chauffe et tout un petit peu. Et moi je vais commencer à lui toucher les seins. Et c'était des faux seins, mais tu sens déjà que c'est refait ou quoi. Genre, je sais pas, tu sens déjà que c'était assez spécial, quoi. Il y a beaucoup de femmes qui se sont fait refaire des seins. Ouais, beaucoup. Ouais. Dans la télé-réalité, toutes. Mais dans la vie normale, pas mal aussi, c'est vrai. Même. Et là, à un moment, elle commence à se lever d'un coup. Et elle me dit, attends, reste là, je vais dans la salle de bain. La salle de bain était dans la chambre. Du coup, elle va dans la salle de bain. Et là. Et au moment où elle sort, je vois quoi, elle a un sgeg. Là, je débloque, je commence à péter un câble.
j'ai des blocs. Ah oui. Ah oui. Ah oui, alors ça se passe bien jusqu'au moment de la salle de bain, en fait. Voilà, c'est le meilleur moment. Ah bah, tu vois, c'est voilà. Soirée de rêve. Soirée de rêve. En plus, elle a un zgeg. Voilà, le rêve devient réalité. Ah, ça t'aime ça. C'est vrai que t'aurais même pu tomber sur elle en train de pisser debout, tu sais. De dos, tu te dis, mais qui c'est le fait? Mettez-vous à la place d'Amaury. Vous êtes bien, bien chaud. Vous êtes bien chauffé. La meuf, elle est mignonne. Alors, comment vous êtes rendu compte qu'elle avait une bite? Mais c'était vraiment une bite. C'était pas un clitoris géant. On a déjà eu des clitoris géants dans, dans l'équipe. Non, dans le. Marie, peut-être, non. Non, moi, je n'ai pas ça. Non, c'était une chatte géante. Non, mais c'est vrai, on avait une auditrice qui avait eu un clitoris de 7 cm, je crois, non? Un truc, bah, il traînait dans la culotte. Un truc énorme. Ouais, mais il fait 7, hein, je crois. Ouais, ah, ouais, c'était un truc énorme. Donc, on a déjà eu, dans témoignage, clitoris géant dans l'émission. Ouais, exactement. Mais là, c'était vraiment une bite, en fait. Il y avait les couilles en dessous. Bah ouais, c'était vraiment un gag. Elle est couillante. Alors, vous en êtes là, comment vous réagissez? Qui va sur Tinder, Guigui, tiens? Moi, je peux pas, moi, sur Tinder, je suis radié. Oui, mais bon, Badou, allez. Ouais, Ah, tu te poses la question quand même, Guigui. Non, bah écoute, bah, je serais curieux, on va dire. C'est bon, j'ai la réponse. Là, non, mais bon. T'as la réponse. Ah, bah, non, tu niques avec, voilà. Dis. Non, mais pas sûr encore. Pas sûr, mais je sais pas, effectivement, après, si je vois que je me dis, bon, il y a peut-être une bite. Il bah, y a pas peut-être une bite, t'as déjà quitté la mettre dans la bouche, pour être sûr ou, Non, mais à un moment donné, il y a une bite qui pente, tu sais, il y a des couilles. Ça se voit. Je sais pas, mais en fait, je crois que j'y croirais même pas, tu vois. Genre, mais si, mais tu le vois, Guigui, t'as pas besoin d'y croire. Je te dis, Guigui, il faut qu'il se la prenne dans la bouche ou dans le cul. Non, arrête. Ah oui, en effet, je la prends dans le cul, ça me fait mal, c'est une bite. Romano, comment tu réagirais, toi? Ah, moi, je me lève, je dis, bon, bah, écoute. Ah, tu serais cassé, toi. C'est pas sympa, elle t'invite chez elle et tout. Non, non, mais j'ai pas envie de me taper une fille à bite. Bah pourquoi? Parce que c'est pas bon truc. Alors, est-ce que t'as déjà essayé? Non, non, mais j'ai pas envie d'essayer. Eh ben voilà, t'as jamais essayé, comment tu peux dire ça? Ouais, bah, à ce moment-là, j'ai jamais bouffé ma merde, mais j'ai pas envie de la bouffer non plus. Oh, là, t'as tort. Ah bon? T'as tort. Ah, ouais. Le caca, c'est bon. Ouais. Non, mais je m'embrouille pas avec, tu vois. Mais ouais, tu te casses quoi, non? Ouais, je lui dis, ouais, écoute, voilà, je crois que c'est prévu, tu vois. Je crois qu'il y a tromperie sur la marchandise, comme on dit. Non, mais t'es bien chaud, tu bandes depuis la voiture. Ouais, mais Samy, alors. Je tombe de haut, tu hallucines, je pars en courant. Non, mais moi, je déborde, hein. Moi, je déborde cash. Direct, je déborde, ah oui. Et je me retiens, tu vois, je me retiens. Moi, très honnêtement, je me retiens de pas m'embrouiller avec en lui disant, ouais, t'aurais pu me le dire, tu vois. Ah, que t'as une bite? Non, mais genre, tu m'as baisé la gueule. Non, mais elle voulait te faire une surprise. Là, pour moi. C'est une surprise, c'est une surprise. Non, c'est vrai que tu préviens, ouais. Non, mais alors, je considère qu'elle essaie de me baiser la gueule, tu vois. Quelle intolérance, Romano, nous dit Mickaël. Ah, mais complètement. Bah, en même temps, t'as eu ton explication pour que tu l'as pas vu. Et non, Bruce Wayne, j'ai jamais essayé. Non, mais bon, Non, mais moi, je suis comme Romano, j'ai l'impression d'être trompé. Bah, il y a trompé. Non, mais tu vois, peut-être sur le moment, je lui dis rien, mais intérieurement, je me dis, ouais, quoi, salope ou connard, parce que bon, en fait, ça, c'est pas trop ça, mec. Ouais. Tu vois, il y a Arms qui nous dit une fois que t'es là, bah, c'est le moment d'essayer. En bah, vrai. Non, l'occasion fait le larron. Bah, après, chacun son truc. Hein. Ah, si t'as envie d'essayer, bah, c'est l'occasion. Non, mais moi, je t'avais pas demandé, excuse-moi. Ouais. Moi, je pense que je bloque. Je pense que je me lève direct. J'ai un réflexe, en fait. Je suis sur le lit, je pense que déjà la bite, elle redescend. Ah, tu te rhabilles cash. En une seconde. Ah, ouais, c'est automatique. Ah, je me lève, je fais, ouais, c'est pas ton truc. Je crois que c'est pas. C'est pas mon délire, hein. Merci, au revoir. Bonne question de Charles qui nous demande, mais elle bandait, il ou elle d'ailleurs, il nous dit, elle bandait ou pas? Amaury. Amo. Ah merde. Ah merde, il est où? Amaury! Allô. Ah, ça y est, de nouveau. Ouais, je suis là. Elle parle bien dans ton téléphone encore. Oui. Elle bandait, oui, il bandait ou pas? Et donc, au moment où elle sort de la salle de bain, je m'aperçois qu'elle bande, du coup. Ah, elle bande. Ah, bah, voilà. Elle est partie tout de suite dans la salle. C'est marrant de dire elle bande. Ouais, c'est elle bande. C'est spécial. Mais c'est ça? C'est ça, oui. Pour ça. Et donc, au moment où je vois ça, je commence à débloquer, du coup, je commence à m'énerver. Je fais quoi? T'es un mec et tout, je débloque et tout, je commence à péter un câble, quoi. Ah, donc tu réagis comme Romano aurait réagi, lui. Je me barre, oui. Ah ouais, c'est normal. Je me barre, du coup, je descends. Du coup, là, cette histoire, elle date d'il y a une semaine, même pas. Hein. Mm-hmm. Franchement, quand je vous parle de ça, il y a une semaine de décalage entre cette histoire et là. Et au jour d'aujourd'hui, je me demande si j'aurais pas dû tester. Parce qu'en vrai, là, je sais pas quoi faire, en fait. Mais est-ce que tu t'es rebranlé en pensant à cette histoire, par exemple? En fait, ça me fait... je bandais, quoi. Ah ouais, ah ouais, ça travaille. Ah, donc ça travaille. Quelque part, ça t'a excité. Ça me travaillait quand même, cette histoire. Mais il y a des mecs hein, qui des mecs qui non, mais après il y en a qui t'en rends pas compte, qui sont tapés plein de meufs et puis parfois ça... Allô? Oui, on est là. On est là. Je disais, il y a des mecs qui sont tapés plein de meufs, on en a eu dans l'émission, hein, qui
c'est, d'ailleurs, on en a régulièrement un dans l'émission tous les soirs. Je ne dirai pas son nom, bien sûr. C'est Cédric. Bien sûr. Mais qui se sont tapés plein de meufs et puis qui se tapent aussi de manière aléatoire comme ça des non mais pourquoi pas hein, des meufs habitent ou des mecs carrément mais là on est plus sur là on est plus sur les meufs habitent. C'est une question d'envie hein. C'est quoi, c'est transsexuel, c'est quoi ça? Trans. Parce que les seins les seins étaient opérés, c'était mis des seins quoi. Quand je pense à cette histoire, ça me donne envie, enfin je sais pas. J'ai une envie. Ouais, pourquoi t'es pas resté? Non mais sur le coup, c'est normal. Sur le coup, il était choqué. Bah en fait, quand tu vois ça, rappelle là la meuf. Ouais, t'es surpris sur le coup, ouais. Rappelle-la, tu dis ouais, bah, écoute, sur le moment ça m'a un peu surpris, mais là je sais plus qui c'était, il y avait une fille, c'est vrai, hein, c'est pas con ce qu'elle dit de que la meuf, là elle devrait faire attention, tu sais, si, parce qu'en fait, t'es la première réaction que tu peux avoir. Ah, elle peut se prendre un pas, oui, il y a un mec qui peut être violent. Non mais, ouais, non, mais c'est ça qu'elle disait, c'est Miss, je crois. Bonjour, j'arrive pas à remonter dans le bordel là. Et oui, vous envoyez trop de messages, c'est comme ça. Bon, le truc marche très bien une fois de plus. Bon, en tout cas, je crois que c'est Miss. C'est Miss 31, ouais. Voilà. Et elle disait, ouais, parce que... Tu vois, il y a Tom Tom, il dit, moi je lui casse la gueule. Pas de violence, non, Tom Tom. Mais ouais, parce que je pense que j'étais clair sur mon profil. Je suis hétéro. Attends, ouais, tu te sens trompé, quoi. Non, mais tu sens que tu t'es fait baiser la gueule. Ouais. Moi, c'est ça, dans le sens où je disais, ouais. Non, il l'a pas sucé. Non mais baiser la gueule, tu t'es fait avoir. Hein, ouais. Et le message de Miss, c'est même hyper dangereux pour le mec de mentir. Tu sais pas sur qui tu peux tomber. C'est vrai. Non mais c'est ça. Mais non mais un mec, il le prend super mal. Ouais, bien sûr. Il la marque. Quoi. Ah bien possible. Hein. Ah bien sûr. Dangereux. Voilà, je suis d'accord. Alors qui a déjà essayé? Si vous avez déjà essayé, vous nous faites signe. Ah non jamais. Moi je sais que. Moi non plus. Je pense que. Ah, ça bon, on dit jamais, mais. Il faut jamais dire Fontaine. Je ne boirai pas de ton eau. Ouais, mais moi c'est quasiment sûr. Comment dire Bourgogne? Moi un mec à poil, ça me dégoûte, tu vois. Un mec à poil? Bon, moi ça me dégoûte pas moi. Ah bah moi c'est non mais ça me dégoûte dans le sens où sexuellement ça m'attire pas. Non, on parle d'un mec à poil devant toi qui a envie de te ken. Ah oui, donc là c'est pas pareil. Ah bah oui, c'est la même chose. Non, mais devant un mec à poil, mon fou. Ah non, mais je m'en bats les couilles. Mais un mec qui bande devant moi, ouais, c'est la question. Ouais, ça me dégoûte. Par exemple, là tu sens que Guigui bande parce que l'histoire d'Amoré elle a beaucoup excité. Non mais exactement. Ça te dérange? Ça me dérange, il est à côté de moi et. Bah oui, c'est pour ça que si je me rapproche un peu là. Non mais il est calme. Non mais t'es habillé, tu vois. Je sais pas si je me mets nu là. Ouais, mais c'est sûr. Mets nu si t'as envie de faire le saut de l'ange du balcon. Ah moi si tu te mets nu. Amaury, on va rester sur ton histoire là. Et pour revenir à ton histoire, et plutôt à ta vie sexuelle d'avant, Amaury, t'as déjà fait des trucs avec des garçons ou pas? Bon non, qu'avec des femmes, c'est tout. Qu'avec des femmes. Ouais, donc là tu te poses la question sur ta sexualité. C'est pour ça que au début tu nous disais ouais, je sais pas trop, je suis homo. Bah, franchement, Amaury, pour l'instant t'es hétéro, parce que t'as jamais rien fait avec un garçon. Elle avait le corps de femme avec une bite et du coup ça m'excitait un peu. Mais pourquoi tu le rappelles pas? Bah oui. Ah ouais, ça t'attire. Tu peux lui dire, bah, ouais. Ça t'attire, vas-y. De toute façon, vous serez que deux. Quand vous le ferez, personne sera au courant. Hein. Ouais, exactement. Voilà. Après, non, mais puis tu peux lui dire, écoute, j'ai mal réagi, moi, parce que tu m'avais pas prévenu. Non, mais t'es pas obligé de te la prendre. Tu peux la sucer ou je sais pas ce que vous pouvez faire. Ensemble. Même moi, je me dis pas, je vais sucer. Mais t'as envie de faire quoi avec? T'as envie qu'elle te suce et t'as envie de la pénétrer? Ouais, c'est ça en fait. Ouais, en fait, t'as envie de faire l'homme, fait de faire l'homme. T'es curieux. Comme dans une relation garçon-fille, quoi. Ouais, et d'être le garçon. Et le fait, en fait, qu'elle avait des gros seins et tout, etc. Le corps de femme avec une bite, bah, je sais pas, ça m'excite. Bah, tu peux baiser avec. Quoi, je veux dire, tu fais l'amour avec elle, c'est toi qui. Moi, je serais toi, j'irais, amour. C'est toi qui es actif, si t'as envie. Bah écoute, bah franchement, en plus, demande-lui quand même avant parce qu'elle peut te faire une autre surprise. Elle va te dire, non, je suis uniquement active. Je suis active, j'ai ton cul et tu me suces. Ouais, ça peut arriver aussi. Ouais. Moi, j'ai jamais fait l'anal. Moi, je sais pas comment. Ah bah là t'auras pas le choix là de toute façon. Ah bah de toute façon là tu risques pas de te tromper pas de trop. Tu veux baiser, bon t'as la bouche et le trou du cul. Ah hein, bah ça c'est clair. C'est assez limité là. C'est a priori elle est opérée d'en haut mais pas d'en bas vu qu'il y avait encore les bijoux de famille. Bah, peut-être qu'elle veut tout garder. Hein. Ah peut-être ouais. Peut-être qu'elle est heureuse comme ça. Ah bah avec sa bite et puis c'est ça. Mais c'est fou que t'aies pas cramé son visage, genre tu t'es pas dit ouais elle a quelques traits, il y a un truc. Franchement, après, je n'ai pas posé de questions et tout, etc. Je me dis qu'elle a fait autant d'opérations et tout pour faire voilà ce qu'il faut et tout pour le visage. Mais franchement, les lèvres... Putain, c'est fou, tout. Ça. Ah, okay, non, mais ça veut rien dire parce que, tu sais, il y a des mecs... regarde Bilal Hassani. Tu sais pas que c'est un mec, quand il est maquillé, compagnie, il a une tu vois, il fait quand même féminin. Ouais, il est très... Ouais. Ouais, enfin, moi, j'ai vu avec de la barbe, Bilal Hassani. Non, c'est comme si t'as vu...
Ah, c'est Conchita. C'est lui qui avait fait l'Eurovision, là. Excuse-moi. Non, mais non, ouais, mais Bilal Hassani. Non, monsieur, évidemment, bon, ici, le mec, je sais pas, Bilal Hassani. Si c'est pas rasé trois jours, ça doit faire bizarre. Ouais, mais en général, tu vois, il est, quand ouais, tu le vois rasé de près, là, et que tu le vois habillé en femme. Ouais, il est très fin. Et il peut fin. Passer pour une femme. Ah, ouais, clairement. Bonsoir, Paris. Voilà, c'est Il y a Adrien qui voulait témoigner, là. Adrien en direct de Paris. Dites-nous, hein, si vous avez déjà, si vous avez déjà testé, là. Tu bouges pas, Maurice, reste là. Adrien, okay. T'as 27 ans, salut à toi Adrien, bienvenue sur Skyrock. Salut l'équipe, bonsoir l'équipe. Salut à toi. Salut. Alors, t'as entendu la petite histoire d'Amaury, tu voulais dire quoi, t'as déjà essayé toi? Alors, je n'ai pas essayé, mais bon, après, si c'est vraiment un vrai trans, je serais choqué, certes, parce que c'est choquant. Parce que tu t'y attendais pas, oui. C'est choquant. Ouais, voilà, c'est une surprise. Mais je pense que je tente et je lui fais du sale, quoi. Ah, tu ferais des trucs quand même. Mais toi, t'es chaud aussi, alors. Je fais du sale. Ouais, tu te dis, c'est l'occasion, qui, allez, comme on disait, qui fait le lalon. Faut pas mourir, con. Il y en a qui préfèrent mourir con, quand même. Ouais, ouais, c'est clair. C'est ouais. Pas être con de pas tester. Mais t'as déjà eu des envies comme ça? Tu t'es déjà branlé sur des, je sais pas, sur des films, par exemple, sur des vidéos de cul où il y a des trans? Oui, avec ma femme, oui. Ah, tu regardes ça avec ta femme? Déjà regardé, Ah, c'est marrant de regarder ça avec sa femme. C'est bien, vous êtes ouverts tous les deux, moi. Ta femme, elle voudrait baiser avec aussi, elle? On en a jamais parlé, mais on est tombé sur des vidéos de cul, rapport avec des trans et tout ça, et ça nous a excité, et puis voilà, quoi. Ah ouais, c'est marrant, ça. Et si ta femme te dit un jour, bah, on fait venir un trans et on se fait un plan à trois? Moi, je dis pas non, hein. D'accord, Adrien. Non, mais c'est bien, en tout cas, d'être ouvert comme ça en couple. Parce que c'est pas forcément le genre de truc que tu dis quand t'es en couple. Ah non, mais c'est clair. Et puis, il faut que ta femme soit excitée par des mecs, tu vois. Marie, ça t'exciterait, ça? Ah non, pas du tout, moi. Bah, avec ton mec, il y aurait ton mec, il se fera enculer devant toi, et toi, tu seras baisé par ton mec. Tiens, la queue leu-leu, comme ça. Pam, pam, pam. Non, mais vraiment pas. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi, ça m'exciterait. Non. Non, mais bon, c'est, ouais, c'est une question d'envie aussi, hein. Oui, voilà, c'est ça. Mais moi, je pense qu'Amaury, tel que tu nous en as parlé, t'en as envie, donc moi, j'essaierai si t'as envie d'un. Ah oui, non, c'est clair. La vie est trop courte pour se priver. Moi, franchement, à ta place, je rappellerai la meuf, là. Tu lui dirais non, quoi? Tante. Non, je lui dirais, écoute, j'ai mal réagi, mais en même temps, tu m'as pas. Vas-y, on peut se revoir. Tu m'as pas prévenu, tu peux comprendre que ça me surprenne. C'est ça. Depuis le début de la soirée, moi, je pensais que t'étais une meuf, tu reviens à poil, t'as une bite. Oui, donc excuse-moi pour ma réaction, mais ça m'intéresse. Ouais, voilà, tu vois, bah, en même temps, ta réaction, elle est humaine aussi. T'as son numéro, enfin, le moyen de Ouais, j'ai toujours un moyen de la contacter, ouais. Bon. Le joindre, ouais. Bon, moi, j'irai. Donc, toi, t'irais aussi, Adrien. Romano, t'irais. Quoi, j'irais. Si j'étais toi. Oui, c'est ça, oui. Bah, ouais, moi aussi, c'est, je précise aussi. Quand même, une petite précision qui, Guigui, t'irais, bah, Guigui, oui, de toute façon, non, mais moi, je parle pour Amaury, oui, non, moi. Non, bah, déjà, même tout à l'heure. Toi, tu vas même Guigui. Non, moi, j'irais pas, mais même pour Amaury, ouais. Famille, elle, mais assume, tout à l'heure, t'as dit. Amaury, à ta place, moi, j'irais pas du tout. T'as l'air d'avoir des regrets, donc fonce, t'es. Bah oui, fonce. Ouais, tente. Pas de problème. Je demande pas à Cédric, parce que Cédric est parti aux toilettes. Ouais, c'est pas trop excité. Oh là, c'est trop pour moi, là. Ouais, c'est vrai. Oh, une femme habite, oui. Il est parti, la main sur le zob. Oh, soirée de rêve. Oh là, j'ai le zob qui coule. Oh là, qui coule tout jaune. Oh, dégueulasse. Oh, putain. Donc, je demande pas à Cédric, mais bon. Oui, Adrien. C'est Amaury. Ouais, Amaury. Oui, Amaury. Oui, Amaury. Ah, Amaury, tu dis allô quand on parle et quand on se demande de parler, tu parles plus. Mais je crois qu'il y a une merde au téléphone. Bah ouais, j'entends des bons. Non, mais Amaury, vas-y, hein, on est tous d'accord. Marie, t'irais aussi, toi? Ouais, bah oui. Ah, fonce, t'as envie. Si tu poses des questions, voilà. Franchement, moi, j'irais. Ah, fonce, ouais. Ah, Cédric, t'es revenu. Ouais, je t'ai pissé, ouais. Bien sûr, oui. Ouais, moi aussi, ouais. Ouais, moi aussi, bah, je suis en train de pisser, là, tiens. Tiens, il y a Anna qui est au téléphone avec nous. Salut, Anna. Salut. Salut, Anna. Tu voulais nous donner ton avis, toi, Anna, sur cette histoire. Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Bah, en fait, je disais juste, je sais pas qui c'est que j'ai eu au standard. Voilà, je suivais quelques femmes trans sur les réseaux et il y en a pas mal qui disent qu'en fait elles attendent d'être au fait accompli avant de dévoiler leur sexe. Mais moi je trouve qu'elles font pas bien, elles devraient le dire avant. Ouais, c'est un peu, tu sais, du baiser. Ah, peut-être parce qu'elles se font recaler avant, non? Alors que quand les mecs sont sur le fait accompli, parfois ils craquent. C'est peut-être pour ça qu'elles le font. C'est ça. Ouais. Ça passe, ça casse. Ah, d'accord. Il y en a pas qui se sont fait agresser par un mec qui était vénère. Ouais. Très, très surpris par. Et pas content. Voilà, oh, pas content. Bah si, bien sûr, mais après, c'est le risque, on va dire. Ah ouais, c'est un risqué, peu délicat quand même, quand t'as une apparence de femme, quand t'as tout d'une femme, et mais que t'as encore tes attributs sexuels hommes, c'est un peu spécial, quoi. Et il y a beaucoup de mecs qui craquent, qui sont pas venus là pour ça, qui sont venus pour faire l'amour avec une fille, mais qui, devant le fait accompli, craquent.
Faudrait leur demander personnellement, mais d'après ce que j'ai pu voir, oui. Ah, il y a beaucoup de mecs qui y vont. D'après ce que j'ai pu... D'après ce que j'ai pu voir, ouais. Ah, donc tu vois, Guigui, tu te sens moins seul et ça fait plaisir. Ouais, c'est ça, ouais, bien sûr. Amaury, pareil, tu te sens moins seul. Donc tiens-nous au courant, Amaury, hein, de la suite de l'histoire. Okay. Quoi? Ah ouais, si tu vas, viens, nous raconter. J'avais une question. Adrien, là, celui qui a appelé juste avant par rapport à mon histoire. Ouais, il est là, Adrien. Après, j'ai vu que c'était un mec chou et tout, etc. Donc s'il n'y a pas de soucis, on peut voir, quoi. Ah, tu voudrais avoir le contact avec lui aussi? Ah, ça t'est chaud, dis-moi, Amaury. Ouais, ça y est, Amaury, là. C'est... Donc, Adrien, tu vas te retrouver avec monsieur, madame Trans, là, dont on parlait il y a un instant. C'est ça. Et puis avec Amaury. Ouais, Amaury, je sens chaud, donc vas-y, et puis tiens au courant de la suite. Ouais, t'es curieux, donc. De la vas-y, suite de l'histoire. Ouais. Merci, Anna, en tout cas, du petit coup de fil. On te fait un gros bisou et on t'envoie ton t-shirt Skyrock à Nancy. Bisous. Adrien, on te fait des bisous aussi. T'embrasses ta femme. Il n'y a pas de souci, je l'ai fait. Amaury, vas-y, tente-y, n'aie pas peur. Après, si ça va te dégoûter, c'est que t'aimes pas les hommes et t'aimes les femmes, quoi. Vas-y, hein. Bon, ok. Mais là, on est sur une femme qui a un zizi. Donc, c'est... C'est un homme avec une apparence... Enfin, bon. Et en tout cas, Amaury, on prendra des nouvelles. Merci, on t'envoie ton... Salut, Amaury. On t'envoie un très beau sac à dos. Et très beau bronzage, également. Et on t'envoie ton t-shirt Skyrock, Adrien. Et même chose pour toi, Amaury. Merci à vous pour le coup de fil. Et là, attention, c'est l'heure d'en trouver Pamela. Mais on y va. L'heure de serrer les pervers. Les pervers qu'on a récupérés. Sors tes habits de cuir, ton fouet, Pamela. Elle est sexy. C'est maîtresse Pamela, ça fait. J'ai très bien. Très très belle photo. Ah, Cédric, montre-moi ton cul. Ouais, monsieur. Ça va aller, ouais. Ça, c'est sexy. Ça va pas, non. Ouais, parle bien. Ah, ouais, t'es vilaine. Ah, dis-le que t'es vilaine. Oh, ouais, je suis vilaine. C'est ça. Très vilaine. Oh, wesh, grosse vilaine. La vilaine. Alors, on a reçu de très très belles photos. Alors, on a un Patrice, là, celui qu'on va appeler. Patrice, le premier. Est insoumis, il veut que tu mettes à l'amende. Il est soumis, il veut que tu le mettes à l'amende. Avec plaisir. Alors, si ça peut le rendre heureux, je le ferai avec plaisir. Alors, va-t-elle réussir à serrer? C'est la question que vous vous posez, qu'on se pose tous et toutes là ce soir. Ouais. C'est l'heure donc de passer un coup de fil à Patrice. Allez, on va chez Patrice. Attends, coupe, j'ai son message, on l'a pas écouté. Attends, on le rappelle. On écoute le message. Oui, en mode maîtresse. Ouais. Le message de Patrice, c'est lui. Homme soumis recherche femme dominatrice très très pervers. Très belle voix. Au 01 48 21. Et vous. Je reçois même toute la nuit. Toute la nuit. Annonce réelle et très sérieuse. Elle est ultra chouette. Voilà, très réelle et très sérieuse. Voilà, on peut le rappeler là. Allez, maintenant. C'est parti. Allez, on y va chez Patrice. Ah, il faut séduire Patrice. Attention. Bonne chance, maîtresse Pamela. Ouais, maîtresse. Non. Oui, bonsoir Patrice, c'est maîtresse Pamela l'appareil. Bonsoir maîtresse. Comment vas-tu? Très bien. Très bien, que fais-tu? Rien. Tu es nu? Non. Tu es habillé comment? Je suis en pyjama. En pyjama? Peux-tu enlever le bas de ton pyjama? Ok, j'enlève. Merci. C'est fait. Enlève le haut du pyjama. C'est fait. Je veux que tu danses maintenant. Je danse. Danse. Encore. Peux-tu te mettre une main sur le sexe? Oui. Il est comment? Bien dur. Sens ta main. Je sens ma main. Elle sent quoi? Ben, pipi. Oh le bas normal, ouais, c'est normal. Bah, le pop it up quoi. Moi je m'attendais pas à ça. Ah, il va tuer quoi. Normal. Elle sent quoi? Bah, oh, allez, le pipi. C'est un Patrice. Gros sale. Et lui, tu l'appelles normal direct. Oui, maîtresse Pamela. Maîtresse Pamela, et ben voilà. Oh, je suis vilaine. Bravo maîtresse. Ah ouais, merci. Bon, on vous dit opération réussie, mais c'était rapide, on peut en faire un autre. Ouais, allez, vas-y. Allez, si on en a un autre, on le fait vite. J'en reste maîtresse Pamela. Tiens, il y a un mec qui avait sa faute. Non, t'es plus maîtresse Pamela. Par contre, c'est un chauve, ça te dérange pas? Il est chauve. Ah, mais vraiment, ah oui, il est chauve. Il est même rasé de la bite, tiens. Vous savez que je n'aime pas ça. Il est chauve, rasé de la bite, en effet, je vois ça. Ah, il est chauve, ça me bouge. Alors attention, après cette première, ce premier coup de fil réussi. On y va pour une deuxième séance. Allez. C'est parti. Comment ça s'appelle? Non, c'est pas. Non, j'ai pas son prénom. Voilà, on y va. Allô. On y va, ça sonne. Allô. Allô.
Ouais, bonsoir. Oui. Bonsoir. Comment tu vas, toi? T'es déjà... T'es en train de te brûler, toi. Mais ouais, bien sûr. Ah, mais ça, j'entends, mais ça me dérange pas, parce que j'ai grave envie de me caresser. Ah, j'ai grave envie de me caresser, la foufoune. Allez, t'as envie de toucher la chatte. Ah ouais, vas-y. Vas-y. T'as envie de toucher la chatte. Ah ouais, j'ai grave envie, ouais. Ouais, t'as envie de te brander, dis-le. Ah, oui, dis-le que t'as envie de te brander, dis-le. Oui, c'est quoi ton prénom? Patrick. Ah, Patrick. J'ai envie de me branler, Patrick. Allez, répète-le, salope. J'ai envie de me branler, Patrick, salope. Allez, branle-toi plus vite. Allez, branle-toi plus vite. Allô? Patrick? Ah, le mec a coupé. Ouais. Alors, le mec a coupé. Non, mais il a déjà. Alors, est-ce qu'il était très chaud quand on l'a appelé? Lui, ah, bah, il a déjà. Total, quoi. En même temps, le mec s'appelle Patrick. Hein, oui. Oui. C'est vrai. Alors, on rappelle Patrick pour savoir si c'est bien fini, si tout va bien. En général, quand il se barre, si on appelle Patrick. Allô? Oui. Dis-moi, tu es en train de t'amuser avec des copains, là? Ah non, pas du tout, là, je suis en train de me caresser la chatte. Bon, tu es une bonne chienne, tiens. Ah ouais, vas-y, Patrick. Ah, tu es une bonne chienne, dis-le que tu es une chienne. Ah ouais, je suis une bonne chienne, je suis ta chienne, Patrick. Allez, branle-toi. Je suis en train de piquer ma traire lapine, là. J'ai traire lapine. J'aimerais ça traire les grosses pines, salope. Ah ouais, je voudrais savoir la taille de ta pine. Bon, 25 cm bien large. Ah ouais, j'ai envie de te téter la pine. Allez, vas-y, tète-moi la pine, salope. Vas-y, branle-toi quatre pattes, tète-moi la pine maintenant. Vas-y. Tu es une bonne. Allez, vas-y, nettoie-moi la pine avec ta langue de chienne, là. Vas-y. Tu es une bonne chienne. Oui. Vas-y, bouffe des grosses couilles. Vas-y. Ah ouais, je les gobe. Vas-y, gobe-les, branle-moi la pine, tu me gobes les couilles un matin, chienne. Vas-y. J'aime ça faire la salope au téléphone. J'ai envie de te mettre un doigt dans le cul aussi. Vas-y, mets-moi un doigt dans le cul, branle-moi la queue un matin, salope. Je vais branler la queue et le cul en même temps. Vas-y. Vas-y, grosse salope. Vas-y. Salope. J'ai envie que tu me prennes là maintenant, Patrick. Tu veux que je te prenne quoi, le cul, la chatte? Tu veux que je te prenne? C'est toi qui te fais plaisir, Patrick. Vas-y, dis-moi ce que tu veux. Mais toi, quatre pattes, je te baise le cul, la salope. Et je te baise le cul à quatre pattes, là, sur le bord de ton lit, là, comme une pute, là. T'as romantique, j'adore ça. Oui, je suis ta pute. Vas-y, prends-toi fort. Oui, je suis ta pute. Dis-le que c'est une salope au téléphone. Je suis une grosse salope au téléphone, Patrick. Je suis ta pute. Vas-y, répète. Suis ta pute. Vas-y, branle-toi. Oui. Mais Patrick, vas-y, j'ai envie que tu te branles fort. J'ai envie que t'éjacules. Vas-y. Remplis-moi de ton liquide d'amour. Vas-y, remplis-moi. Branle-toi plus vite, salope. Branle-toi plus vite. Branle-toi plus vite. Branle-toi plus vite. Vas-y. Fais écouter ta chatte. Fais écouter ta chatte. Vas-y, tu es une bonne chienne, toi. Tu es une bonne chienne. Allez, vas-y. Allez, Patrick. Je suis ta chienne. Je suis ta chienne, j'ai une belle chatte. Je suis tous les animaux de la ferme. Patrick, c'est bon, Patrick. Patrick. Vas-y. Allez, salut, toi, Patrick. Ça y est. Ça vient. Ça y est, j'ai joui, là. C'est bon, t'as joui où? Dans ta main? Sur moi. Sur ton ventre? Exactement. C'est toi qui as le sexe tout épilé? Exactement, ouais. C'est beau. C'est toi qui es complètement chauve? Exact. La prochaine fois, je frotterai ma vulve contre ton crâne chauve.
Je vais te laisser te nettoyer, c'était très bon. Je te rappelle bientôt, moi, ma poule. Bonne soirée. Bonne soirée, ciao, bon week-end. Allez, bon week-end. Oula, il y a un peu plus. Ah putain, oh, là, bon week-end alors. Tu l'as mis dans un état, dis donc. Ah, bon, en même temps, dès le départ, il était déjà bien, bien chaud. Hein. Oui, c'est vrai. Opération pervers réussie. Et voilà. Soir, une fois de plus. Soit complide. Exactement, ah, Cédric. Ça, ouais. Beau travail. Bravo, joli. Pamela. Merci à vous d'avoir passé la soirée avec nous. On vous retrouve lundi matin dans le morning sur Skyrock. Morning à 13 000 euros la semaine prochaine. Et oui. Ah, chaud. Ah ouais. Restez bien là, on va tout vous expliquer. 13 000 euros à gagner tout au long de la semaine dans le morning. Le morning dès 6 h lundi. La radio libre est de retour lundi soir, évidemment, entre 21h et minuit. Dimanche soir, il y a la spéciale à Palofé. Ouais. On vous souhaite un bon week-end. Profitez bien. Des gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, exactement. Ouais, des bisous, bisous. Bisous. Allez, kiffez. Et restez bien sur Skyrock, ça va déchirer tout au long du week-end. Salut. Ciao. Ciao. Allez, salut. Ça se passe tous les matins dans le morning de Default sur Skyrock.